Voilà. Est-ce que vous avez bien le son du jeu? C'est Rock à la manette, hein, je... Ah oui, il y a le son. Ouais. Mais du coup, il y a encore le tiens, le c'est, son c'est, ça, c'était sûr. Ah, mais c'était ça, sûr, c'était bah sûr. Forcément. Salut Flore, Graffin. Graffine? Salut Flore, c'est plus. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent sur TikTok. Alors, du coup. Ah oui, Lazik, merci. Tu peux pas ouais, me dire qu'elle. Il y a la musique. Heureusement, encore, ouais. Heureusement que t'es là, Alox. Hein. Merci de superviser. Ouais, hein. Faut qu'on fait la. Sirène, voilà. Alors, donc là, il y a que le son Animal Crossing. Vous avez vu, j'ai changé d'angle la cam, je l'ai remise. Non, en vrai, je stresse pas trop parce qu'en vrai, il peut rien faire de grave. Genre, s'il supprime mon île, je le déglingue, tu vois. Oui. Ah, je cherche on peut faire. Ah oui, Zeric, je peux supprimer. Non, la bah tu fais pas ça. D'accord, promis. J'enlève la foutue. Non, non, j'ai déjà, tout. Déjà, j'ai été gentil de m'accueillir, voilà, parce que bah en ce moment, j'enchaîne les galères sur Gaël. Joue et moi je lis. Allez. Mais joue là. Putain, il est trop con. Il regarde le retour là-bas alors que le jeu il est là. Il est vraiment joué sur l'écran là-bas. Le truc il est à l'autre bout, genre il est tout petit comme ça, il y a nous ici, pas, il y a tous les éléments agréable de regarder là-bas. Mais non, il est en retard en plus. Oh putain de merde. Oh là là, sors de la chambre. Ça va le faire, ouais. Putain, vraiment. Ça va le faire, vous inquiétez pas, ouais. Il n'y a ouais. pas que le doigt qui fonctionne, son ouïe aussi. Le cerveau aussi, t'inquiète. Allez, dans ce dimanche 26 novembre 2023, il est actuellement 13h06. Menteuse. Ah ouais, je suis pas à la bonne heure, mais c'est pas grave. Je n'ai rien de spécial à vous menteuse annoncer aujourd'hui. Bah super. Marie, tu aurais pu dire oui, bah bonjour, on accueille Rock aujourd'hui sur la chaîne. Sereinement. Et j'espère que vous profiterez de cette journée pour vous ressourcer. C'était Marie et à bientôt. Ok. Vous allez être spoilé des deux derniers épisodes. Ah merde. C'est pas grave. Merde, merde, merde. Non, mais c'est pas grave. Ah non, il faut pas. Non, mais c'est pas grave. Le chat, regardez pas l'écran. C'était une blague. C'est pas grave, il est juste rasé, quoi, c'est tout. Pourquoi t'as une monodent? Mais c'était un problème quand ah, contre ma dent. C'est un lapin. T'as un souci contre ma dent. Regardez pas, vous êtes là mais vous regardez pas, ok? Ouais, vous regardez pas trop. C'est hein. ça. Non, pas ça, c'est la vie. Le silence pour cul. Non, en gros, bon, je vous spoil un petit peu, c'est pas grave. J'ai rasé l'île. Enfin, rasé. J'ai rasé. Bah, vas-y, fais le tour là, fais balade. Ah, pardon, ok, il faut se balader, ok. Alors, de ce qu'on m'a appris, il faut. Alors, point numéro 1, les amis. Il ne faut pas courir sur les fleurs, sinon vous. On s'en fout, tu peux courir dessus, ça repousse de toute façon. Dans ce jeu, elle repousse. Non, mais cours pas dessus, mais putain, mais. Alors, est-ce que tu peux... Attends, ah oui, les habitants. Mais tu sais ce qu'on peut faire? Moi, je peux faire venir une de mes autres Switch dessus, et comme ça, je te guide un peu. Tu veux jouer en même temps? Non, ça va être... Non, ouais, vas-y, on laisse non, comme on ça. Fera plus tard. Attends, je veux le... Alors, les habitants, on a qui? Est-ce qu'on a Gertrude? Bah non, on a pas... Oh, y'a Rocky! J'ai voilà. pas Gertrude. Bah ça va, tant que t'as pas Gertrude, moi ça va, je veux jouer. C'est avec ah, plaisir. Parce que moi j'ai Gertrude sur ma Switch. Tu joues, moi je fais la régie, ok? Non mais je regarde d'abord. Salut, les Chicanari. Je regarde d'abord les persos pour savoir vas-y, si. Vas-y, bah vas-y. Ah, tu non, les y a... connais, c'est quel le plus gros? Y'a Cohen, non, je veux pas jouer. Ah merde. Ah mais merde, je crois qu'on est peut-être dessus. Bah non, j'ai enlevé, tu crois que je suis quoi? Je suis la régie ah, là. Putain, elle est trop forte en fait. Je suis la régie en fait. Ouais, ouais. Non, ça va, ok. Les persos sont cool, c'est bon, je veux jouer. Ça me va. Ok. Ça commence pas. Mais non. Tu sais ce que tu peux faire là? On ramasse les quêtes. Non, tu vas enlever. Tu vas prendre le remodel et tu vas dégager les chemins. Ok, donc on dégage tout ça. Donc déjà, avant, fais le tour. Ouais, on fait le tour fais et le on. Tour okay, de l'île. Vois un petit peu, parce que je suppose que tu regardes pas mes let's play. Si, j'ai regardé les trois ouais, premiers épisodes. Ouais, j'ai regardé les trois premiers. Hein. Non, mais en vrai, je suis sûr que tu regarderais mon let's play, tu comprendrais comment on joue Animal Crossing. Bah, peut-être, oui. Mais c'est vrai que malheureusement. Encore, mais ouais, faut installer une maison. Ouais. Ok, donc là, on fait le petit tour. Donc là, t'as fait plein d'habitations et là, t'as le camping. Ouais, alors de base, t'as mis tu un vois. Petit sac couchage, ouais, c'était pour décorer pour avoir les trois étoiles. Ah, okay d'accord. Comme je t'ai appris. Tu vois sur la carte, t'as les embouchures en bas en haut. Ouais. Et en fait, il y avait une rivière qui faisait tout le tour, ce que je l'ai enlevé. Donc, okay. Il y avait ma maison, là, il y avait une rivière qui séparait ma maison de cet endroit-là. Genre là, tu marches sur là où il y avait la rivière, littéralement. Ok. Je donc, il n'y a plus la rivière, non. T'es, non, c'est pas un poisson. Ok. Lui, c'est Tony. Il va très certainement dégager parce que le cheval du prince charmant. Oh, il est mignon quand même. Il est pas moche, mais vas-y, enfin flemme, t'as vu ouais. Sa dégaine bah, regarde-le avec son donut, il a une cape. Il a une cape. Il a une dégaine de Charles-Henri. Prends-tu. Désolé pour tous les Charles-Henri de ce chat. Je pense qu'il n'y en a pas un seul. On sait jamais. Je préfère faire oui, s'y mettre avec le remodel. Ok. Donc. Très bien, donc. Toi, en fait, on est à peu près à là, sauf que toi, t'as pas rasé l'île encore. Oui, c'est donc ça. On est à peu près à là. Mais j'ai quasiment fini de raser l'île. Moi, sur cette île-ci, je pars sur un thème. Bon, du coup, qui sera. Différent de ce que j'ai fait sur mon île Altea, je pense que tu passes de temps okay. en temps, tu vois, c'est une île qui a à peu près les mêmes types de chemins avec plein de palmiers, etc. C'est mon okay. île du thème Palm Spring. Mais cette île, elle va porter le même thème. Ok. Ok. Donc elle aura le thème
Palm Spring aussi, mais vu qu'on l'a fait entièrement sur Altair, on va pas le refaire entièrement sur YouTube. Du coup, tu peux faire un thème un peu différé. Ouais. Enfin, ça va être un thème qui va être sur le même thème un peu californien, donc il y aura une partie un peu urbaine et une partie qui sera beaucoup plus aquatique, en mode... Alors, je vais te montrer sur Pinterest pendant que tu regardes ça, parce que... Ça marche. Ça va être compliqué, sinon. Mais du coup, là, tu vois, j'ai commencé à placer les chemins. On peut commencer, du coup, à prendre le remodel pour enlever les... Alors, ça, on laisse, du coup. Ça oui, ça oui, ça oui. Mais okay, je pense que je l'ai dégagé parce que j'ai fait ça pour tester, tu vois. Mais je pense qu'au final, j'enlèverai peut-être c'est un truc. Mais du coup, moi, je partirais sur un truc de ce style, par exemple. Tu ouais, vois, c'est stylé de fou. Ou en gros... Mais c'est pas du tout Palm Spring, si. Non, justement. Ah. Mais ça, en fait, ça va y avoir, si tu veux, je vais utiliser le rez-de-chaussée pour placer certains trucs. L'étage, le premier étage, je vais le mettre tout en eau. Et en gros, ce sera un peu comme si il y aura des chemins. Entre les grosses falaises où il y a de l'eau dessus. Ok. Bah un peu comme là, tu vois. Ok, oui. Tu regardes pas du tout. Non, mais si, si, j'ai... Non, mais t'inquiète pas, j'ai regardé, ouais. Ah, mais si, il faut regarder. Ah, ok. Mais le mec est perdu. Oh, elle là. Oui, elle est grognon là. Ouais, bah tu lui parles. Quand ils font ça, ça veut dire qu'ils veulent te demander oh, soit Queen de partir. Je suis dans tous mes états. Je te demande pardon. Je me plais bien ici, tu sais. Mais je me demande si l'heure n'est pas venue pour moi d'explorer de nouveaux horizons et de partir. Alors. Bah si, c'est une voix comme ça, Damien. C'est ah une ouais. voix type Mickey, non un peu. D'accord. Alors là, Damien. Il faut lui dire oui, casse-toi. Non. Damien, je sais pas ce que vous en pensez le chat pour le thème un peu californien. En vrai, elle fait grave. Je sais pas comment. Je sais pas si on la garde ou si elle dit de dégager. Tu veux faire un sondage? Bah ils peuvent nous dire dans le chat quoi. Elle fait automne, tu trouves? Bah alors dis-lui de partir. Elle fait automne, ouais, allez. Dis-lui oui peut-être. Peut-être oui. Goodbye my lover. T'as la peau? Non mais c'est... Bah après en vrai je trouve que son style est négatif. Enfin pardon mais alors... Son style est négatif hein. Voilà donc ça va pas. Non non non. Mais ça fait trop. Bah ouais ça fait automne j'avoue avec le petit. Non ça fait même Noël. Elle a un pull de Noël. Ça va c'est pas ouais, un pull ce que moche mais quand même. Je vois ce que Marvin ouais, non, je... ouais. Bon du coup elle partira. Donc ah, là mince. Ça veut dire que oh quel dommage. Non mais là tu sais comment ça fonctionne ou pas? Non. Parce que t'as un style dans l'œil. Ah bah il est tombé je sais pas où. Bah super ok. Tu le voyais pas genre il était vraiment genre non. Devant ton œil quoi. Je voyais pas. Ok. Du coup, j'ai peut-être pas la vue. Possédé la par vue n'est peut-être pas là non plus. Non, peut-être qu'il ne voit plus finalement. Donc, du coup, tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire quoi? Là, t'as dit de partir un habitant, ça veut dire que demain, cet habitant sera en carton. Donc, quand un habitant est en carton, ça veut dire que n'importe qui a le online peut venir chercher l'habitant, aller lui parler, lui dire bah si la personne a une place de disponible sur ton sur okay. son île, ça, lui je dire peux, de venir. Tu voulais des habitants? Bah oui, s'ils si partent et que tu. D'accord, enfin, ok, si non mais veux, c'est oui, noté, tu peux, hein, le, c'est, tu peux venir le chercher. C'est noté, il n'y a pas donc, de... Donc, demain elle sera en carton, et après-demain la parcelle sera vide. Et qui dit parcelle vide, dit tu peux aller chercher des habitants dans une chasse à l'habitant, d'accord. Avec des tickets MyZnook. Ok. Ok. Voilà. Bisous Oxy. Des bisous. Bisous bisous. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est ah oui, bah oui, l'internat, tout ça. Ouais, force. Bon courage. Salut Muplo. Salut Méline. Méline. Coucou. Et salut aussi Peaceful Mind. Peaceful, coucou, salut Mimi. Bonjour, bonjour. Désolé si on vous loupe, hein, évidemment, n'hésitez pas. Répète, je devais dire quoi? Ce que j'ai dit. Bah si, du coup, il est en carton et du coup, bah les amis, oui. Y a quelqu'un qui a l'online qui peut venir voler ton oui, habitant. Et après, j'ai dit quoi? Bah après, du coup, on part en chasse à l'habitant. Voilà, ok. Ouais, ça va. Oh, les belles émotes, Nefert. T'as vu, je suis j'ai cru que c'était ton frère. Bah ouais, c'est mon frère en fait. Bah, en vrai, enfin, si... vous verrez jamais mon frère sur cette chaîne. C'est sûr. Bah, je pense en vrai ça se ressemble un peu vite fait. Hein. Il y a des. Ça va. Hein. Genre le ton. Bah, mon frère il a juste ses yeux bruns et les cheveux bruns. C'est ouais. tout. Bah, ça ressemble déjà quasiment très pour très à moi, mais bref. Salut merci. Yunali. Merci de meuf normale. Et merci Mila pour le follow. Et salut Yunali. C'est vrai. Comment ça va? Salut Shannon. Coucou Mathéo, ça va et toi? Bon, du coup, qu'est-ce qu'on vas-y, fait? Vas-y, montre-nous bah, tout neuf là. Montre-nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Allez, je te suis. Bah tu me suis mais c'est toi qui as la manette. Alors oui, bah, non, moi mais... je suis heureuse de te montrer un peu c'est pas grave, c'est pas grave. Désolé à tout le monde là ce que ouais. Le mec il ressemble trop à mon Hermano. Oh, les modes de danse regarde. Elle est stylée. Elle est c'est trop en cool. Kigurumi là. Mais non c'est Stitch. Oui mais en Kigurumi. C'est un Kigurumi Stitch. Pourquoi Kigurumi? Allez. Alors du coup le remodel on disait les amis. Alors ce que je vous propose c'est qu'on ressorte le remodel. Hola tout le monde c'est Cohen. Tuto sur le remodel. Alors comment on fait déjà
Elles sont trop belles, Neftes et Emma, j'adore. Elle a appelé son émote Nefert. Nefer. Tu choisis pas, c'est Twitch qui... Non, si. Voilà, waouh, elle est trop cool avec les étoiles dans les yeux, regarde. Oui, j'avoue, elle est stylée. C'est qui l'artiste du coup? C'est Tammy. Ah, c'est Tammy. C'est qui Tammy, ouais. Ouvre ton téléphone. Attends, oui, c'est ça la touche. Non, parce que je suis. Moi, je joue avec une manette, moi. Moi, je joue avec une manette. Le remodel, il est là. Vas-y, c'est parti. Et du coup, on est parti. Et tu vas enlever les sols. Oui. Et paf. Oui. Alors. C'est quoi le service de nettoyage? C'est quand t'es bloqué entre des arbres, des buissons, des trucs comme ça, que t'as plus de pelle ni de hache pour sortir. D'accord. En vrai, je t'en sers pas trop. C'est un bout de caillou qui vient te sauver. Mais en fait, ça va juste enlever les arbres autour de toi, dans un rayon d'une case autour de toi. Donc on fait ça, okay. En fait. Donc, moi, si j'... Alors, tant qu'on est là, dans la parler des motifs, t'en as oublié deux. Sous les marches du... Ah, ça compte ça aussi. Bah oui, ça compte. Faut tout lui apprendre, évidemment. Et je comprends. Bah, okay, faut tout lui apprendre, justement. Touche-nez. C'est l'heure du touche-nez. Je suis en train de défoncer. Mais Ah, tu peux faire des... Mais je fais des mini-coins. Alors là, pour le remodel... là, si tu veux faire au bord, ça sert plus à rien de le toucher. Alors, par contre, vise bien. Là, tu peux. Je sais pas, vise. Oui. Tu peux. Alors. Va enlever lui. Voilà, enlève-le. Ça fait un peu. Non, mais non, mais t'es con, t'as pris le même motif. T'as pas pris l'herbe, t'as pris le motif de terre, imbécile. Mais c'est pas de l'herbe, ça? Mais t'es en train de mettre de la terre. Mais ça, mais... Appuie sur plus. Mais oui, mais moi j'ai fait tout ce qu'il y avait. Mais... Appuie sur plus, t'as pris le truc de terre. Mais non. Appuie sur plus, je te dis. Mais je comprends rien. Parce que, merci en gros, beaucoup Claire, merci beaucoup Kinsey. Là t'as choisi le truc de terre. Donc en fait, le truc de terre c'est soit t'en appliques, donc tu mets de la terre, soit si tu mets sur un bord comme ça, ça arrondit, comme tu viens de faire. Là ça va. Là ça l'enlève parce que là tu places le motif d'herbe. Ok. Ok, ça paraît logique, dis donc. T'as trois étapes. Okay. Tu places le motif, tu peux l'arrondir et okay. Tu l'enlèves. Et c'est pour ça que quand tu faisais deux fois dessus, ça l'enlevait. J'ai pas capté, j'étais en train de discuter. Mais bref, moi je disais que du coup, les chemins du remodel, en vrai, si tu veux construire une île, c'est pas les plus intéressants. Non, vaut il faut mieux, que t'en fasses des persos du coup. Vaut mieux utiliser des motifs personnalisés. Enfin, okay. Moi je trouve que ça fait plus. En fait, avec les motifs perso, je trouve que t'as l'impression, en tant que visiteur de l'île, que l'île est plus travaillée qu'avec du simple remodel. Parce que le simple remodel, en fait, ça fait vraiment jeu basique, en fait, et ça fait pas jeu recherché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout, là, t'as que ça, un truc... Pour l'instant, oui, parce que je les ai pas achetés, parce que j'avais pas assez de sous. Voilà, donc c'est ça. Ouais, j'ai pas tout débloqué, là. Mais là, en gros, quand tu veux enlever un motif comme ça, et que tu veux vraiment t'en débarrasser sans l'arrondir ni rien, tu prends le motif d'herbe et tu t'appliques dessus, en fait. Ok. Ok. Ouais, c'est bon. Donc là, on est bon là. Donc juste, ça prend un peu de temps quoi. C'est un peu voilà, lent. Voilà, c'est ça. Salut Claire, salut Kinsey. Merci pour vos follow. Merci pour tout. Merci Mila aussi pour les follow. Bienvenue. Et bonjour à ceux qui sont sur TikTok. Merci beaucoup pour tous vos follow. J'espère que vous allez bien et vous me faites penser qu'il faut que je publie mon TikTok. Ceux qui disent que c'est chaotique, vous êtes mauvaise langue, je trouve. Ça va. Ah ouais, bon, pour l'instant, après, ça demande pas non plus grand chose. Mais ouais, pour l'instant, ça va. C'est pas si compliqué. Bon, juste voilà, juste j'ai des problèmes de visée. Et comme tout le monde, quoi. Non. Si. Pas comme tout le monde. Si. Comme tout le monde. J'en ai plus trop, moi. Non, mais ouais, mais toi, t'es quoi? J'ai tellement appliqué du sol. C'est bon, à force du nombre d'heures, là, vous voulez qu'on regarde le. Ah, non, mais on est pas sur cette. Arrête, c'est vrai, Yuna, mais Yuna, tu vois, elle joue beaucoup, hein. Tu sais que j'ai jamais pensé à faire ça avec l'herbe. Et voilà. Tu vois, et quand je dis que ce stream peut servir à tout le monde, ouais, c'est que ça peut servir sûr. À tout le monde. Bien sûr qu'il peut servir à tout le monde. Et on mettra ça en application la semaine prochaine. On va essayer. Ouais, du coup, c'est quand? Ce serait mercredi? Je sais pas, ouais, peut-être mercredi, ouais. Parce que toi, du coup, t'as débloqué le remodel. Tu as le online. Remodel. Après, toi, en fait, c'est compliqué parce que je pense que t'es pas un joueur. Je pense que déjà, toi, de faire du remodel, ce serait déjà bien. De mettre ne serait-ce qu'un chemin comme ça dans ta ville, ce serait déjà une chose. Ce serait une première étape, tu vois. Là, j'avoue que je sais pas trop. Parce que c'est vrai qu'avec le thème qui est dans ma tête, c'est compliqué. Oui, parce que tu veux faire un truc un peu en mode référence avec des cailloux et faire un thème très caillou, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, après, il y a plein de. Peut-être une petite route en cailloux, quoi. Bon. Mais il y a des routes en cailloux. Je vais allumer celle-ci, je vais te montrer parce que là je les ai pas. Ok, ça. Ouais. Merci beaucoup, Tio Blooms. J'espère que tu vas bien. C'est plaisir de te voir ici. Incroyable. C'est un caillou? Oui. Oh, les beaux cailloux. Oui, bien sûr. J'enlève cette one. Qui met de l'herbe sur de l'herbe. Et écoutez, juste, je sais pas viser. Mais oui, mais c'est juste pas viser. Voilà, c'est juste ça. Hein. Vraiment, si vous posez des questions, je sais juste pas viser. Et salut, Lili. Oui, c'était vraiment ça. Ah, c'est l'heure de boire. De l'eau. À la vôtre. Tu leur as montré mon beau verre? Ouais, c'est un verre avec des petites fleurs. Attends.
rafleurs. Tu le caches, tu défonces. Non mais je m'en fous avec mes gros doigts là. C'est très bien. Oui, oui bon, je mets de l'herbe sur de l'herbe, mais c'est pas ma faute. Kaya sans force. Voilà, let's go. Eh, dites-leur les termes. Alors là, tu vois, t'as un caillou qui nous fait chier. Alors, soit, est-ce que tu veux que je le dépense? Tu sais comment on fait? Oui, il faut que je mange un... On n'a pas de fruits. Bah, tu peux aller... Bah, ils sont tes... j'ai plus d'herbes. Regarde, sur les plages, j'ai planté, je pense, des cocotiers. Ouais, mais aussi, tu bloques avec des buissons. Comment ça, je peux pas... passer là, il y a des cocotiers. Il faut que tu ranges ton outil, donc flèche du bas. Flèche du bas, ok. Ça l'enlève, ça le déséquilibre. Ah, ok, parce que c'est comme un outil. Et du coup, je fais ça. Ouais. Je prends ça. Ramasse les deux, comme ouais. Ça, au moins, c'est propre. Non, j'allais le laisser. Et maintenant, comment tu fais sans ouvrir, sans ouvrir l'inventaire? Tu sais pas ça, tu connais pas le truc là? Bah attends, mais comment tu fais? Alors, moi j'ai acheté un truc, ça s'appelle le. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le panel d'outils. La manette est très moite, sachez-le. Il est pas sûr. Mais non, mais t'appuies sur la flèche du haut et ça t'ouvre les équipements. Tu peux mettre des fruits dans les. Non. Je voulais te faire d'abord équiper la pelle. Et sinon, t'as les boutons du côté qui te font sélectionner les objets un par un. Oui, ça je sais. Ok. Mais et là voilà, bah vas-y. Ouais, mais le fruit, il faut le manger. Bah là, tu l'ouvres, t'as où l'inventaire? Ah bah là, ok, t'as pas de rapport. Bah je voulais te faire équiper la pelle avant en fait. Ah ok, d'accord, ok, ok. Du coup, bah tu manges et. Bah c'est bien, il connaît ça déjà qu'on peut casser les pierres avec les cailloux. Ça, je sais. Les pierres avec les cailloux. Allez, super. Voilà, y'a quoi maintenant? Ah mais on. Mon petit cloporte, tu veux pas l'attraper là? Est-ce que j'ai un filet? Non, je crois pas, je l'ai vu, l'enlever. Voilà, vous, super, voilà. Allez, moi un abo de rock. Allez, non, mais c'est même pas ma faute en plus. Là, donc, là si je suis tu pour tapes ta commu, ça part sur un net follow. Mais non, mais ça va, j'ai juste. Voilà. Salut, petit gnome, salut Omi, salut Romac. DC. Roma DC. Romac. Romac. Romac DC. Salut, petit gnome. Merci beaucoup, Yuneo. T'inquiète, on. Salut Omi, salut Roma. On donne tout là. Alors, arrêtez les travaux. Non. Non. Ok. On est reparti. Donc là, pour équiper. Ah oui. Non. Si. Si, c'est plus. Okay. Tu reprends ton herbe, voilà. Ok, et là c'est reparti. Mais comment ça une follow? Mais comment ça? Mais je veux. Ok. Équiper un fruit, non, ça par contre c'est pas encore. c'est pas encore en actu ça. Et ça aurait été stylé, mais ça aurait été stylé. Tu mets ta petite réserve là, comme ça. J'avoue, en vrai ça aurait pu être. Bah voilà. Donc Animal Crossing Nintendo of Japan, si vous passez par là, bah. Je pense pas, mais. Écoutez-moi, voilà. Why not? Voilà. C'est tout. Merci beaucoup Souk pour le 10e mois. Oh Souk, merci beaucoup. Comment tu vas? Tu vas bien? Et coucou par ici Koan et les Koa en cœur. Alors attendez, j'essaye d'ouvrir la salle parce que je peux te montrer. Il y a des des chemins de remodile. Ouais. Qui sont en pierre. Et du coup, est-ce que qui sont jolis? Mais c'est des chemins du coup que tu récupères par le biais du online et de la. Non, pas communauté. De. Non, non, non. Ah, tu les fais toi-même? Non, le remodile en fait, tu les achètes et tu les débloques. Mais y a pas des chemins que tu peux faire toi-même? Si, c'est des motifs personnalisés. Mais là, moi, je te parle des chemins. Ah, donc il y a déjà des trucs déjà fou ouais, cailloux. Ouais, je vais te montrer. J'allume juste assez, voilà. Je te montre ce qui existe. Ça marche, ça marche. Oui, oui. Quoi? Parce que j'ai ouvert ma Switch. Louche. Salut, hop. J'ai pas dit bonjour. Ça va, Souk, merci, ça va bien. Putain, en fait, je pense qu'ils doivent être stressés par ce que je fais. Je pense, ouais. Il y a des moments, je fail et du coup, je. Non, mais ça va, en vrai, tu te débrouilles, c'est bien, ça m'évite de le faire. Ça va ça, c'est... Coucou, Hydro. Pour l'instant, vous êtes en mode ouais, il est bien gaze ou ça va? Vas-y, bonne question. Non, t'inquiète, tu gères, l'Oxydie. Oh après, c'est l'Oxydie. Bah, après, c'est l'Oxydie. Elle l'exploite, bien sûr. J'en profite au maximum. C'est vrai que par contre, j'avoue, ouais, je me fais exploiter de fou. Tu gères la fougère. Mais par contre, quand tu fais ça, tu gères pas trop là. Là encore moins. Mais. Arrête de tourner, pourquoi tu tournes? Fais juste un petit à-coup. Fais juste un petit à-coup comme ça pour monter. Pourquoi tu tournes en tirant? Mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça apporte un peu de style. Un peu de style, ouais, pas trop. Ouais, c'est ça, c'est. C'est non. Avec ta monodent là, c'est bon. Ma monodent, mais laisse-moi en fait. Peut-être qu'il y en a deux ou trois, tu sais pas? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il y en a 14? Bah, ouais, mais ça devrait être un peu mieux fait, c'est tout. Et salut Hydro, bien sûr. Oh là là, c'est beau ça. Danseuse étoile, Rock il tourne. Mais oui, avec plaisir, je vous fais la démo en direct live. Bah, vas-y, vas-y. Ils vont tous dire vas-y. Bah oui, merde, c'est vrai. Il est bourrax. Pourquoi t'as oublié hein? Si seulement. Bah, c'était pour faire chier les gens et pour montrer que c'était pas satisfaisant. Mais... Salut Mia, ça va et toi? Et merci pour vos follow sur TikTok, merci. Pili-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Tourner dans le vide, c'est vraiment. C'est Indila en fait, il vous l'a pas dit, mais c'est Indila. Je sais pas en fait, quand je suis stressé, je fais ça. Non, non, vraiment, je fais ça. Ça va, merci beaucoup, Minali, c'est gentil. Ça me fait plaisir.
C'est dramatique là. Voilà, merci beaucoup Muplo. Oh, ça dit les termes. On se battra pour les gens qui sont pas bons. Si jamais d'ailleurs j'en profite pour faire un petit shout out, n'hésitez pas à aller follow Rock. Il y a le, il y a sa chaîne qui apparaît tout en haut du chat. Vous avez juste à cliquer sur le petit cœur. Vous donnez de la force quand même. Il est pas méchant. Et on va essayer de mettre les conseils en application. Ok, donc là on a viré tous les chemins. Ok, maintenant tu vois là on a un pont qui nous fait chier. Ah, tu veux enlever le pont? Ouais, faut qu'on l'enlève. On a un pont qui nous fait chier parce qu'en fait on peut pas raser le reste de la rivière. Donc raser ça veut dire t'enlèves. Tu vois là, tu sais ce que c'est un reset par rapport à un rasage d'île? Oui, reset c'est que tu vas juste recommencer vraiment le jeu de zéro, donc toute l'histoire et tout, alors que reset c'est juste que tu vas raser. Enfin, tu vas. Raser, ouais, c'est juste que tu mets à plat. C'est ça. Okay. C'est bien, ils connaissent ça. Hein. Oui, bah après, ça va, je connais le langage jeu vidéo. Ah, oui, mais il y en a plein qui connaissent pas. Oui, mais c'est du langage anglais et jeu vidéo, forcément. Donc après, ça peut être. Je sais parce que je suis bilingue. Ouais, je suis bilingue, yeah, I'm bilingue. You know. I'm sorry, I can't speak with you, I'm bilingue. Et on n'est pas des bolosses. Non mais arrêtez parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent ce que c'est la différence entre les deux. C'est pour ça que je vous précise. On attend que ça danse Rock. Bah, peut-être à la fin. Il est pas méchant. Pour le cliffhanger, on jouera Just Dance. J'ai Just Dance 2020 sur ma Switch. Bah voilà, c'est pour ça. Donc non, si vous êtes j'ai sage. J'ai pas envie, je suis en pull. Bah moi je le ferai tout seul. Bah avec grand plaisir. On a payé pour qu'il se fasse exploiter. Bon maintenant faut qu'on enlève le pont. Alors comment on enlève le pont? Ça je sais pas par contre faire. Comment, selon toi, comment on enlèverait le pont? Bah pour les mettre avec Tom, on les met avec Tom Nook. Ouais, donc pour l'enlever, c'est pareil. Voir Tom Nook. Ouais, c'est ça. Donc c'est à gauche. Donc je vais devoir discuter avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est pas trop mignonne, elle. Oh, petit drift là. Elle est pas trop chou. Ouais, j'avoue. J'avoue, elle a un vrai flow. Ouais, un flow de coach de sport. Un peu, voilà. Mais vas-y, vrai flow, vrai flow. Elle est mignonne quand même. Donc j'avoue, le drift, il s'est vachement entendu, bordel. Oui, c'est fou. On détruit le pont bazooka et l'enchirage, ça ne fonctionne putain, pas. J'avoue que j'aurais bien aimé. Bon élève. Eh, hey, j'écoute hein, par contre. J'écoute. Non, c'est tout ami, petit gnome qui me fait ma. Je suis pas méchant. Mes émotes. C'était archi méchant. Ok. Alors, hop là. Donc là, on va voir le monsieur. Oh, tu l'as interloqué. Oh. Mais je lui dis, bah. Oh. Moi, je l'appelle de loin là. Lolo, t'es détestable. Le twerk. Ah, alors. Non, malheureusement. Alors, pour les rares personnes qui m'ont vu twerk. Était là pendant l'événement Bird of Prey, c'est pour ça que j'ai twerk. J'étais là. J'ai twerk avec Rose. J'ai vu. Ah, c'était beau. Hein. C'était un magnifique c'était twerk. C'était désastreux, mais surtout entre les bureaux. T'avais pas eu de place entre les bureaux. Non, il y avait pas. Alors pour ma défense, il y avait pas de place. Donc j'ai fait un twerk timide. Ah, très timide. Très très shy. Il y a peut-être le clip sur la chaîne. Salut Dabsimbo. Merci pour le follow et salut, salut Tom. Que maintenant la notif. Oh my god. C'est trop. Mais regarde, du coup, je te montre. T'as ça comme sol. Ok, oh, c'est stylé ça. Et t'as un sol qui fait un peu plus. Ça fait bien gravier là. Plus bien place, tu vois. Ouais, non, mais donc c'est t'as, en ouais, fait, tu débloques stylé. Tout ça comme type de sol. Il faut les sol. Acheter. Ouais, ça okay. coûte genre 2000 miles. On va passer à la caisse. Super. Non, mais on va pas les acheter là, mais toi sur ta partie par contre, tu peux. Rocky et tu peux commencer. En vrai, je pense qu'au début de l'île, toi en fait, vu que tu dois tout développer, enfin, tu dois tout développer sur ton île, tu dois tout apprendre à jouer. En fait, t'es obligé d'apprendre à jouer. Sauf que Rock, c'est quelqu'un qui en stream parle beaucoup. Et sur Animal Crossing, en fait, il fait que lire le chat et du coup, il est tout le temps déconcentré, il sait plus ce qu'il doit faire à chaque fois. Faut dire les termes, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Animal Crossing, moi, je trouve, honnêtement, je trouve que c'est un jeu que tu peux pas juste faire en live. C'est un jeu où t'as vraiment besoin d'y jouer bon, de ton après, côté. Bon, ouais, il faut que t'avances, il faut que t'avances de ton côté, ouais, hein, genre en off, parce que sinon c'est puis très surtout, très bon. Si, bah, faut que t'avances de ton côté, faut surtout que tu prennes plaisir à jouer. Jouer en stream, c'est peut-être une contrainte de. Sauf si tu joues tous les jours, là oui, dans ce cas-là, ça va, tu vois. T'inquiète. Non, mais continue ton pitch, moi je suis bien là. Mais ouais, je pense que vraiment Animal Crossing, pour connaître bien le jeu, c'est un jeu auquel vraiment faut que tu joues, pas tous les jours, mais très régulièrement, et que tu joues de ton côté. Quand t'es streamer, il y a des streamers, je sais qu'ils ne veulent jouer qu'en stream, mais genre une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Sauf que c'est pas. Je trouve pas que ce soit assez long en fait. J'ai pas l'impression que ce soit assez long quoi. Non. Non, mais je suis d'accord. Hein. Merci beaucoup Alicia pour le follow, merci beaucoup, salut. Océane, et salut Frézouille. Rocky Twerk, à quand le Renaissance Tour? J'ai c'est pas la Alicia, ref. Merci pour le follow. C'est quoi la ref? De qui? Renaissance Tour. Ouais. Renaissance Tour, c'est qui ça? C'est Beyoncé? Je sais pas. C'est pas Beyoncé? Je sais pas. Ouais. Bon, parce qu'il fait que parler. Mais Tom Nook, par contre, je suis désolé. Mais t'as fait n'importe quoi là, parce que. Non, démolir c'est un élément. Okay, c'est ça, ouais. Démolir un élément. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, s'il y a une chose qui me fait chier, c'est que ce jeu, ça parle trop.
Voilà. C'est vrai qu'il parle beaucoup. Voilà. Si tu veux capter mon attention, bah il faut que tu aies un peu de parole. Tu parles, tu joues pas. T'avances pas, tu sais pas faire les deux choses. C'est pas. Et encore, t'as pas vu. T'es pas tombé sur Maurice ni sur Sarah dans le jeu encore. Oh putain. T'es pas tombé sur eux. Oh putain. Ah, c'est l'heure de boire. Buvez de l'eau. Pire que Genshin, vraiment. Ah, c'est Beyoncé. Ah, ok. AK, la Queen Bee. Ah oui, Queen Bee. C'est le maire de. Dans les Simpsons. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Les belles rêves. Vraiment, Tio Bloom. Vraiment. Merci beaucoup. Pas trop. Rock ou Caillou en français. En français de France. Caillou, ouais. C'est tout ça, c'est Caillou inconnu en français, mon pseudo. Ouais, c'est ça en fait, Hydro. C'est en fait. Tu peux, en tant que streamer, en vrai, tu peux jouer à Animal Crossing de temps en temps, mais je pense que t'arriveras jamais à un stade où moi j'en suis entre guillemets dans la déco. Moi j'ai tellement joué de mon côté solo, j'ai tellement découvert le jeu en me concentrant sur ce que je faisais. Parce que quand t'es en stream, en vrai, tu t'es concentré sur le chat. J'en ai qu'un, donc forcément t'as pas le choix. Mais t'es tellement concentré dans le chat, tu parles beaucoup de choses, surtout sur un jeu aussi chill. Animal Crossing, vous avez vu mon petit coup d'œil en mode petite pause, petit coup d'œil, hop, c'est bon, ok, je reprends. Démolition. Super. Mais c'est vrai, Numap. Enfin, moi, le jeu, je le connais comme ma poche, tu vois. Au point où j'en suis, oui, il faut jouer. J'ai quand même 4000 heures de jeu, tu vois. Je crois qu'il en a 30. Ouais, en vrai, franchement, je pense que. Elles sont même pas affichées sur la société où il a pas beaucoup joué. Je dois avoir en tout 40 heures, je pense. Avec le confinement et ce que j'ai fait en stream, ouais, 40, 50, 5, allez, 50 heures. 100 fois plus, c'est ça qui est. Eh oui, bah, c'est pour ouf. Ça. C'est pour ça. Après, en vrai, honnêtement, hein, je pense que quand même pour. Alors, pour découvrir vraiment Animal Crossing en profondeur, je pense qu'il faut. Non, parce qu'il sera plus là demain. Après, on peut. Non, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, tant pis. Hein. Non, mais moi, je pensais que ça allait être fait. Top Nook, c'est un branleur. Bah non, t'as pas lu. Je vais dire ce que tu vois, tout le monde pense tout haut. Non mais. Tout ce que tout le monde pense tout haut. Je vais dire tout bas ce que tout le monde pense tout haut. Voilà, c'est bon, et c'est un branleur, Top Nook. Faut dire les termes. T'aurais lu. Mais oui, bah j'aurais lu. Peut-être que ce serait passé différemment, mais bon. Non mais ouais, mais c'est ça. C'était les explications de Top Nook, c'est rien. Dépité face à un fond, je te jure. Vraiment. Tu vois, c'est ça, 4 000 heures. Après, tu peux time travel d'un jour. On peut faire ça parce qu'on soit bon. Si tu veux, c'est toi la chef. Vas-y, t'as me travailler. C'est toi la chef. Je te laisse à me travailler. Appuie sur home direct. Mais ça a sauvegardé là. Bah, je vais te montrer une technique pour sauvegarder plus rapidement. Quand là, tu vois, bah après, t'aurais pu faire avant. Mais avant que ça sauvegarde, tu vas dans le paramètre de la console. En fait, ça t'évite de devoir éteindre le jeu et de le relancer. Donc là, hop. Du coup, la console, t'as pas besoin de l'éteindre pour faire le changement. T'as pas besoin de fermer le jeu, tu vois. Et il fallait sauvegarder là, quand même ou pas? Oui, ah, bah, okay, voilà, moi je sauvegarde okay, comme okay. ça. Moi, j'appuie sur le truc sauvegarder, j'attends que la bulle se fasse, boum, et avant que ça apparaisse, je fais menu. 60 heures. Voilà. Qui voilà. Bim. Qu'est-ce que vous allez dire? J'ai 0 heures. Ah, toi, t'as 60 heures. Mais Dusa, tu joues pas à Senesh? Oh, mais Dusa. Free Tom Nook. Oh. Free Tom Nook. Appuie sur A. Putain, je suis jeune, c'est parce que j'ai rasé la barbe, Tom, c'est pour ça. Moi, je suis rock. Voilà. T'as vu où le message? Un peu en haut. C'est, toi, tu lis pas. Ouh. Non, vous avez, en vrai, vous avez le pseudo si vous voulez dans le titre. Normalement, il y a un message épinglé de Voli. C'est pour un donation goal with a bottle après, of spray. Après, les modos, en vrai, pouvaient faire régulièrement des shoutouts pour rock, en vrai, comme ça. 4000 heures, c'est mon nombre d'heures sur MKWii plus MK7 réunis. MK7? Ouais, sur la DS. J'ai jamais joué à Azure. Le 3DS. Mais j'ai jamais eu 3DS. C'est bon. Arrêtez de me critiquer. Je sens bon, c'est vrai. Contrairement à moi qui pue. Bah, pue du fromage. Merci, Nata. Non, Inastar, pardon, je déborde mon nom. Ah, d'accord, ok. C'est toutes les heures qu'on peut faire une dédicace, d'accord. Toutes les heures. Bah, écoutez. Ah ouais, mais attends, 51 minutes. C'était fait il y a 9 minutes. Mais attends, il est quelle heure là? 17h30, on a commencé à quoi il y a 1h30? Ouais, déjà. Putain, le temps passe vite, hein. Bah, on a pas mis, on a mis le temps passe, on s'amuse. On a mis 30 minutes. Mais j'ai pépé! Mais j'ai pépé! Let's go! C'est quoi? Let's go! Plus 340 points! Yes! Yes! Porte des chaussettes, recoupe pas. Alors, oui, ça, non mais, alors, en fait, c'est un. Let's go! Ça, c'est, ça date d'il y a 3 ans.
même plus de 3 ans. Je suis désolée, mais c'était pas toi la personne sur le truc là. Bah si, c'était moi. Non, non. Si, c'était moi. Mais frère caché, bah c'était moi, malheureusement. Bah si, merci. Malheureusement, t'allais dire. Malheureusement, c'était moi. Ouais, ouais. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a eu du step up du côté de Twitch, donc ça fait plaisir en vrai. Oui, hurle parce que. Alors, je hurle parce contexte. Que on était dans un tournoi Trackmania, parce que je jouais à beaucoup à Trackmania à l'époque, et en fait, c'était un tournoi avec quand même des gens bons, pas le... Des gens forts. Ouais, voilà, c'est pour ça. Appuie sur... continue d'appuyer sur le bouton pendant bon, que tu parles. Bon. Allez, c'est bon. Et du coup, bah, en fait, j'avais fait quand même une très bonne position durant le round, et du coup, j'étais très fier de moi, et j'ai gueulé. Et après, mon voisin... Si tu t'es appuyé sur mon truc, là, oui. La chaise, elle a fait comme ça. Ah, c'est pour ça. Et du coup, mon voisin... Ah oui, et Damien, il s'en va. Ouais, casse-toi Damien. Mais tu parles mieux à Damien en fait. Et du coup alors il est fou lui, il parle mal comme ça à Damien. 345, exactement, c'était... Ouais non mais il n'y avait pas de compresseur à l'époque. Il n'y avait pas de compresseur à l'époque. J'espère qu'il y en a un parce que je sais pas s'il y en a. Non mais là je suis en train de vous... Vous me dites hein, si je vous casse les oreilles, vous faites... Oh Rock, tu casses les oreilles. Oui. Allez, c'est tout pour le moment. Au revoir Marie, des bisous. Parle mieux de Damien, merci. Merci Zorua. Oui, des petits jambons. Des petits jambons. Des petits jambons. Voilà, comme ça la blague est parée. Mais, désolé Hugoline, mais désolé hein, pour les oreilles. Hein. Mais je pense que du coup je vais supprimer ces clips. Oh, tu casses les oreilles avec un Z. Les oreilles. Les oreilles. Ok, t'as du courrier. Je vous jure, il meurt pas. Merci beaucoup, Shema. C'est gentil de me motiver comme ça et de me booster. Ah, mais putain, mais il y a 17 000 colis okay. Là. Mais là, c'est pire que Amazon là, le truc là. C'est... Vas-y, récupère mes colis. Et tu supprimes les lettres. Ok. Genre si c'est une lettre de des gens, tu les supprimes aussi ? Bah j'en ai pas parce que je veux que c'est avec moi-même. Ça, on s'en fout aussi ? Oui. Ok. D'ailleurs, je peux acheter un DAC. Super. Bah c'est très bien un DAC. Tu sais ce que c'est un DAC ? Distributeur automatique de courrier. Clochette. Ah. C'était bien. C'est vraiment c'est ça, distributeur oui automatique. Ouais, de clochette. Distributeur c'est automatique quoi, de clochette. C'est genre ça te distribue des sous comme ça ? Bah c'est ton compte en banque en fait. Ah. C'est un objet que tu peux poser n'importe où. Ah, tu peux récupérer des sous. Parce que là, le DAC en gros, c'est la borne dans la mairie là, tu vois. Sauf que ça, c'est un. Du coup, tu peux l'avoir chez toi. Oui, genre, mais c'est comme si t'avais une banque à domicile. Ouais, mais t'as que la banque, t'as pas les services de commande et de miles. Ça, c'est que à la mairie, tu vois. Ok. Alors, maintenant que le pont est cassé, enfin, c'est détruit, tu peux reboucher. Je voulais aller faire ça parce que ça me faisait non. Okay. Pas satisfait. Bon, vous rendez compte, on est sur l'Ubi quoi. C'est beau, comme ça t'auras un magnifique. Ouais. Alors le week-end dernier, tu nous as bien cassé les oreilles. Oh que oui. Et encore, il a pas fait de karaoké. Non. Mais. Pas d'offense. Bah, après, en vrai, il fallait remercier. T'as pris quoi là? Bah, tu fais ça. Bien mis pour nous. Ouais, t'avais le chemin de terre dans les mains. Oui, mais parce que. T'étais là en train de courir partout, mais t'as pris le bon. Mais non, mais. Qu'est-ce que tu fais? Mais quand je vous dis que c'est pas. Hé hey. La violence. Ça va, je peux lui crier dessus en direct cette fois-ci. C'est vrai parce que quand c'est sur mes streams, il y a un peu de différé. Du coup, fou, Numa. Donc tu comprends pas ce que je fais. Il y a un peu de différé. Ouais. Comment ça? Bah en gros quand c'est sur mes streams, bah tu gueules dans le chat. Ah oui. Et comme ça tu gueules dans le chat. Et comme ça je comprends pas ce que je fais, ouais. Je comprends pas ce qui est bien ou pas bien. Et merci Lolupa pour le raid. Comment s'est passé le stream? T'as fait de la déco? Ah merci Lox, c'est un relox, c'est vraiment plus rapide que moi, j'adore. Comment c'est passé? On est avec Croc, avec Unknown Rack. Je coach sur Animal Crossing aujourd'hui. J'espère que votre stream s'est bien passé. Vous êtes bien amusé. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ton raid, c'est trop gentil. On commence tout ça à choper le froid, ouais, vraiment. On est tous malades. Mais moi là, je me sens malade, genre. On était dehors là, il faisait grave froid. On est rentré là, il fait chaud, du coup ça te tue un peu. On était sur Arsenal, ouais, j'ai vu ça. C'est bien passé? Qu'est-ce qu'il a écrit? Kenun Rock? Quoi? Mais, ah oui, d'accord. Non, mais dites Rock, c'est très bien. Super, merci. Ah, mais c'est Marvin. Je suis con. Ah oui, Unknown Rock. Par contre, on fait comment là? Kenun Rock. Je fais comment là? Ah, tu peux pas, celle-là. Pardon, je sais pas. Et du coup, on fait comment là? Bah là, en fait, t'as une embouchure de rivière, mais elle est juste embouchure. T'as plus de rivière. Pourquoi tu souffles? Bah, parce que je suis saoulé. Voilà. Non, mais je suis saoulé, mais c'est pas grave. Mais. Ok. Alors, maintenant, comment. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faudrait que tu ailles déplacer une maison.
Ouais. Ça j'ai déjà fait parce que j'ai déplacé. Regarde la carte avant. Pourquoi? Bah pour regarder quelle maison on déplace. Ah, moi je sais mais toi tu sais pas. Ah ok, alors on va déplacer. Vas-y la régie. Ah non merde, si. Hop. Vas-y. On déplace la maison de l'autre là. Opaline. Opaline, ouais. Ouais, tu veux qu'on la mette où? On va la mettre sur la plage. On peut mettre des maisons sur la plage? Bah tu vois, il y en a une là, en bas. Ah. Ok. Pardon, excusez-moi. Non mais désolé. T'as lu le même message? Ah non, j'ai pas lu le message moi. T'as lu le message de Zoria? Ah, c'est pas lui que t'avais lu? Non, moi je regardais juste les trois faire du sport et ça m'a fait rire. Ah d'accord, non, je regarde. C'est bon ça. Je me moquais par rapport au message de Zoria. Mais ouais, moi je suis saoulé, ouais. Tu vois, tu peux tout mettre sur la plage. Alors sur les plages, au début, ouais, mais à savoir que la construction sur elle sera bancale. Mais non. T'inquiète. D'accord. Au début, sur les anciens Animal Crossing, tu pouvais mettre tes fleurs sur la plage et les faire se reproduire sur la plage. Sur cet opus-là, c'est plus possible. Tu peux les mettre, mais elles vont rester bloquées au stade où elles en sont. Ok, d'accord. Donc, par exemple, si tu cours dedans et que tu casses la fleur, elle repousse pas. Ah ouf. Faut la mettre sur la terre pour que ça pousse. Et du coup, alors, c'est à propos de la maison ou parlons d'infrastructure déjà? Infrastructure, les maisons des habitants. Ok, d'accord. Oui, ma maison, c'est ma maison. Mais, ouais, mais je sais pas, peut-être que c'est mes maisons, tu sais, parce que je suis propriétaire de toutes les maisons. Ah ouais. Bah ouais, bien sûr. Mm. Déplacer un bâtiment. Ok, c'est bon, on y est. Ah, let's go, Rose Poudrée. C'est un bon élève, ça va pour l'instant, il apprend vite, je trouve. La maison d'un résident. Ouais. Ok, du coup, c'est le petit éléphant là, hop, Opaline. Ouais, c'est ça. Très bien. C'est bien parce que tu fais tout à ma place. Parfait. Ok, ça coûte 10 000 clochettes, et du coup, ça se fera demain. Oui, c'est ça. Oui, ça je sais parce que j'ai déplacé la maison de Gertrude à l'autre bout de la planète. Oh, t'es vraiment méchant. Et je l'ai mise toute seule. La pauvre. Bah ouais. Bah je l'aime pas. Pardon, c'est pas bien, on dit pas. Tu dis pas, j'aime non, pas non, Gertrude non, en je fait. Dis pas, j'aime pas. Gertrude, elle était superbe. Bah le chat, vous en pensez quoi de Gertrude? Elle est superbe. C'est pas vrai. Je crois qu'il regardait Gomus. Bah ouais. J'ai mal et un petit peu. Parce que je dois me remettre au sport, tu vois, c'est pour ça. Donc on essaye de prendre exemple sur les gens. Comment on y arrive, Lox? On arrive pour tourner les meubles. Ouais, si tu veux, on peut montrer comment tourner les meubles, Lox. C'est vrai que t'as l'air d'être intéressé par les meubles. Waouh! Très intéressé par les meubles. Heureusement qu'elle est concertée, mais du coup, elle a arrêté sa séance de sport pour qu'on lui dise bah en fait, tu vas déménager. Regarde, Shema, s'il te plaît. Bah, elle est trop belle, allô, Rock. Alors, ouais, puis, un peu de changement, ça ne se refuse pas. De fou, Zoria. La personne qui remplacera Gertrude ne va pas comprendre pourquoi elle sera isolée. Bah, on la remettra avec tout le monde, voilà. Elle est aussi belle que Polito, c'est-à-dire vraiment dégueulasse, quoi. Allô? C'est pas Shayma qui est fan de Polito? Mais si, Shayma, elle est fan de Polito. Ah, voilà, c'est pour ça, ouais. Et Gertrude. Parce qu'elle fait une... Ah! Elle adore, mais pas autant que Polito. Mais Polito, ça va, tu vois. Allô? Je comprends que tu puisses faire de la propagande, mais par contre... Bah ouais, mais... Tu comprends pour Polito? Bah ouais, mais Gertrude, non. Comment ça, tu comprends pour Polito? Tu sais à quoi il ressemble? Oui. Je l'avais regardé sur Internet, ouais. Tu sais à quoi il ressemble, Polito? D'imiter le chantier. Tu trouveras, c'était fait un kit de déménagement dans tes poches. Ok, très bien. C'est lui, Polito, hein. Bah oui, mais en vrai, il est soin. Bah il est bien sur lui, quoi. Ça va pas ou quoi? Tu sais, ça se voit, lui, il a des business. Mais c'était zinzin, toi. Merci Isabelle et merci Benkai pour le follow. Après, j'espère juste qu'il paye ses monteurs, quoi, c'est tout. Ses monteurs? Non, mais t'inquiète, c'est une rêve d'actualité. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Mais Gertrude à côté, elle est mimi, tu vois. Mais moi, non. Gertrude, elle ressemble à... Ouais, je dis elle est mimi, mais le mot est vraiment trop fort pour Gertrude. Bah, désolé, moi, je suis Gertrude et Napoléon. Tu trouves pas que là, tu trouves pas qu'elle est stylée, genre? Tu veux qu'on la mette là? Tu me dis, hein. Bah, vas-y, mets là où tu peux. Ah. Et je pense là, non, c'est là où il y a de la place. Ah, vas-y. Mais c'est toi qui... J'aurais pas la place, non. Si. Tu peux la reculer même encore. Tu veux qu'on la recule un peu? Ouais. C'est pas idéal. Non, moi je trouve que c'est pas idéal. C'est pas idéal. Avance encore un petit peu. Là, ouais, c'est bon. Coucou Mariana, comment ça va? Je viens de follow. Oh. Quoi? De qui? Zinzineux le Rock, mais t'as vu? Bah, toujours. Mais bon, je suis désolé, faut dire les termes sur Gertrude. C'est tout, moi j'y peux rien. Il parle, mais il sait même pas. Benkai Owetan. Qui est Polymoche? Là, ça te va? Oui, vas-y. En fait, c'est random en fait, si? Oui, on s'en fout un petit peu. Super, mais je vais des trucs, on s'en fout. Bah ouais, voilà. Super. T'as qu'à prendre ta Switch. Super. Voilà. Combien t'as payé la sponso de Rock? La sponso de Rock sur Polito. Polito. Et tu peux ramasser ça aussi. Quoi?
Ça, à le géroïde. Ouais. Hop là. Et elle a un enfant. Mais on s'en fout. Bah ça fait plus, faut faire payer plus les... Mais t'as loupé. J'ai loupé quoi, la bouteille de la mer? Bah bien sûr. Je suis sur une partie du début, toujours tu les ramasses. Ah, voilà. C'est important. Il y a... Ah oui, du coup tu gagnes. Ok. Salut, méga bricoleur. Je me suis cogné avec un alter. Bah super. Ah, oh, s'en fout. Très bien, donc c'est une couronne. Je m'attendais à avoir un alter, hein, vraiment. Une couronne rose, hein. C'est quoi le rapport, s'il vous plaît? Ok, maintenant tu enlèves le remodile. Ok. Pour enlever le remodile, dans tous les cas. Non. Faut que je passe par le téléphone pour enlever le remodile? Ouais. Oh, ok. Tu l'as jamais utilisé? Si. Mais je sais plus. Bah, du coup, arrêtez les travaux. Ouais, non, mais. Ok, maintenant. Il va falloir qu'on aille faire le tour de chez les maisons des habitants pour aller chercher le plan de craft journalier. Ok, donc il faut que j'aille dans leur maison. T'es déjà tombé chez les habitants qui craftent? Vas-y, je peux rentrer, il a la porte ouverte. Tu vois d'ailleurs, avant de rentrer, c'est quand il y a la lumière. Le rideau est ouvert, ça prouve qu'il est chez lui. Et il y a la lumière aussi, mais il y a des jours où tu vois pas trop la différence. Okay, ouais. Mais lui, il a le rideau ouvert, ça veut dire qu'il est chez lui. Il est chez lui, ok. Et quand ils sont fermés, c'est qu'ils sont donc pas là. Tu peux rentrer chez eux sans pression. Ouais. Tu peux aussi voir grâce à la fumée de la maison, s'il y a pas de fumée, c'est qu'il est pas là. Bah, c'est Damia. Bon, du coup, ouais, on s'en fout. Bah, casse-toi. Oh, on était interloqué. Bah, viens te battre là. La pauvre. On s'en fout, c'est bon. Bon, si, c'est pas. Non, c'est pas cool. Tu peux aller voir chez Julie, ouais. Tu peux ramasser le cadeau aussi là. Et l'ouvrir. Ça va, Mariana, il s'en sort. Je suis pas si mauvais que ça, hein. Je suis pas naze. Oh! Hey. 5000 clochettes. J'ai des là. Millions hein, sur cette partie. Bah, c'est pas cool. Bah, c'est pas cool, fallait faire les navets, monsieur. Bah, ouais. Mais déjà, 5000, c'est pas mal. Alors, à savoir, je sais pas si le chat sait ou pas. Oh, parle-lui, elle fait à manger, elle. Ok, tu fais à manger. On va avoir un plan de cuisine. Trop alors, content de sachez savoir. Que les plans de craft dans Animal Crossing, tu en as à 3 moments dans la journée. T'en as un le matin, un l'après-midi à partir de midi, ça change, et t'en as un de nuit. Donc t'as 3 plans différents de craft par jour. Quand tu joues beaucoup, tu peux aller récupérer les 3 plans. Plus, oh petit fusion chips. Plus, maintenant ils font des cuisines, enfin de la cuisine, alors je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si ça compte comme un plan de bricolage, ou si ça compte que juste comme un plan de cuisine, ça je sais pas du tout. J'ai pas assez... Je suis pas retournée en fait depuis la mise à jour, je fais plus le tour des plans comme ça. Regarde sa maison, elle est mimi en vrai. Oui, ouais, elle est jolie. Elle est... Salut Dirox, comment ça va? Elle est très jolie, ouais, ouais. Mais comment ça, j'ai une façon à moi de jouer? Genre, est-ce que vous trouvez que j'agis bizarrement en jeu ou pas? Parce que ça, c'est une question que je me pose. J'ai non, là, ça va, je trouve. Ça me choque pas. Enfin, en tout cas, je suis pas interloquée par cette manière de jouer. Ok, du coup, là, on apprend le plan. Ouais. Il laisse tout traîner à la masserie. Tu peux ouvrir aussi les colis que t'as dans l'inventaire. Non, c'est pas là. Non, mais c'est bon, t'as fini. Ah, quoi que non, c'est peut-être le tour encore, ouais. Bah, il y en a plusieurs ou il y en a qu'un seul? Bah, je vais en fait va voir parce que je suis pas au courant pour la. Est-ce que c'est fermé? Va voir la maison d'Opaline. Ah, c'est une maison. C'est ma maison. Non, mais du coup, elle a pas déménagé? Non, demain. C'est tout le lendemain. Ah, ouais. Quand tu dis de faire un déménagement express, hein. Elle est pas là. Ah, ouais, elle est pas là du tu tout. Tu vois bien que les. Elle doit faire ses séances de sport là. Elle est avec. Les rideaux, ils sont fermés, tu vois bien. Ah, je sais pas. Regarde sur la carte, les maisons descendent tout en bas. On pourrait. Je sais pas, on pourrait rentrer par effraction. Voilà. Je sais pas, tu vois. Voilà. Mais ils font quoi? Mais restez chez vous! Voilà. Mais nous, on est tous des geeks bien puants et. Ouais, grave. Et vous sortez, vous avez une vie sociale là. On va te donner une mimique normalement. Dis-moi que ça va. Ah, non, mais parce que c'est. Mimique, non, non. C'est quand, quoi une mimique? Une mimique, c'est. C'est les émotes? Ouais, c'est les émotes. Tu la connais pas celle-là? Pio! Tu parles d'un coup de bol? Bon, ben voilà qui est réglé! Du coup, on va la faire. Y'a pas à faire des voix comme ça aux habitants? Ah, moi je trouve que si. Mais ils sont tout petits, tout pipou là. Ah, l'excuse. Bah. Ok, du coup, je m'excuse de ce level désastreux. Attends, c'est là. Voilà. Et là, pour voir le tout, tu peux faire Y. T'as regardé la manette alors qu'il y a vraiment plus les bonnes touches. Mais oui, mais je suis désolé, bah. C'est où on s'excuse là? C'est ça. Non, c'est là. Excuse, voilà. Donc, je m'excuse de chat. Mais voilà, tu vois, ils font tous leur sport là. Ouais, ils sont du trafic là. Vas-y, monte maintenant. T'as encore 2 maisons. Non, ok, donc ferme. Le plan de cuisine compte comme un plan de craft. Ok. Chips. Contre chips. Chips, c'était quoi? C'est ma déco. Et si maintenant... j'étais riche, tout en vert pastel. J'avoue que le vert pastel, stylé. Maintenant, comme ta tu couleur, peux Arline. Ouvrir les colis dans l'inventaire. Bah, du... Ah oui, ceux-là. Ouais. Cloison simple. C'est des trucs que tu t'es envoyé toi? Je me suis commandé, ouais. Ah, tu les commandes? Mm-hmm.
Ça rentre dans la boîte aux lettres, ça, tu fous ma gueule. Bah, pas trop. Maintenant, tu prends l'appel, tu l'équipes. Toi, tu l'équipes, tu l'inventes. Non, parce que j'apprends les raccourcis. Ok. Tu peux aller devant ma maison. Pardon, je fais que bailler là. Tu peux aller devant ma maison, tu creuses un trou à droite, devant la porte là, ouais. T'enterres le fragment de giroïde que t'as chopé. Mais non. Non, bah là, ah ouais, t'es mais plus coup, en face ouais, du ouais, trou. Ouais, mais, ouais, mais va, écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas. Pour l'instant, il s'en sort. Et on l'enterre. Et du coup, ça sert à quoi que tu. Là, tu l'arroses. Mais non, mais. Si t'avais là le. Oui. Est-ce que ça a touché? Là, t'as la petite fumée qui sort quand tu plantes un gyroïde dans le sol et que tu l'arroses. Le lendemain, il devient. C'est plus un fragment, c'est le gyroïde. Ok, d'accord. D'accord. Tu l'arroses et que tu vois quand c'est arrosé, bah ça fait de l'eau. D'accord. Et du coup, ça fait quoi un gyroïde? C'est un petit truc de déco qui bouge en fonction du rythme et de la musique. Non, ça parle que j'écoute pas les cinématiques Zelda. Oui, il faut arroser les gyroïdes, les fragments de gyroïdes, Lox. Rentre dans ma maison. Coucou Emma. Pourquoi tu fais des tours, Nico? Je sais pas, quand je sais pas quoi faire, je fais des tours, ça me fait. Je sais bisous, pas. Orion, bisous, bisous. Je sais pas, c'est. Je sais pas en fait, quand je sais pas quoi faire. Ok, maintenant tu ranges mes cloisons simples. Ah oui, dans le. Non. Inventaire. Bah, c'est pas. X. Ah, il faut d'abord faire X. X. Non, X. J'ai pas fait exprès. J'ai paniqué. Ah, mais du coup, il faut que j'enlève ça là. Mais t'enlèves quoi? Ouvre ouais. L'inventaire. Appuie sur X. Ouais. Ah oui, putain. Oh, mais ouais, mais c'est. Ouais, non, mais c'est tes boutons là, ils me stressent là. Et là, mais. t'as la Switch, tu joues tous les jours sur Switch. Oui, bah c'est bon. Je ouais, peux donc les, là, tu les entreposes là, c'est ça, bon. Ça, et tu ranges aussi la pierre, l'argile et la noix de coco. D'accord. Toujours avoir un inventaire clean, c'est pratique. Bah oui. Ok. Maintenant. Bah non, le fossile, tu peux le garder. Maintenant, on peut aller à la chasse aux fossiles pour les mettre au musée. Ok. Ça te va? T'as un étage dans ta maison et t'as un sous-sol? Bah oui, j'ai agrandi au max. Ah ouais, putain, ok. Salut Jade. Salut Jade. Pourquoi tu lui parles comme ça, la pauvre? Salut Jade. Salut Jade. Salut Jade, ça va Jade? Salut Jade. C'est ça, je suis. Rock, est-ce que tu fais ça dans la vraie vie de tourner quand tu sais pas quoi faire? Oui. Oui, IRL, bien sûr. Ouais, tout à l'heure, on attendait le bus, c'était là en mode. Je sais pas où elle est. Il tournait. Salut Baptiste. Oh non, elle est cassée. J'en ai d'autres. T'as de la chance. T'as de la chance. Allez. Il en manque combien là des fossiles? 4. C'est bien. T'as bien appris de ce que je t'ai appris. Ah, pas du tout. Si? Non. Si? Moi je sais. Tu m'étais battu avec quelqu'un dans ton chat parce qu'il disait non, mais il y en a que 5. J'ai dit non, il y en a 6. Mais non, il y en a 5. Il y en a 6, je te dis. Il y en a 5 ou il y en a 6? Il y en a 6. Du coup, j'ai dit 4. Ah, un gyroïde. Attends, mais il y en a. Oh, je sais plus combien. Les fragments de gyroïdes, tu les as échoués sur le bord de la plage. Et là, je les ai pendés, donc j'aurais pas dû les déplanter. Des fois. Non, mais celui-là, c'est bon, il est fait, lui. Ok. Des fois, t'as des gyroïdes qui popent dans le sol, comme un fossile, et qui sont. Je crois qu'ils sont directement faits en gyroïdes. Pour les fossiles, tu en as 4 par jour. 6 maximum. 6 maximum. Non, la plage, y'a pas de fossiles dessus. Y'a jamais de trou sur la plage. Ah, pardon. Ok. Donc t'en as 6 maximum. Donc si par exemple t'en as 4 le premier jour que tu les ramasses pas, le lendemain t'en auras 2 de plus. Et ça bloque à 6, t'en as pas plus. Ok. Non, je l'ai déjà vu. Laissez la voir. Mais tu peux le garder, on ira le mettre à la poubelle. Salut Logmat, salut Folita. Monsieur le caillou inconnu. Bonjour. Salut, salut. Comment ça va Logmat? Salut à toi. Oui. Par pitié, la prochaine fois filmez ça ou attendez, on va exploiter ça avec une émote de rock qui tourne sur les. Non, putain, j'ai l'émote, ça. Bah écoute, en plus, on aura bientôt des nouveaux slots d'émotes animés là pour tout le monde, donc ça se négocie. Hein. Bah. Hop là. Faut le faire passer par tout. Il y a que les gyroïdes. Hein. Ouais. Du coup, celui-là, il faut aussi c'est le quinoïde, il est trop mignon, lui pose-le. Le quinoïde. Le quinoïde. Pose-le, il est trop mignon. Il faut le poser là. Bah, mets-toi face en haut. Voilà, tu poses. Place-le. Regarde comme il est trop mimes. Mais c'est quoi ces petits. T'as vu, il est trop mimes. Mais ramasse-le. Bah non, mais je le laisse là, comme ça. Mais non, il va me déranger. Mais non, on s'en fout, il est très bien ici. Il a besoin de. Allez, je monte après. On a fait déjà le tour en bas. Il est où? Ah,
t'as fait tout le tour en bas? Bah, à peu près, ouais. Ok, ok. Salut Kilala. À peu près. Ouais, on est sur Lubie exceptionnellement aujourd'hui. Parce que toutes mes autres îles, elles sont trop avancées. C'est bien, du coup, ça suit en vrai. Hein. Mais oui, Kilala. C'est bien. Ça suit. J'espère que vous avez regardé les vidéos. Hein. Ah, j'espère aussi. C'est la seule fois que vous verrez Lubie en stream. C'est ça, c'est parce que je suis un tocard. Oui. Bah après peut-être que je suis un peu tout le temps, mais non, ça va, y a toujours là c'est exceptionnel là. Ok, t'en as combien là? J'ai pas regardé. Mais du coup attends, c'est... oui attends, non, ok. Ouh. Donc du coup on parle de trous ou de fossiles? Comment ça? Bah parce que là du coup est-ce que le géroïde est compté comme un fossile ou pas? Non. Ah non, okay. C'est un géroïde. Oui voilà. Et donc c'est-à-dire que c'est pas indépendant. C'est-à-dire que le... Mais les géroïdes c'est pas tout le temps par contre. C'est oui, pas voilà. Tous les jours, il y en a un, c'est pas ça. C'est assez rare, je crois que ça doit être un par semaine, un truc du style. C'est pas tous les jours. J'ai pas recommencé mon île, je sais pas le nom sur TikTok, mais j'ai pas recommencé mon île. C'est mon île de Lubie, mon île du Let's Play. Elle est follow sur YouTube. Exclusif pour YouTube. Donc en stream, vous voyez jamais cette île parce qu'en fait, c'est une île qui est pour YouTube. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bah c'est bon, on est bon. C'est bon. Voilà, on va redescendre, c'est reparti. C'est reparti. Mais tu le connais pas, Logbot? Je pensais que tu le connaissais. Bili, 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 le BG bili. À côté de arrête, toi. Mais arrête, oh là là, arrête. Quand même. Je rougis. Il va être tout rouge. Je ne sais plus où mettre là. Cachez-moi si c'est vous voulez. Ouais, vraiment, chez Emma, c'est exclusif. Bon, pour ceux du qui. Pour ceux qui connaissent pas, voici Monsieur Rock, aka Unknown Rock sur les internets. N'hésitez pas à aller follow sa chaîne. Je sais pas si. En fait, j'ai cru que t'étais en train de faire tourner le casque autour de ton visage, je suis skippé. Non mais on va pas... Il t'en manque un. Bah non. Fais voir. Bah il t'en manque un, t'en as 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a eu 2 gyroïdes. Mais tu sais pas compter, ça fait 7. Avec les 2 gyroïdes. Bah non mais parce que... Non. Celui-là il était déjà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui mais t'as time travel donc il y en a encore 2. Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il y en avait 8? Il y en avait... Mais non, mais là, il t'en manque, là. Mais je comprends pas. T'en as déterré que 4. Les gyroïdes ne comptent pas comme un fossile, je t'ai dit. Et vu qu'on a time travel et que j'ai pas récupéré ceux de là-bas, il en manque encore 2. Ok, ça, c'est bon. Je comprends un peu mieux. On est bon. Mais on l'a pas pris aujourd'hui, le premier fossile, là. Je l'avais dit dans les poches, je me rappelle pas, ouais. Plus. Salut, Lolor. Je sais pas, ouais, je sais pas. Mais du coup... Ouais. Ouais, oui, ben, pour ceux qui n'étaient pas là, voici Rock. Alors, Rock est un copain de notre groupe de copains, de streamers, avec Voli, Dolly, Nefer, Scarilia, Lox, tout ça quoi. Qui nous a rejoint dans notre équipe Twitch d'ailleurs, si jamais l'équipe Twitch s'appelle Les Copains. Bah récemment, ça fait quoi? Ça fait quelques mois déjà maintenant. On va avoir à la foutre, tu sais. Ah non, mais je sais c'est pas. C'est Les Copains quoi. Je, voilà, et du coup je suis ici parce que bah... Ici, ah là, tu vois, t'en as encore un là. Oui, hop là. Parce qu'en fait, c'est pour un donation goal, c'est qu'on devait me coacher sur Animal Crossing et qui de mieux. Voilà. Bah après, non, mais après, ça va. Ouais, je me la pète, mais c'est encore un. Putain, mais ouais, trop. Des frosties. Salut, frostyroïdes. Voilà, du coup, bah, je fais ça pour la bonne cause. Donc, voilà. Voilà. Ah, tu le vois? Oui, clochette. Regarde, attendez, regardez tout ça. Vas-y. Attends, parce que là, il faut. Attends. Ok, ça va. Non. Bah non, ah non, c'est... Attends, non, c'est ça. Non, j'ai rien fait. Hop. Voilà. Le bénéfice. Hop là, enterré. Parce qu'en fait, la plupart du temps, je récupère-le, sais pas... Récupère-le, là, au passage. Tu le prends. Quoi? Tu prends le. Mais prendre quoi? Bah, l'arbre. Mais je vais pas le déterrer, si. Si, déterre-le. Pourquoi? Parce qu'on va pas le laisser là. Bah, si, c'est mignon. C'est très mignon, ici, vous aimez pas? Moi, je veux que ça rendait bien. Salut Mathirudo, bonjour. Bon, un peu coaching. Salut Luna, merci pour le follow. Ah voilà. Donc là ça fait beaucoup trop. Le fossile? Mais non. Mais du coup attends, mais il est où le dernier là? Mais alors, fais le tour peut-être que... Mais je sais plus si on l'a déterré là ou pas. Mais là, j'ai... Bah, peut-être retourne à droite, à gauche. Hop là, on est reparti. Bon, bon. Non c'était... Kilala, c'était un gyroïde qu'on a enterré juste avant devant ma maison. Du coup je sais pas si ça fait... Bah descends parce que je crois que pas que t'es fait la zone en dessous. Bah c'est bon, je suis allé là. Descends. Ah, ok, je suis allé au bout là. Il okay. Est ici, tout à fait, il est ici. Oui bah hé. Arrêtez de me critiquer, ok. On triquite pas les gens en fait. Oula,
Le slash shout out. Est-ce que c'est que le point d'exclamation shout out à tout moment ça sent un vieux clip cringe? Bon, ça va, ouais. Ouais. Je sais pas où il est. Je sais pas écrire ton pseudo, je te suis une dinguerie. C'est hein. Fou ça. Merde. Pourquoi j'arrive pas comme ça? Bah, elle connaît. Mais y'a un K. Mais y'a un K. UNKNOWN. J'arrive pas. Eh, en vrai, ça se dit un noun. Un noun rock. Un noun. Un noun. Mais tu t'as pas un noun. Parce que là, gros, franchement, attends 30 minutes pour rien là. Ça date d'il y a 3 ans, c'est bon. Ça me saoule clairement là. Je viens de balancer un 360 degrés sur le grand tube de la map 5. Voilà, surtout c'est un clip useless. Hein. Il a je sais pas combien de vues pour. Ah ouais? Non, il nous a fait un TV. Mais je pense qu'on les a tous en fait. Eh ouais, on les a tous. T'as fait toute la partie du haut? Oui. J'ai fait toute la partie du haut deux fois. Bah, va expertiser les fossiles alors. Voilà, on va expertiser. Là, on va se faire des sous-sous dans la popoche. Pouip, pouip, pouip. On peut rire, mais on se moque pas exactement. Non, mais ça, je pratique l'autodérision donc. Faudra un clip le moment de la rotation de mais c'est vrai, mais faites des clips quoi, ou je sais pas, supprime-les toi. Oui, mais clips, faut que je décris, faut que je les supprime, mais d'abord j'aimerais bien les télécharger, c'est pour avoir un petit souvenir. Ah oui, bah, c'est pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi je suis quelqu'un de très nostalgique. Vas-y, bah, vas-y, photos, nostalgique ça. Là, vas-y, donne les fossiles. Ouais, bah c'est bon, Tidou le gratteur, on t'a vu là. Mais il connaît ça les fossiles. Bah pour moi, lui il sert à rien, il sert juste à gratter les trucs et. Il pourrait me payer les fossiles. Je pourrais me vendre les fossiles. Mais non, il veut pas. Parce que est-ce que moi je gagne des bénéfices sur les mais sous des entrées? Pourquoi tu pètes un câble? Est-ce que moi je touche des bénéfices sur les sous des entrées? Non, je crois pas. Mais pourquoi tu pètes un câble? Bah, je sais pas parce que je trouve que c'est un système nul. Non, pardon. Non, j'ai rien dit. Il est cassé, genre. Et oui, Trackmania Forever. J'ai lu le de message. Ma chaise, pistil, sur. Amazon, je l'avais acheté. Celle-là? Elle est pas confortable. GT Player. GT comme les lettres et player comme player. Mais elle, alors elle est bien. Elle est, non, franchement, du coup, elle est pas confortable. Non, mais moi je te parle de la mienne. Mais arrête, j'ai streamé dessus pendant des années. Pendant. Ah mon doigt! Pardon. Pendant un an, elle est bien. Oui, je me calme, j'arrête. Mais en fait, c'est le SO, il aime trop le vieux. Bah ouais, alors qu'il pourrait avoir les meilleurs clips mais des. Mais en fait, c'est pourquoi? Il pourrait avoir le. Tu sais pourquoi? Parce qu'il prend les clips les plus vus de ta chaîne. Il pourrait voir le clip du twerk, quoi. Mais non, il veut pas. Allez regarder, allez visionner le clip du twerk. Allez regarder le clip du twerk. Allez sur la chaîne dans le titre et. Allez, continue d'appuyer sur A. Ok, pardon. Même sur B parce qu'on s'en fout. Mais voilà. Tu vois, après tu dis oui, non, c'est important. Mais vraiment, en fait, je crois qu'il est trop. Non, mais what the fuck. Mais merci. Tout nul là, mais t'es à poil en plus. Merci. Putain, what the fuck, merci pour l'abonnement offert à Luluc. Oh putain, mais alors ça. Alors ça, alors. Défends-toi. Ça, c'est premier. Enfin, c'est genre premier train de live sur Twitch. Mais attends, what il faisait 42 degrés. Ça va fou. Non, mais. Ouais, fait... j'avoue, t'étais grave bronzé là. Bah ouais, bah à l'époque, le mec, il avait été je sortais. Bah, à l'époque, je sortais, j'étais pas un le poireau à l'air, quoi. Mais c'est trop ça. Elle est tout nue, hashtag tout nu, ouais, elle est tout nu. Le poireau a l'air, voilà. Mais oh, ça me dégoûte. Bah, non, mais juste, bordel, il faisait super chaud. Oh, mais on était sur. On est gênés, hein. Mais non, mais je suis désolé de me montrer comme ça, là. J'ai la chance de pas l'entendre, hein, parce que... Moi, je me suis montré sous mon... Non. Allez, du coup... Attends, mais non, du coup, je les ai donnés, je crois. Oui, ah non, il faut que je les donne. Ok, hop, on te les donne à toi. Le corps de Brontomerium. Super. Non, mais désolé d'avoir... Non, mais je suis désolé, hein. J'espère que vous êtes caché les yeux. Après, ça casse son délire, bien sûr. Non, mais justement, c'est parce qu'à l'époque, il faisait chaud. Et j'étais en mode, pour moi, Twitch, c'était vraiment. Nu. Non, j'étais pas cul nu, non. Non, j'étais. Non, en vrai, ça doit couler le cul à la chaise comme ça. Bah ouais, c'était le dos. Le dos, c'était pas terrible. Pour ça, faut mettre un truc en tissu. Bah ouais, mais j'étais sur une chaise en simili-cuir. Genre, moi, je sais que vu que ma chaise, c'est du simili-cuir. Dès bah ouais, c'est je suis en short dessus en été. Je mets ouais, mais non, mais en vrai, c'était juste qu'à l'époque, j'étais en mode, bah pour moi, j'allais pas stream. Non, mais pour moi, j'allais pas stream. Enfin, j'étais en mode, oui, le stream, bah vas-y, on fait ça genre 4-5 mois et c'est fini, quoi. Bah, c'est je viens de voir que le clip du twerk est à la une, JPEP. Oui, oui, bah c'est Benji qui l'a mis le clip à la une, ouais. Continue là. Tu t'en prends du nom. Ok, c'est bon, on va aller vendre le reste. J'ai fait la donation. Oui, c'était Hector Center, exactement. Putain, mais je dois les stresser là. Rock, c'est son trim. Mais c'est ça, hein. Mais c'est ça, tout là, on est en train de faire mon procès là. Oh, ça fait rien de particulier, Elodie. En vrai, t'as juste donné, t'as juste fini le musée des fossiles. Je crois que tu gagnes une plaque. En gros, de remerciement, t'as une plaque murale que tu gagnes.
Vas-y, fais. Ah, mais c'est les. Non, c'est les soldes. C'est les soldes là, regarde. C'est les soldes. Là, c'est Black Friday. Ouais. Let's go. Et merci, J, pour ton follow. Let's go, let's go. Ouais, t'as un clip live. La prof, ton live, vraiment de fou. Genre, les gens, dès qu'ils vont arriver, ils vont voir un clip de twerk, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a. Ah, tu peux acheter ça, c'est Mimi, la petite. Oh, c'est Mimi, une petite cheminée là. Ouais. Le Black Friday. C'est 30%, tu peux bénéficier, c'est 30% de réduction sur le magasin. 30% sur tout le magasin. Putain, ah, super, c'est la richesse. Ouais, bah, c'est le moment de faire de bonnes affaires, de très bonnes affaires. Désolé, j'étais perdu. Bah vas-y, mais. Non, mais d'abord, je vends. D'accord, ok. D'abord, je vends. C'est combien le cours du navet aujourd'hui? On est dimanche, laisse tomber. Bah non, on n'est pas dimanche, on est lundi. Bah laisse tomber, c'est la merde. Et vends le plan là. Bah, c'est pas... Non mais je vais vendre après, c'est 14 000 clochettes, babababao. La richesse. C'est beau, hein. C'est le chemin de la richesse là. Ils ont mis le Nook Friday chemin. Non mais j'avoue que ouais. Donc on va vendre ça aussi. Il va nous quoi, nous reprendre 50. Le petit plan là. Le feu y a plus là. Non, je l'ai déjà, ouais. Bah tout le monde là en vrai, il est un peu... Bah c'est le truc qu'il te donne au début. Ouais, il est un peu gaze, ouais. Bah tu parles mieux du feu y a plus. Ouais, 200 clochettes quoi. Mais moi je vois plus là-dedans. Mais non mais. Mais casse-toi, Mélio. Mais il veut trop s'en mêler là. Mais grave. C'est les vendeurs qui sont tout le temps là en mode. Vous aider. Un petit question là. Moi je peux répondre à vos questions. Alors c'est très gentil hein. Vous cherchez quelque chose? Vous cherchez une taille en particulier? On peut vous renseigner? Non. En fait cet article est en solde. Et si même vous prenez un deuxième, c'est moins 50. Arrête, ils font leur travail. Non, non, on les. Non, gros big up. Cœur sur vous les vendeurs et. Voilà. C'est pas un métier facile en vrai. Non, c'est dur. Quand t'as des gens comme Rock et Cohen qui rentrent dans le magasin là, franchement, on se fout. Bonjour! Et qui achètent. Ouais, mais c'est super cher la vache! Faut que je leur montre ce que j'ai acheté. Mais c'est super cher le truc! Vas-y, prends quand même, on est riche. Vas-y. Les sous, bababao! De farm, les feux. Tout le monde sait que c'est pour augmenter. Attends, c'est une technique pour augmenter les vues et les subs. La preuve, le train de la hype. Ah ouais, d'être tout nu. Ah oui, ok, c'est pas pour être tout nu. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Et avoir un chat aussi. C'est toi qui craftes des. T'as voulu faire un move de... C'était toi ou c'était Lox? De quoi? Qui a crafté des feux de bois, des feux de camp là. C'est l'objet phare du coup, ça vaut deux fois plus. C'est moi je crois. T'as l'air con. Je l'avais fait à la main je crois, non? C'est quoi le problème? Non, c'était Lox. Putain, mais l'air con, je l'avais fait non moi non. Non. En fait, c'est Lox un jour, il s'est dit waouh, l'objet phare du jour c'est les feux de bois et tout, enfin les feux de camp là, les tout petits trucs. Achète le premier truc. Non. Ouais. Il a passé 40 minutes. Oh, peux acheter le gros nounours? Ouais, si tu veux. Ouais. Il a passé 40 minutes à crafter des feux de bois. Il pensait genre, mais avoir 50 000, il a eu 1600. Tu t'attendais à quoi, Lox? Mais c'est bon, tu l'as acheté. Ah, on peut, ok, il y en a plusieurs exemples. Ouais, ça c'est un objet que t'as plusieurs exemples. J'ai pas oublié. C'est trop. Bah forcément, tu t'attendais à quoi? C'est le papa panda. Le papa panda, le papa panda, non, le papa, le papa, le papa panda. Surprise. Je dis que c'était phare, mais oui. Ça, mais... il est pas si cher. Mais non, parce que c'est moins 30, il coûte 8000, je crois. Et voilà, c'est bon, il est pas cher. Tranquille. Il va voir les murs et les sols. Ils sont les murs et les sols. Il y a rien en plus, ils suivent là. Regarde, c'est les vendeurs intrusifs là. Bah dans la vitrine. C'est les vendeurs intrusifs. Arrête d'être intrusif avec Mélie et Mélo. Mais c'est eux, ils sont intrusifs envers moi. Les vendeurs intrusifs. Les pauvres. Ok. Appuie sur R. Achète-lui. Il ressemble à rien. Tu parles mieux de mes décors. Il y a des gens qui ont des murs jaunes chez eux. C'est l'heure de boire. En plus, surtout que c'est un peu jaune pisse quoi. Merci Alicia pour le à boire. Merci, merci. Et merci pour vos follow sur TikTok. Merci Lou. Donc c'est pas. Salut Alicia. 10 minutes que je regarde. Que je te regarde twerker. Mais il n'y a pas plus de vues. Putain, il Mais je pense que ça va se mettre à jour après. Ouais, peut-être qu'il y a 24 heures, tu sais. Réactualise la page. Au pire. À chaque fois. Et là, t'achètes. Lui. Non, les trois derniers. Lui. Mais c'est quoi? C'est pour faire des sols? Ouais, ça c'est le sol. Okay, sol stylé. Ça fait un peu sol de terrasse, tu vois. Mais genre, t'achètes pas les sols puzzle là? Bah non, ils sont dégueux. Oh, c'est levé de sourcils, mais quoi? Là, y'a pas de. Non, mais y'a pas trop de. Merci, j'ai lu pour le follow. Merci beaucoup. La machine à vue, merci Hydro, let's go. N'hésitez pas à regarder le clip. Comme ça, on le fait monter en top tendance. C'est comme ça, vous allez pouvoir regarder sur cette chaîne, moi qui twerk. Je vais regarder, je vais aller voir, ça m'intrigue. Bah n'hésitez pas si jamais vous êtes intrigué hein, bien sûr. Rocky twerk. C'est beau. Il y a c'est artistique. Artistique.
Attends, mais ton event il est découpé en 50 milliards de morceaux de. De quoi? De bouts de live différents. Bah ouais, mais parce qu'il y a eu des bugs et tout, machin. Donc c'est pour ça. C'est quoi? C'est dans le clip, tu penses? Bird of Prey partie 9. Bird of Prey partie 504. Non, mais comme ça, au moins c'est bien, c'est bien. C'est sur l'accueil. Ouais, normalement t'as clip à la une et t'as twerk. Le twerk, 13 vues le twerk de rock. Voilà, 13 vues, papa. Ça vaut pas beaucoup quand même. Ok, du coup là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi qui commande le premier message du clip, c'est moi qui dis la chance. La chance sonne. qu'est-ce qu'on fait du coup là? C'était quelle heure là? Bah, il était un peu tard là. Ok, donc tu vas. Ah, il était 23h je crois. Ouais, il était 23h, ouais. Le cross dans cross, t'avais twerké dessus. Ouais, j'ai. Non, bah, les deux. Comme ça. Ah, il y a eu un double twerk. Il y a moyen. Alors, tu vas commander des objets. Donc, on retourne à la boutique Nook. Ah, c'est boutique Nook, c'est pas le DAC? Non, pardon, oui, ouais. Non, mais c'était pour tester si tu suivais, tu sais. C'est pour tester si tu suivais, ouais. Regardez Spotted, votre streameuse Animal Crossing. Je viens de voir le débisou, il est masterclass. Le débisou, ah ouais? Le débisou, il est vraiment masterclass. C'est le beau speech, je suis suivi de. Des bisous. Bah, en vrai, tu peux le mettre là sinon, peut-être. Tu veux faire la régie pendant que moi je commande des meubles? Bah, vas-y, commande des meubles. Et tu peux le mettre là. Tu le remets là? C'est très drôle. Oh, let's go, les 50 miles bonus. Let's go. Quel service vas-tu utiliser? Non, mais attends, il faut. Mais ça bug ton. Bah voilà, mais regarde le lettre. Alors, tu vas commander. Un livre. Non, mais non, tu gâches pas mes jours de commande. Trottinette électrique. Comme ça, on va faire vraiment un sur tout. Tu vas. Les... C'est pas là-dedans en plus, ah. Fais B. Fais B. Ah, tu vas aller où? Dans la feuille. Ah. Mais dans la feuille, pas dans les. Pas dans les papiers. Ah, la feuille de papier. Ah, ok, la feuille. Là, tu fais Y pour cacher. Pourquoi cacher? Bah parce que tu caches les objets pas à vendre. Et là tu descends et tu vas chercher la grande vitrine d'exposition. Bah je m'en fous, t'achètes ça. Non. Mais c'est bien un rachat. Va mais chercher. C'est pour Spook. Je m'en fous, il est pas sur mon île ton Spook. Allez c'est bon, voilà, grande ça critique vitrine, les chats. Grande, c'est bon, grande, grande. Ah, grande. Mais moi je vais aller sur le vitrine. Bon j'écouterai plus tard le clip parce que j'ai raconté. Non mais écoute-le ou fais-le écouter, je sais pas, mais il est cool le clip. Mais faut voir l'image. C'est bon, et on peut mettre des trucs dans la grande vitrine. Comment ils ont 4. Ah ouais, ça. Tu en commandes plus, tu commandes jusqu'à ce que tu puisses plus. Ça, je m'en sers pour faire des bâtiments. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux aller où? Dans la. Non, je casse pas tout. Coucou Nono Coco. Salut Nono, ça va et toi? Et oui, aussi, salut Nina. Lubi. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et Feno qui lâche son 20ème mois. Oh my god. J'ai merci. Merci Feno. Je dis merci, c'est pas ma chaîne. Bah merci, salut merci. Nina. Tu peux remercier mieux que ce que j'ai fait pour Feno. Oh là là, merci Feno pour le 20ème mois d'abonnement. Encore plus, c'était pas assez. Non, non, mais parce qu'en vrai, j'ai pas envie de gueuler parce qu'après tes voisins ils vont faire un but. Ah oui, vas-y, Dracolas, vas-y. Tu feras un live coaching sur Trackmania avec Cohen pour te venger. Ah, ah vas-y, plaisir, mets-le dans le chat, ouais, Dracolas, comme ça je le fais afficher à l'écran. Ah ouais, let's comme go. Comme ça vous voyez l'image. Trop fort, Dracolas. Mmh. Trop fort, trop fort. Vas-y, mets-le. Ça c'est pas modo chez moi pour rien. Sur Zab, ça va pas ou quoi? Quoi? Zub? Ouais, Zub, c'est cool. Alors, ça. Alors attendez, je me cache. Non, est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? 3850 euros à lui tout seul. Non, applaudissez-vous vous, s'il vous plaît. Attendez, un applaudissement pour vous, tous les streamers de Pop, s'il vous plaît. Donnez tout, voilà, il reste une heure, je veux que vous donniez tout. Faites kiffer vos commus. Faites de cet événement un événement mémorable. J'écoute, hein. Voilà. Des bisous. On va voir s'il peut faire la. On va voir s'il peut faire la. Oh, la force de me termine à voilà, chaque fois. Voilà, des bisous. Oh, voilà, des bisous. Bah voilà. Alors là. Regarde Montaigne, sur quoi il a arrêté. Ah, ouais, il s'est arrêté. Il s'est arrêté sur moi qui twerk. Let's go. Non, mais voilà, du coup, en fait, j'avais plus trop de voix. Sachez que. Bah, tout, on était à peu près à 25 heures d'événements d'affilée. J'avais dormi une demi-heure, même pas. Voilà. C'est pour ça, voilà. Ouais, la voix était partie en vacances, ouais. Oh, let's go, la voix en playlist, bien let's sûr. Go.
C'est bien, t'as vu, ils ont mis maintenant les... Enfin, il y avait déjà ça. Ouais, les trucs consécutifs, mais maintenant ils l'ont mis beaucoup plus... Alors, en fait, avant, ça y était, ils avaient fait une phase de test où tu pouvais quand même donner la... Enfin, mettre la notif avec les streams consécutifs, mais du coup, ils l'ont viré. Je sais pas, depuis 6 bah oui, mois. Ça fait un moment, puis là, ils la remettent. Ouais, là, ils la remettent, moi, je trouve ça cool. Là, ils la remettent en mode message en plus. Ouais, maintenant. Comme ça... Ouais, mais ça y était un moment avec en mode message, en mode alerte, comme si tu fêtais ton e-sub. Et des bisous, vraiment, c'est trop. Ouais, le des bisous. Ouais, bah, je sais plus quoi dire, j'ai dit des bisous. En vrai, ça va. Ma voix, je l'avais, je pense, ouais, mercredi, ouais. Ouais, mercredi, ça allait beaucoup mieux. J'ai pris des pastilles et tout. Ouais, en deux jours, en vrai, ça allait un peu mieux, ouais. Et du coup, alors, j'ai revu la question pourquoi on était sur Lubi. C'est parce que c'est un donation goal et parce que j'ai oublié ma Switch comme une merde. Voilà. Ah, il a oublié sa Switch. On a dit qu'on faisait quoi là? Boutique. Sur notre fée. On achète des vêtements. Une petite tenue. Oh! Mais aussi belle que celle que j'ai là. Ah! Au moins! Bon, après tu verras, puis on s'en fout. La voix qui est tremblante. Oh, ça va, t'as ça là, c'est trop bien ça! À ce moment-là, la voix, j'avoue qu'elle était pleine d'émotions et tout, donc. Ouais. Ouais, elle était un peu. Je peux t'acheter le truc. Non, non, tu vas dans la. Je peux pas t'acheter des trucs? Tu vas dans la. Tu sais ça? Bah, c'est une cabine d'essayage quoi. Mais tu connais? Oui. Tu vas dans une cabine. Mais non, j'ai pas la boutique moi, chez moi. T'as pas la boutique? Non. Mais t'as le remodel? Bah, j'ai pas la boutique. T'as pas la boutique? Non. J'ai pas les doigts de fée. Bah, où est le problème? J'ai pas les doigts de fée. Tu me laisses carte blanche. Attends, tu, mais. Tu me laisses carte blanche. T'as sorti, j'ai pas les doigts de fée. Oui, bah. C'est les sœurs doigts de fée. Alors, j'ai pas les doigts de fée de 1. Non, mais les doigts de fée. Mais, oui, mais je sais. Oh, I don't have the fingers fizz. Il est plus doigt de pied, Danny. I don't have the fingers fizz. Ah, yeah, shit, we have the sisters. No, I have not the sisters on my island. In the nose? No. Can you concocter yes, so turn around, and don't look at what I am okay, doing. I'm just talk with the chat, please. Yes, talk with the chat. Yes, the sister finger toes. Yes. Yeah, yes, et qu'il a là, I played a little like. Can you put 50 hours? This is not okay to me to put for me to put my hands in front of the screen. Because this is very unproductive, so can you go faster? I focus on the on my clothes. On feet of the day, mother and doctor. Mother and doctor. Allez, please. Yeah. Don't worry, I will do it like. Yes. So the chat, what we wear? Where? Touch your nose, this is the touchne. Oh, touch your nose. Touch nose. Okay. Ouais, yes. Mother and doctor. She is so beautiful and cutie with a crown peach. Yes, puppet. He is very beautiful. Yes, qu'il a là. You don't have the sword fée. This is very. Off on my island. To use. Aïe. English accent. Perpert. My English accent. So I propose. Can I look? One tooth muchachos. Can I look? Yes. Oh. Oh, this is it's my choice. So respect my choice, please. Okay, and, okay. Hello, okay, pizza. This is Chevrolet. This is a good outfit, I think. Yeah, Rey Mysterio. Yeah, you know it. Yeah. We are going to. It is original. Yes, this is very. Can you just take another outfit just for the collection? You know. I need to have some more outfit in my wardrobe you and to buy yes things. Do another outfit. Okay, let's go. Let's somebody yeah. Says yeah, yes. Can you make an outfit? No. Rest in the petit carré. You can choose one of this one. Okay. This five. Oh, the green. Yes, it's for dedicace for Marvin. Yes. It's green. Yeah, green pastel. Yes. Donne regarde ce qu'il dit. Somebody say just it.
Ah, ok, you can choose the beautiful outfit of the day. Oh, this is the, this color is not... There is not white skirt. So I'm a rest in the petit carré. Oh, this... Ah, yes, this cap is great. Oh, do you want a chaperon fairy? Oh, I don't have eyebrows! Là. I don't have any eyebrows. 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 Ah, yeah. Maybe you are sick. It's sort of the, yes, this is the get ready with me. Oh my god. Please, por favor. Oh my god. Why are you taking this collant? Ah, c'est bon, l'anglais c'est fini là. Pourquoi tu prends cute. Non. Oh! Je les ai vus, mais sinon pitié qu'ils les voient pas. Non, mais Splinter Cell. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ces machins? Mais on est là, on est au temps médiéval ou quoi là? Ah oui, je sais pas. C'est. Salut Golden Ice Cream, comment ça va? Putain, oh Golden, coucou. Incroyable. Non mais regarde ce haut, mais tu changes peut-être de faire un fake, ce que tu veux. Non mais faut dire. Bah tu mets une autre jupe et tu changes la couleur du haut peut-être alors. Bah ouais, désolé Marine. Souris Marine. Tu mets. Souris en autre. Mais c'est même pas la même couleur. Chips. Mais le rose non plus. Oh. Et pourquoi c'est moche? Mais tout est moche, hein. Mais c'est pourquoi c'est vraiment pas beau? Ah, c'est parce que c'est toi qui fais la tenue, c'est pour ça. Boum, parle plus sinon t'es ban. Slash ban, non, non. La bête, il a parlé, c'est trop tard. C'est fini. Par contre, les masques de Rey Mysterio comme ça, vides, ils font trop flipper, hein. T'as vu comme ils font peur? Zut. Ouais, il ne sait pas sortir les couleurs vraiment, il ne sait pas. C'est bon. C'est bon, ça. Mais pitié quoi, mais oh my god. Mais c'est incroyable, mais c'est trop beau. En fait, c'est un crossover entre Splinter Cell et Animal Crossing. Mais au prochain épisode de Let's Play, je vais ressortir comme ça, je vais être là en mode oulala, j'ai oublié. Bah, tu changeras au pire avant de commencer à record. Puis je t'expliquerai aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'habille en noir. Vrai. Non, faux. Alors pourquoi je m'habille en noir? C'est parce que je suis désolé, mais parce que dans c'est les l'hiver. Dans les rayons, il n'y a pas de couleur. Sur genre les Bershka, les trucs comme ça, il y a que du noir et du blanc. Et... Tu es daltonien. Non, je suis très mauvais en termes de style, c'est tout. C'est bon, tu peux jouer là? Non, tu veux pas, tu veux. Bah si, c'est mon coaching. Non, mais. Ouais, mais je m'habille. Retourne-toi, je m'habille. Regarde pas les gens tout nus. Ah non, il y a le... C'est un compliqué, t'es entouré des écrans. C'est trop beau qu'il a dit, bah vous avez peut-être pas de goût. C'est pour ça. Je m'habille que de ça. Merci beaucoup. Vraiment, Dan, il est jamais en noir. Non, mais s'il vous plaît, vous pouvez pas rester comme ça, faut qu'on soit présentable. Mais donne-moi les tips alors, Dan. Donne-moi les tips. Moi je. Si en vrai j'ai genre du blanc et du noir beaucoup, mais j'avoue que la couleur ça manque dans les rayons. Oui. Regarde comme ça aurait pu être Mimi comme ça. Tu veux pas changer la mono dent? Mais pourquoi t'as un problème avec ma dent ou quoi? Mais t'as un problème ou quoi? Bah moi j'avais pas accès à tout. Voilà. Faut dire les termes, j'avais pas accès à tout, voilà. Forcément si on me donne pas tout, je peux faire comment moi? Ça c'est plus Mimi. C'est un peu folklorique, mais c'est un peu. C'est un peu, ouais, le. Ouais. Pourquoi tu veux enlever ma dent? C'est quoi ton souci? Tu veux changer de tête? Mais c'est bon, on la laisse, c'est mignon. Allez, on la laisse. C'est un artiste incompris, exactement. C'est quoi ma couleur préf? Bah, en vrai, j'aime bien le violet. La jupe des iguales, un peu, ouais. On est pas au carnaval, bah, si, en fait. J'aime bien le violet, orange, en vrai, j'aime bien. C'est des couleurs que j'aime bien. Après que je porte, je sais pas, ouais. En vrai. Violet orange, ok, la saison d'Halloween. 2-3 pièces avec des couleurs, mais c'est trop cher, je me rabats sur H&M et Uniqlo. En vrai, Uniqlo c'était très bien. Là, récemment, il y a pas mal de promos et j'ai acheté genre des. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu me dis comme ça, je fais en fonction du coup, tu vas parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut aller sur l'île d'Amiral. Non, on peut aller sur l'île de Joe et d'Amiral. Va sur l'île de Joe. Non, de Joe. C'est de l'autre côté. Bah, Amiral c'est en bas à droite, non? Ouais. Bon, au pire, on peut aller là-bas en premier. Je sais pas où c'est. Vas-y. Je sais même pas qui c'est, tu vois. Mais Joe, il est là le troisième jour de ton jeu. C'est la marmotte, à l'autre? Non, l'eau? Qu'est-ce que c'est?
Putain, c'est 1000 max. Ah, cher hein, le bug. Hein. Ah ouais, une map du 2XL chez Uniqlo. Ah vache. Ah ouais. Jure. Faut moi une map, mais genre clairement du M, genre. Alors, chante avec. C'est pas une grenouille, c'est un kappa. J'ai pas compris. Je sais pas ce que tu me demandes là. 50 heures. Bah vas-y, va sur. Vas-y. T'as jamais été là? Non. Bah tu vas découvrir, tu vas chanter avec lui. Et si tu veux, je te mets dans l'ambiance. En tout cas, j'ai acheté des super t-shirts à 7,90. Je te mets dans l'ambiance comme ça. C'est de la bonne qualité. Approche-toi là au milieu. Voilà. Je te mets dans l'ambiance, tu peux chanter avec lui. Chante avec lui. Pui 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 pui. Ouais, ouais. Mais chante les paroles. Si je. Moi je suis concis. Quoi, conciliant? Vas-y, continue! Je rechigne pas à aspirer, balayer, récurer. Mais qu'elle compte pas sur moi pour le repassage. Mais il est. C'est quoi? C'est un macho en fait, Amiral. Un peu. Boule macho, cancel Amiral. Vas-y, continue. Si j'avance pas droit, faut pas que tu t'inquiètes. Les vapeurs d'essence font tourner la tête. Mais je sais pas c'est quoi son rythme, frère. Ouais. Ouais. Ça va vous là? C'est pas Slay, hein. C'est vrai? Non. Je m'inquiéterais, ouais. Je vous ai fait une belle dédicace à vous. Et c'est sur une île cool. C'est vous qui nous faites tourner la tête. Ouais. C'est quoi ces lignes de. Ouais. Une île aux carottes. Je reste ici avec mon rafio. Et si jamais tu as besoin d'un outil ou tu veux prendre le large. Allez, les carottes. Alors, les peanut butter. I get some whiskey. There's a cheese and bacon. Vas-y, va chercher les autres. Mais saute. Mais t'as pas besoin de perche là. Ah putain. Ah, ils ont pensé à tous les cons. Vas-y, saute. Wouh. Wouh. Pour les carottes, les amis, bien sûr, 5 fruits et légumes par jour, s'il vous plaît. Tu refais ça, ou elle va partir. De quoi les... Ramasser les mauvaises herbes là. C'est bon, désolé. Et t'as pas de filet? Non. Bou bou bou. Elle est rangée. Bah, c'est bon. Tu veux que je ramasse quoi? Tu veux que je fasse quoi là? Bah là, c'est... tu peux faire le tour et aller de l'autre côté. Ok, bon, de l'autre côté les amis, c'est parti. N'hésitez pas à les follow rock, hein, évidemment. Est-ce qu'on retente un réseau ou ça fait peur? C'est bon, j'ai fait un petit shout-out. Ah, très bien. Fanny, incroyable. N'hésitez pas à les follow rock, il y a le petit cœur qui apparaît en haut du chat, si jamais, à lui donner de la force à cet homme et à le forcer à jouer Animal Crossing plus souvent. Et le SO, oh, on voit pas... C'est moi qui fais du... Tu vois, t'es vraiment un connard, parce que ta caméra, elle est là, comme l'Ox. Du coup, on voit pas. On voit pas, donc là c'est alors, nul. Là du coup, hop, je fais là. Du. Le fait IRL. Hein. Hop, je fais de l'aérobic IRL et c'est Dolly qui a fait le clip. Hop là, oh, wow. Y'a quoi? Comme l'Ox, mettez votre caméra l'autre côté. Mais non! Mais si! Mais moi je l'aime bien à droite! Mais tu la changes! Mais laisse-moi! Mais non! Mais si! Mais non! Bah si! Mais non! Mais si! Mais non! Mais si! Mais je peux pas changer l'overlay, l'Ox! Le bot il est fait comme ça! Oui, j'avoue, change le box! Tu changes le bot, pourquoi changer nous? C'est pas à nous de changer, c'est que je sache. On les va les chercher. Du coup, il faut juste prendre des carottes, c'est tout. Bah là, c'est une carotte, ouais, donc quand t'as pas de. Mais c'est. Pour toi, c'est rentable. Non. Mais je fais travailler parce que tu devrais faire ça dans son île, quoi. Enfin, sur son île. Ok. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc on est bon. Là, on peut, il faut partir. Ouais, tu peux y aller. Ah, tu regardes sur les plages, y'a pas une... ouais, un plan de craft. Les plages, voilà. Oh là là, le petit plan de craft. Les fruits aussi, les fruits, c'est quoi les fruits? C'est juste des. Non, les fruits. Des pommes. C'est des pommes. Récupère un arbre petit. Enfin, une pomme. Des pommes. Je sais pas si j'en ai. Ah merde, il fallait que. Non, mais en fait, il fallait que d'abord j'enlève les mauvaises herbes avant de. Non, non. J'aurais pu perdre des pommes. Non. Si. Oui, mais là, t'en avais pas assez. Enfin, il y en a assez de place, donc non. Ouais, bah. Hein. Ah,
Allez, sois concentré là. Mais prends pas tout, on s'en fout. Redescends. Eh si, si, moi j'ai besoin non, de manger. Non, non, non. T'as pas besoin, t'as pas besoin. T'as pas besoin d'autant. C'est de l'esclavage. Tu descends, tu descends. Moi je fais tout comment suite. Après, moi j'ai pas à manger. C'est rentre le Scooby-Doo. Alors, Scooby-Doo. Alors, j'ai un ami qui fait très bien Scooby-Doo, moi je sais pas le faire. Mette à gauche, faut se mettre à droite. C'est trop. Oui, c'est ça, t'as tout compris, Golden. Sinon, je regarde le mur. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est pour, voilà, ça, que, mais que moi, c'est pour ça que là, vous nous voyez regarder là-bas. Oui. Mais dans l'autre sens, je suis de l'autre côté. Là, c'est comme si vous étiez assis en face de nous à une table. Bonjour. Voilà. Ça et si je retourne, vous voyez bien, mon néon, il est inversé. Mais sinon, si j'avais laissé dans l'autre sens. À l'estuaire, égal. Mais en fait, vous regarderiez de l'autre côté, on regarderait là-bas. Mais elle a pas de canapé, je crois. Quoi? Elle a pas de canapé, je. Mais pourquoi? Tu une canapé? Bah parce que apparemment, je sais pas, j'ai vu aucune S gros poisson à l'estuaire, il y a surjon. Ah, peut-être, ouais. Moi je voulais un estuaire. Bon, bah ouais, tant pis, pas d'estuaire. Voilà, bah super. Ah bah super. T'as vu qui? Bah ouais, bah, ah bah super. Donc c'est. Mickey tu... Non, vraiment. Vous voulez, il le fait mieux. Bah ça va, quand je prends la voix de Prince Florian, je me débrouille bien. Oui. Voilà. C'est plus facile. Faut dire les termes. Je sais faire. Machine. Ah non. Bah en vrai ça je le fais bien sur la vidéo. Dépêche-toi là, appuie sur A. Oui, on bah, a encore du travail. Oui j'abuse, ouais c'est bon, j'avance. Mais en vrai si j'ai fait Yoshi et Mario. Le It's Me Mario et le Yoshi je l'ai fait sur une des vidéos là. Tu sais comment on le débloque? Tu sais comment on passe son truc? Spam B. Spam B. Bah ouais il casse les... Non mais, il fait... non, mais c'est bon Tu peux passer son champ de merde. Oh Lox, let's go, bientôt level 300. Allez, non, va. Non, maintenant, fait. Tu vas sur l'île de Joe. Comment on fait sur... Comment on va sur l'île de Joe? Sur l'île de Joe. Sur l'île de Joe. Comment on va sur une île? Bah, tu vas à l'aéroport. Ouais. Si c'est pas un bateau, c'est un aéroport. Ouais. Ah, mais non. Ah, si. Ah, mais du coup, Joe, c'est un pélican. Enfin, une mouette. Enfin... Ah non, non, non. Si, si, c'est non, un... C'est Gulliver, ça. Mais non, mais ça c'est des mouettes. Mais ça c'est des dodos. Bah c'est pareil, c'est bon, c'est des dodos. Non, mais. Mais laissez tomber. Oh là, c'est bon, ouais, on s'en fout. Là. Oh là là. Vous avez vu comment il est? Je sais pas. Un pélican. C'est des dodos, on est à Dodo Airlines. Pareil. Mais si, non. Oui, vous savez, j'avoue que c'est Dodo Airlines, c'est écrit sur le nom. Je veux voyager. Oui, je veux voyager. C'est toi le pélican. Ça mérite la prison. Ouais, ils restent zen. Hein, salut Mathilde. Vous aussi le chat, parce qu'en vrai c'est une épreuve pour elle, mais pour vous aussi, hein, je sais. Okay. Allez sur l'île de Joe. Joey. Il Joe. Connaît que les cailloux, lui on veut pas. C'est vrai, Fanny, t'as raison. Hein. C'est ça, moi je mange des cailloux au quotidien. Hein. Ça doit croustiller sous les dents comme ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai une belle dentition, tout ça. Salut Mathilde et merci beaucoup, Janice, pour le follow. Merci Janice. Allez, en route, c'est parti. Bon, j'arrête de. Allez, je focus sur le jeu. Juste un peu. Mais ouais, mais ils sont intéressants là, eux là. Joël Pélican, bah c'est mignon ça. Où ça? Dodo. Dodo de contrôle à Dodo 1. On a dit que tu me reçois. Et voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter un excellent vol. Cannibale, Zoruya. Non, mais c'est parce qu'il y a carnivore. Des. Ouais, ouais, carnivore, je mange de la viande. Bah, en soi, il y a des gens qui mangent des soupes de cailloux, donc à partir de là. C'est vrai que ça existe ce truc là. Oui, ça existe vraiment. Ils font cuire des cailloux dedans. Mais... Tu vois, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire des soupes de cailloux? Avant les années 2000. La Réunion avant les années 2000. L'île de la Réunion avant les années 2000. Pourquoi l'île de la Réunion c'est des cailloux? J'ai pas compris. Mais je respecte les 2000. Parce que j'en suis un. Leur contexte total. Vraiment, je comprends plus rien. Waouh, putain, c'est ça. Là, tu vas au DAC. Putain, il a un. Va au DAC, va au DAC. Ah, au DAC. Je au lac, je te demande, on va se baigner ou. Allez. Là, tu récupères 100 000. Et pourquoi c'est chez lui que t'as des sous? Mais pas un million. Et pourquoi c'est chez lui que t'as parce qu'il a un DAC ici aussi. Mais pourquoi on n'est pas allé. Ok. Donc, on a un DAC, monte un peu, tu vas comprendre pourquoi on a un DAC. Ils sont trop stylés. Voilà. Va parler à. J'adore cette habitante. Pas elle. Ah. Va parler à Joe. C'est le chien. Oui, c'est le chien. Ah, et salut, okay. Klaxou. Let's Comment c'était go. Je reviens de l'Eurovision. C'est cool. C'est passé l'Eurovision. Bah, faut croire, regarde. C'est qui a gagné? Ah, c'était hier soir. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas, c'est samedi soir. Ouais. Ça, c'est vraiment des trucs que j'ai absolument jamais suivi toute ma vie. Bah, Eurovision pas. Junior, ah, ok. Ok, je savais pas du tout. Ouais, moi je suis pas du tout. Alors, lis ce qu'elle te dit. Quel plaisir! Non, mais pas avec une voix normale.
Je suis Risette et lui, c'est mon Serge Ounet d'amour. Comme l'a dit Joey. Voilà, je viens d'annoncer l'ouverture de notre magasin ici. Waouh, incroyable. Il n'y a pas grand chose que mon Serge Ounet ne puisse pas personnaliser. Tu comprends ce que tu dis là? Bon, alors, faut pas faire des promesses pareilles. Je ferai de mon mieux. Tu comprends ce qu'elle a dit? Non. Tu comprends ce qu'elle fait comme truc? Elle fait de la vente? Non. Fait du quoi? Fait du. Pas du tout de la vente. Elle fait quoi? Elle fait de l'architecture? Non. Elle fait. Elle est éboueur? On présente tellement des faces et on commence. Okay, donc, je suis Serge, comme Marisette d'abord l'a dit, je suis pas mauvais en personnalisation. Ah, du coup, c'est pour crafter et personnaliser les motifs. Voilà. Non? Je suis très honnête. Si nous tourterons de ce type adorable, il faut fondre mon petit cœur d'artichien. Il a dit artichien? Oui, il a dit artichien. Vous êtes unis dans la vie, ils travaillent ensemble, c'est vraiment remarquable. Du coup, ils font quoi de la personnalisation de... d'objets, mais pas avec des motifs, enfin pas qu'avec des motifs. Ah, ok, d'accord. Bon, je vous laisse. Ils étaient boueurs, vraiment, allô. Profites-en pour te familiariser avec la boutique. Très vas-y. Bien. Là, fais voir l'inventaire, t'as quoi dedans? Ok, parfait. C'est quoi les premiers objets? C'est quoi les premiers objets? Les premiers objets. Bah, c'est. Non, objets. Ah, c'est les. C'est quoi? C'est... Ah oui, c'est ce qu'on a acheté. Ok, parle à Serge. Je t'apprends un truc. Ok. Je suis jamais allé ici, donc à partir non, bah, de c'est là... Ça. C'est vraiment quelque chose, merci encore. Il y a des trucs que je suis seul à pouvoir personnaliser. Alors, ramène-les-moi. Ok, reparle-lui. Ouais, ouais, mais j'ai... Salut, canaille. Canaille. Ouais, c'est un peu... On n'est pas... Mais laisse-le, il est trop mimi. Non. Ici, je l'adore. Tu m'appelles pas canaille, c'est bizarre, ça, c'est mon polisson, je sais pas. Mais non, une. Je suis curieuse de voir l'île de Rock. Mais alors, t'as une très belle ouverture avec une arche en caillou. Ok, donc là, tu peux faire ça, voilà. Et là, en fait, si tu veux, Serge permet de, quand t'as un objet, de voir et de craft, enfin de tu changer. Ça de changer. Attends, de changer. Oui, l'apparence. L'apparence. C'est pas que la, c'est pas la couleur, donc c'est vraiment. Non. Enfin, c'est, en gros, c'est, en soi, c'est la couleur de l'objet. Mais tu peux aussi, par exemple, quand t'as un motif, enfin, quand t'as une chaise, t'as le bois de la chaise et l'assise. L'assise, tu pourras mettre un motif. Et le bois, tu vas pouvoir changer la couleur. En fait, tu peux changer la couleur de chaque objet, bah, entre ce qu'il y a dans le jeu, hein, grâce à Serge. Donc, par exemple, il y a un truc pratique. Au Nook Stop, tu peux acheter des objets uniquement achetables en miles, qui sont comme les lampadaires, les bancs. Il y a certains bancs que tu peux acheter que en miles, etc. Et en fait, tu ne peux pas changer la couleur de ce meuble tant que t'as pas débloqué Serge. Donc par exemple, moi j'ai des lampadaires qui sont noirs. Ok. Sauf que moi je veux pas des lampadaires noirs, j'en veux des blancs. Ok. Il faudra que j'achète tous mes lampadaires et que je vienne ici à chaque fois pour mais les personnaliser. C'est pas sur tous les items, c'est que certains en particulier. Il y en a certains qui n'ont qu'une seule couleur, du coup tu peux, tu peux pas les personnaliser. Là, si tu les amènes ici, en vrai tout le reste des objets peut personnaliser. C'est stylé en vrai. Ouais. Parce que c'est pas juste un changement de couleur quoi. Non. Tu veux quoi? Tu veux fleur de prunier? Bon, n'importe, ce que tu veux en soi, moi j'en fiche un peu. Salut, Alerto Sushi, comment ça va? Vas-y, Alerto Sushi, coucou, bonsoir. C'est la texture, ouais, c'est la couleur en soi de. Ils sont en train de spoiler le jeu en fait. La variation en fait. C'est ça, en fait, ils savent pas que Risette elle va finir éboueur en fait. Mais non, c'est la fin du jeu, c'est la. Attends, il faut pas que j'utilise la nouvelle mage. Ah non, dis pas la nouvelle mage, attends. Dis à tout. C'était un secret, je t'ai confié, le dis pas à tout le monde. Ah, je suis désolé. Ah non, maintenant tout le monde va savoir qu'il y a une nouvelle mise à jour. Non, c'est faux. Je vous l'aurais dit, j'aurais pas pu tenir ma langue. Parce que me voir si t'as une autre bricole à me confier. Pigé. Ok, donc lui il t'échange ça contre des clochettes. Ok, bon, lui il veut des sous. Ouais. Okay. Est-ce que tu veux maintenant faire quelque chose tu vas aller à lui là. Non, en haut. Et tu vas. C'est des gyroïdes. Oui, c'est des gyroïdes. Ça être vivant aussi. Bah, dans le jeu, les gyroïdes ils ont. Bonjour, background. Mon ami. Mesdames, soyez acceptés pour inviter un papy qui te donnera accès à un espace de rangement. Et chaque emplacement fait venir un personnage spécial. Ok. Moi je les connais du coup à force, mais. Collecter ces 1000 clochettes. Voilà, donc à chaque fois tu dois. Nous en sommes à 9000 aussi. Tu dois donner 100 000 clochettes pour débloquer le personnage. Ok. Donc là tu vas aller donner ce qui lui manque, donc je crois que c'est 95 000. Appuie sur A. Ouais, ok. D'accord, bon, tu le rembourses et en fait ça va lui ouvrir la caravane, il sera toujours dans la caravane. Ok. Donc lui en fait. Sur l'île de Joel, les deux premiers personnages à faire venir, c'est clairement Serge et Risette. Ok. Et après, Tortimer. Là, c'est Tortimer. C'est l'ancien maire du jeu. Ok, dans mais du le coup, jeu il sur va PS. Sur... Oui. Maire sur nous ou pas enfin, non, là, il va juste venir avec sa caravane et en fait, lui va servir d'entrepôt. Et du coup, est-ce qu'ils sont là tout le temps ou pas, Risette Oui, ils sont là tout le temps. Ok. Ok, donc là, c'est fait. Donc là, on a débloqué un truc. Est-ce qu'il faut lui reparler pour en faire non, un deuxième? Non, c'est bon. En fait, tu peux en faire qu'un seul par jour. Et du coup, en fait, Serge et Risette te permettent de modifier les objets, mais quand on a vraiment beaucoup.
il faut que tu fasses des allers-retours sur ton île si t'as pas débloqué Tortimer à côté. Parce qu'en fait, tu peux, par exemple, je pars de mon île avec 40 objets que je viens personnaliser là. Si j'avais pas Tortimer à côté, je devrais retourner sur mon île, les vider et en reprendre de nouveau pour revenir. Sachant que là, Tortimer, il te permet de ne pas faire cet aller-retour parce qu'en fait, lui, il te sert de rangement. Il te montre ton entrepôt. Ok. En gros. Donc c'est comme quand tu fermes ta maison et que tu regardes l'entrepôt de ta maison, en fait. C'est ça. Tortimer, il fait ça, il te sert à ça. Donc c'est les deux plus importants. Maintenant, tu peux aller voir Ginette. Quel chien coiffeur. Oui, ça c'est pas, je suis trop content. À chaque fois qu'on rembourse. Merci Galaxia pour le follow, bienvenue. Et salut Galaxia, bienvenue. À chaque fois que tu rembourses une caravane, tu m'écoutes, arrête de lire, écoute-moi. À chaque fois que tu rembourses une caravane, oui. Tu débloques une coupe de cheveux avec Ginette. Let's go. Okay. Est-ce qu'on peut avoir sa coiffure? Non, elle est superbe, mais tu ne peux pas l'avoir parce que c'est un chien. Voilà. What about Runar le voleur? J'avoue, ouais. Est-ce que c'est compté comme ce genre de personnage ou pas du tout? Ou du coup, il faut payer pour les faire venir? Alors, Runar, t'as plusieurs personnages, c'est différent. Runar, parce que lui, il vient sur ton île. Ok. T'as Sarah aussi, que tu débloques ici, mais elle vient sur ton île aussi. T'as Blaise, qui vend les chaussures, les sacs et tout, mais qui vient aussi sur ton île. Donc t'as quelques personnages comme ça, qui eux font le tour de ton île. Donc quand ils sont sur ton île, ils sont pas ici. Ok. C'est tout. Mais sinon, le reste, ça va. Alors... C'est soit ça va être une coupe dégueulasse, soit ça va. Ah, c'est random? C'est aléatoire. Ah putain, je pensais que j'avais choisi. Non, non. Ça va. Ça va, c'est un petit chignon. Ça va? Oui, ça va, c'est mignon. Non, mais c'est mignon, ça va. Ça après, va. Tu peux lui dire que t'aimes pas. Après, tu peux lui dire que t'aimes pas. Non, c'est pas que j'aime pas. Mais non, mais tu peux lui dire que tu l'aimes pas. Ah, du coup, ça peut. Tu penses qu'on peut faire pire? Non, non, mais là en fait, si tu lui dis je sais pas trop et tu lui dis non, il te remet ton ancienne, c'est tout. Oh non, je pensais qu'elle allait continuer, changer. Bah, du coup, tu peux lui dire non, ça va. Non, ça va. Bon, vas-y, on reste sur ça. Ah, c'est elle est stylée. De toute façon, j'ai un chapeau. Donc du coup, en fait, le chignon, il se verra plus, on verra juste les petites mèches en dessous. Mais c'est Mimi, elle est Mimi. Elle a un gros front, ouais, par contre, j'ai un maxi front. Ouais. C'est pas grave, la cale ici, ça touche tout le monde. Tu parles bien. Mais regarde, c'est Mimi. C'est archi Mimi comme ça. C'est Mimi avec la casquette là. Ça rend bien. Et du coup, maintenant tu peux personnaliser tes cheveux avec cette coiffure là. Ok. Par contre, Ginette, elle te sert que quand tu rembourses les caravanes. Parce qu'après, t'as plus. Ok. Donc en bas, on descend. En bas là, ça c'est Blaise, c'est le vendeur de chaussures. Ok. En haut, au-dessus, c'est Runar. Là, c'est Runar. Non, là. Là, c'est Runar, ok. Là, c'est Runar. Là, c'est Racine. Okay, c'est le mec des plantes. Ok. Donc Rizette et Serge, t'as Tortimer. Ici c'est Sarah. Ok, Sarah. Et là, Sarah elle vend des tapis et des sols qui sont exclusifs à son personnage. Ok. Et ça c'est Astrid, c'est la voyante. Ok. Voilà. Et maintenant bah t'as fini donc tu peux. Ouais, c'est Mimi en vrai. Donc maintenant merci. Tu peux. Meiyua. Merci beaucoup Meiyua. Merci pour le Prime. Moi. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Et merci, donc en fait à chaque fois du coup il va falloir payer 100 000 clochettes pour débloquer les caravanes. Okay. Et en fonction que tu débloques un certain nombre de caravanes, tu débloques une nouvelle. Donc là on est parti pour revenir sur l'île. Voilà, sauf que c'est... voilà. T'étais pas loin. Maintenant je te propose d'aller faire un petit tour sur le DLC. Ok. Donc là tu lui dis là, je veux aller au travail. J'ai pas envie de passer trop vite. Est-ce que j'ai pas envie de faire de bêtises? Non, en fait, Lady dit un truc, mais je m'en suis jamais servi parce que c'est ça. Il faut savoir lâcher ses ailes pour lâcher du lest, se laisser porter par la brise bien dessus. Et lui, il est trop à fond dans son job. Ouais, lui, il est trop. Rodrigue, il est too much. Mais ça se voit en plus avec sa voix de. Non, vraiment, c'est bien. Tout ça est extrême. Alors, Astrid, elle a beaucoup de fonctionnalités, mais que si tu ne lui parles pas, n'interfère pas dans ta partie. Astrid, elle a beaucoup de fonctionnalités différentes, mais faut que tu lui parles pour que ça s'active. Dans le sens où, par exemple, elle peut te porter chance dans 4 domaines différents ou te porter malchance dans ces 4 domaines. 4 ou 3, je sais plus combien il y en a. En gros, par exemple, niveau richesse, elle peut te dire aujourd'hui, genre, tu vas gagner 20% de plus. Là, tu fais aller au travail. Voilà. 20% de plus dans les pierres à clochettes et dans les pièces qui tombent des arbres. Il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, ça influence ton jeu de manière positive ou négative, mais elle te le dit. Et tu peux payer si par exemple t'as un truc trop négatif, mode ouais, tes outils vont se casser plus vite, etc. Bah, en fait, tu peux lui dire écoute, je veux pas avoir la malchance, tu lui payes en fait. Et elle, à partir du moment où tu lui parles, elle t'applique ce changement. Mais t'as pas mal de choses, faudrait que je regarde dans le guide parce que c'est hyper complet. Mais il y a des trucs avec Astrid qui sont vraiment bien. Comme par exemple, je crois qu'en positif, tu peux ne plus casser tes objets. Donc c'est bien, c'est assez cool. Attends, je vais regarder parce qu'il y a plein de trucs. Merci beaucoup, Lace.
l'AIS70 pour le follow, merci à toi. Incroyable. Elle fait vraiment des trucs sympas en vrai. Mais ça, c'est des trucs que même moi, hein, sans lire le guide, je savais pas. Hein. C'est des trucs tellement précis. Genre là, littéralement, par exemple, t'as 4 domaines. T'as le domaine de la santé. Oui, il est trop chou. Il est trop mimes. Là, tu peux faire le tour des pages et trouver une lettre en bouteille. Putain, ils sont bien ici là. Ouais, ils sont très bien. Le DLC est chill là, le. Donc, ils interfèrent au niveau santé. Je sais pas ce que c'est. Hein ? Quoi ? C'est le DLC. Mais regarde sur les plages, le bord des plages. Je sais pas ce que c'est le DLC. Non, mais vraiment, je sais pas ce que c'est le DLC. Merci Lila pour ton follow et merci Lise aussi. Comment ça, tu sais pas ce que c'est ? Est-ce que t'as jamais mis pas, les pieds ? Bah ouais, je sais pas. Mais j'ai pas le DLC. Alors, tu sais pas ce qu'il faut faire dessus ? Bah oui, je sais pas quoi il sert en fait. Non, bah, je sais ce que c'est un DLC. Oui, oui, ok, je me disais, je me demandais. Il est con celui-là. Oh, regarde, c'est toi dans la. Là. Moi je suis là. Là ouais, c'est toi, c'est Joachim. Tu sais, je t'avais dit, c'est toi. Avec les bouffes à la tête. Il te ressemble en fait. Mais je le ressens. Bah, tu sourcilles comme ça. Ah, tu fais peur là. Oui, bah ça va. Hein. Mais le DLC en gros. Le DLC en gros, c'est ce que tu fais dedans là, en plus du jeu classique. Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais rien, t'inquiète. Non, mais t'as des images de Chucky. En plus du jeu classique, en gros, le DLC il t'apporte le fait de pouvoir faire les villas de vacances des habitants. Ok. Et en plus de ça, il te permet de débloquer un catalogue. En fait, chaque maison de vacances que tu vas faire va te débloquer des meubles différents parce que l'habitant va te proposer de mettre tel meuble, tel meuble, tel meuble. Non, vas-y, continue de parler, on t'écoute. Tu fais quoi, je t'écoute. Tu découvres le haut. Assieds-toi sur le petit truc là, sur le bord. Assieds-toi, avance dessus. Non, sélectionne pas. T'as un petit point de vue comme ça dans le DLC. Et en gros, chaque habitant, par exemple, elle m'a donné plein de meubles, enfin, elle m'a fait cataloguer dans le DLC plein de meubles de type floral parce que son thème, elle voulait un truc de fleurs. Ok. Et en fait, tous ces meubles que tu découvres, enfin qu'elle te propose de placer dans sa maison, tu les débloques dans le catalogue de Mantin. Pour débloquer le catalogue de Mantin, il faut que tu dépenses des Poki. Donc là, descends, j'ai pas fait ça, c'est vide. Tous les trucs gris, y'a pas dedans. Ok, d'accord. Là, si tu vas dans la maison de Lou, ouais. Ah oui, t'as des meubles achetables en Poki. Moi, j'ai plus de Poki parce que j'ai trop utilisé mes Poki. Okay. Et en fait, t'as des nouveaux meubles qui sont exclusifs à la mise à jour. Donc t'as pas tous les vieux meubles de merde qu'on s'en fout de avant. Et là, par exemple, t'as plein d'autres meubles. Ok, donc c'est des meubles à acheter. Mais voilà. Du coup, les Poki, tu les as comment ? C'est en... Alors, en travaillant. C'est en travaillant, donc c'est en meublant les maisons des habitants. Tu veux tester ? Vas-y, parle à Lou. C'est lui ? Non, ça c'est Mantin. Ah. Ça, Lou, c'est elle. Oh, ben, Lou, c'est là. Lou, c'est la nièce du mec qui gère l'Académie des Jouets Décorateurs. Oh, okay, à Calionel, à casse gros. Bravo, tu m'as fait découvrir quelque chose. Avec plaisir, hein, si vous avez d'autres questions. Vas-y, une idée m'est venue en tête. C'est, je crois que c'est un bâtiment qu'on fait. Décorer les villas exotiques. Ah, ok, d'accord. On voit les nichés. Ouais, c'est sa nièce. Mais Lionel, en fait, Lionel, si tu veux, c'était jamais vu un harceleur de la sorture. Franchement, même moi, quand j'étais petite, je me sentais menacée par Lionel. Le mec, déjà, je l'ai rencontré sur Wild World. Il s'appelle Lionel, quoi. Ouais, non, mais c'est une loutre un peu comme lui, avec des lunettes, mais qui te harcèle. Il te suit dehors. Ok. Dans ta partie, genre, il t'attend devant chez toi, et d'accord. Si tu lui parles pas, il te suit. Et il sert à quoi ? En fait, c'était pour s'inscrire au programme de l'Académie des Joyeux Décorateurs à l'époque sur la DS. Si tu le faisais, ça. Si tu le faisais, après, il te lâchait la grappe. Bah, il t'envoyait des lettres tous les jours. Enfin, c'était vraiment un harceleur, quoi. Et sur New Leaf, pareil. Non, c'est peut-être sur New Leaf, je sais plus. Mais il faisait trop peur. Genre, je vais te montrer sa gueule, tu vas être là. Ah, oui, d'accord. D'accord, ok. Il fait vraiment peur et il est vraiment moche. Regarde, c'est lui. Ah, oui, ouais, c'est le professeur. Regarde, il ressemblait à ça avant. Quand il faisait trop peur. Il t'attendait devant chez toi avec son petit sac, comme ça. Il était là, tu veux souscrire au programme de l'Académie des Joyeux Décorateurs ? Et on était là, non, on veut pas, non. C'est bizarre, là, mais... vraiment horrible. Mais du coup, Locke, je disais avant que... là, ça c'est pour te changer, mais il faut que tu parles à Lou. Ouais, mais du coup, j'ai parlé à Lou et puis elle m'a dit... Bah t'as pas fait A, t'as fait du faire B, je crois. Ah. Alors, je du coup, je disais, Locke, avant, faut que tu reparles à Lou et tu lui dis que tu veux travailler. Parce qu'en fait, il faut que j'aille vite, mais en même temps, il faut que j'aille pas vite, parce qu'il faut que je lise. Bah, lis. Du coup, je disais Lox que. Il fait que je lui reparle en fait. Oui, c'est juste ça en fait. Il fait que je lui reparle une nouvelle fois.
Astrid, elle agit niveau santé. Santé, ça va être au niveau des aliments. Donc, quand tu vas manger des aliments, par exemple, tu manges un fruit, ça va pas t'apporter un point, ça va t'en apporter deux, par exemple. Là, non. Ah, quoi que tu peux. Ah, ah non, mais parle. En fait, prends les objets là, achète-les tous. Ok, c'est bon, j'achète. Achète tout. En fait, c'est con, je suis pas sur Altea, moi, je suis débile. J'ai plus de trucs, mais en fait, c'est bon. Donc, niveau santé, en positif, ça te donne plus d'énergie. Ouais. Négatif, en gros, tu vas tomber un peu plus. T'auras les aliments. Si tu manges des plats qui vont t'apporter la moitié, par exemple, si t'as un truc qui te donne 4, bah, t'en auras que 2. En amitié, tu vas améliorer plus facilement l'amitié avec tes habitants. En positif, en négatif, bah, tu vas réduire l'amitié. Ça va pouvoir jouer aussi au niveau des possessions, donc tes outils. En positif, il casse pas. En négatif, il se casse beaucoup plus vite. C'est vraiment que 2-3 points parce qu'il y a beaucoup de trucs en vrai. Et au niveau argent, par exemple, dans les arbres, quand tu les scouts, tu gagnes 100 clochettes. Et là, avec le positif, tu gagnes 300 par pièce à la place de 100. C'est un truc bête, mais voilà. T'as besoin de chocolat ? Non, ça non. Ça, les chocolats, ils te servent en fait quand tu rentres chez toi, tu peux en donner une à tes habitants. D'accord. En cadeau, et comme ça, tu les amènes ici pour faire leur villa. D'accord. Voilà. Et voilà, à l'inverse, en fait, c'est le contraire. Merci, hello. Du coup, attends, là, on fait quoi ? Parce que là, moi, je suis censé bosser là. Moi, Tu vas sur la plage. Mais ouais, mais c'est mon premier jour. C'est son premier jour. Non, oui, c'est mon premier jour, donc je sais pas par où il faut aller là. Laisse-le prendre du chocolat. Après, si tu veux prendre du chocolat, prends du chocolat, hein, mais non, c'est pas utile là. La Poki dans le style. C'est pas dans le sas. Et là, tu choisis le personnage que tu veux. Et tu peux regarder aussi les thèmes. Attends avant de choisir. Bébé. Et c'est quoi les thèmes qu'ils ont ? Bah, quand tu t'approches, il s'est écrit au-dessus. Ah, ok, d'accord. Lui, c'est quoi ça ? Lui, bah, je veux une usine qui fabrique des robots. T'as une usine scolaire, oula. Choisis celui qui te branche le mieux. Chantier, frère. Notre mieux. C'est des mêmes mots d'image. J'adorerais avoir ma propre piscine. Et si jamais tu peux rentrer dans le restaurant, pas dans le café là. Il y a des habitants. Ouais, il y a des habitants. Bon, tu juges pas. Hein. Pourquoi ? Bah, juge pas, c'est tout. Et juge pas quoi et qui ? Juge pas, c'est tout. Mais quoi ? Les gens dedans ? Non, juge pas. Je comprends pas. Bah, juge pas, du coup. Ah, mais ça, c'est toi qui as custom là ? Ouais. T'en penses quoi ? Bah, c'est simpliste. T'as vu le mur, il est beau, hein. Mais c'est quoi, c'est des. Y'a pas de fenêtre. C'est du gruyère ? Non, on dirait ma chambre. C'est du gruyère ! Non, on dirait ma chambre. J'ai pas fait en fait, j'ai juste fait vite fait. Mais ça se voit, hein, mais après, tu sais, c'est pas choquant. C'est quoi. Épuré, merci. Coucou, boule pollen, comment ça va ? J'espère juste que le café il est pas à 4 euros. Et quoi, du coup, là, tu peux leur parler. Alors, pas à lui parce que lui, il sert. Ok, Robert, Robert et Bouloche, ils ont un tablier de serveur. Ok, ils taffent. Ouais. Mais c'est bon, je veux pas. Donc tu peux parler aux autres, peut-être qu'ils veulent. Je veux pas de vos cafés à 4 euros là, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Voilà, lui il veut quoi comme thème ? D'accord. Alors, c'est pas un thème ça, je suis désolé monsieur, c'est pas un thème, hein. C'est une habitude à prendre. Hein. Moi j'y peux rien. Hein. Une maison moderne avec plein d'appareils. Elle a déjà été faite, je pense. Je vais faire des grillades à la cool tous les jours. Très barbecue, très jardin. Bah du coup, elle veut quoi, un jardin dans sa maison ? Je sais pas. Je comprends pas. Bah je sais pas. C'est que l'intérieur, non ? Non, c'est l'extérieur aussi. Si tu vas voir, t'auras des meubles imposés, ils vont te les placer. Choisis celui que tu veux, il y en a deux. Ça part en vrille, j'ai faim. Merci, Crossy, ça fait plaisir. 19h là. Mais c'est vrai. C'était meilleur du coup. Tu me dis quand tu veux qu'on arrête, hein. Ah non, mais là on est bien. Je sais pas, ça, veux, ça fait combien de temps ? Il est quelle heure ? Il est 19h ? Il va être 19h, ouais. Ça fait quoi ? Ça fait 3h30 ? Ça fait 2h54. Ça fait 3h ? Ouais. Ah, mais oui, putain, on a lancé à 16h. Ouais. Non, Moi aussi j'étais partie à 15h30 dans ma tête. Ouais, moi aussi pareil. J'ai vu le coudeur, je fais. Le sort de quoi ? Il dure toute la journée, ouais, jusqu'à le lendemain. Il faut aller payer. Alors, t'as dit qu'il faut payer pour annuler le sort s'il est négatif. Est-ce qu'il faut payer pour qu'elle nous dise le sort ? Je crois que oui. Je le fais jamais, mais je crois que oui, il faut que tu lui payes pour qu'elle te dise ton sort. Et tu lui payes si tu veux l'enlever. Que ce soit positif ou négatif. Hein. Grillade, c'est tout aussi conceptuel, c'est vrai. Mais tu vas voir, de toute façon, elle va te dire. Tu peux gérer quelque chose dans le jeu. Mais par contre, c'est vrai que c'est très perturbant de pas avoir de casque. Vraiment, là, ça fait. Ouais. Genre, je sais pas, je.
Je me sens perdue, j'ai pas de son. Et j'ai moi aussi, non, mais c'est moi qui est censé être perdu parce que je suis pas chez moi là. Ça va. Là, non, mais et là je suis pas chez moi, c'est ça, tu vois, l'envers du décor aussi. Mais en fait, quand vous avez vraiment l'habitude. Je suis nue de la tête. Bah, moi j'ai l'impression d'être nue de chez moi, tu vois. Je suis nue de chez moi. C'est vraiment. Vas-y, appuie sur A. Mais même quand je streamais justement à Bird of Prey. C'était trop bizarre en fait de streamer ailleurs que chez soi, mais genre t'as pas l'habitude. Et je surveille pas, il fait des voix au perso, vraiment. C'est dans ton habitude ça de faire des voix. Tu sais que en vrai, moi au début j'essayais de faire des voix, mais j'oubliais la voix que j'avais fait au personnage. Ouais, t'arrives à te rappeler de la voix que tu leur fais toi? Si, c'est du plein soin, ouais. Là, là tu choisis où tu veux mettre l'habitant. Ok, toi donc tu veux mettre où toi? Bah, c'est où tu veux, c'est toi qui fais. En vrai, c'est en mode triade et désert. Tout, donc. Là, t'as les biomes de saison. Mais en mode après, tu peux changer la saison si t'appuies sur X. C'est en haut. Ça change rien du tout. Si. Ah. Ah si. Tu peux choisir la saison dans laquelle tu veux mettre aussi. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est peut-être là que ça fait soit là barbecue. C'est comme tu veux, tu choisis. Hein. Y a aucune incidence, c'est juste esthétiquement où tu veux la mettre. Ok. Je veux mettre là. Ah, multi-touch. Il y a pas le panier? Le palmier? Tu peux les mettre après le palmier. Non, pas full plage. Ouais, je pense celui-ci. En vrai, franchement, quand il est. Comme le clip. Je pense que c'est parce que bah il est pas. Encore. Ouais, le Shell. Trop dans le jeu, tu vois. Shell, merci pour ton 29e mois. Comment ça va? Vous êtes quitté pour aller à Strasbourg. À tout moment, vous êtes voisins, tu sais. Mais. C'est drôle en vrai, par contre. De quoi? Enfin, tout le monde est voisin. Bah, j'ai déjà un voisin qui stream aussi. C'est vrai, elle est entourée de tous ses voisins qui stream, et c'est tout. Merci beaucoup, Shell, pour le 29e mois, c'est énorme. 29. Et toi, t'en as des gros chiffres, moi, je pense que c'est dans les 40 mois, non? J'ai. Bah, là, récemment, il y avait Gomez qui a reset pour 41. Oh, purée. 41. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Bah, il me suit depuis mes débuts, pareil. Ah, ouais. J'ai mes potes, j'ai Big Bad Cat qui doit être à 42, peut-être. 43. C'est ouf, ouais, c'est ouf. T'as des gens comme ça qui sont sub depuis tellement de temps. Bah, bon, c'est des potes IRL, en vrai, ils me soutiennent. Et, ouais, c'est trop bien. C'est bah, trop ouais, cool, bien sûr. Ah, c'est trop bien. De voir même les gens, tu vois, qui, même que tu connaissais pas, qui te suivent depuis. Puis un bout de temps comme ça, ça fait archi. 3 ans, c'est 36, ouais, c'est ça. Ouais. Puis même en vrai, c'est cool parce que tu suis les gens, tu les vois, ouais, ça comment ils évoluent. En vrai, tu slay hein, quand t'es là depuis le début, qui trouve un taf, qui. Je sais pas, qui a. Franchement, c'est ouf. Par contre, multitâche, s'il te plaît. On n'est pas là pour. Voilà, tergiverser. Ah, purée, Shell, ta couleur avec tout chat, elle paraît plus claire. Oh, j'allais archi fluo là. Je parle beaucoup. Elle paraît grave plus claire, elle paraît un peu orangée. Ah, tu vois, là, t'as un meuble à mettre dehors. Oh, les exos, c'est parti. Donc, on est parti en mode déco pour la maison de Margot. Elle slide de ouf. Bah, j'avoue. Ça, à la base de 2 ans, mais elle est là depuis tellement le début. Oui, mais c'est cool. Et ça fait 24 mois de sub, ça fait 2 ans, Mariana, c'est beau, hein. T'es détestable, mais c'est drôle, c'est vrai. Je fais exprès, c'est volontaire. Bon, les joues, par contre. Je te laisse t'occuper de tout. Maestro, très bien. Donc, là, tu peux aller devant l'objet. Ok. Et tu peux. Et là, du coup, tu barbecues. Donc après, c'est soit tu t'en fous, t'as rien à foutre, tu veux juste tester, voir comment c'est et tu fais pas la déco. Ou soit tu fais la déco. Alors fais la déco, nous on est là pour faire quoi alors? Tu veux faire quoi d'abord, l'extérieur ou l'intérieur? Peut-être l'extérieur, mais y a que ça comme meuble. Non, tu fais ça, t'appuies là. En fait, tu fais B. Là, quand t'es arrêté, tu. Arrête-toi. Tu peux choisir la saison, choisir le moment d'ensoleillement. Mais en été, c'est très bien. Enfin, dans le soleil. Ouais, peut-être ça, ouais, c'est ça. Bah, si, c'est l'heure de la météo, c'est ça. Donc, tu peux choisir de mettre de nuit, tu peux choisir de mettre en soirée. Non, moi, je veux Golden Hour, moi. Bah, vas-y. Mon Golden Hour ici. Voilà, comme ça, c'est bien. Oh là, ça claque! Tu peux choisir si c'est pluvieux ou pas aussi? Ah non, moi ça claque comme ça, là. On est en mode Golden Hour, là, sunset, petite photo et tout. Bon, on va voir, hein. Pour Instagram. Salut, Scarflex. Bien sûr. Ok. Et là, du coup, tu peux voir les meubles en appuyant. Donc, c'était la flèche de droite. Et, ouais, c'est et là, ça. T'as tous les meubles. En fait, je disais, tu vois, tous les points rouges, c'est les meubles que tu catalogues. Donc, là, par exemple, ça, c'est les meubles qu'elle avait mis chez elle. Toi, tu veux mettre quoi? Tu veux mettre quoi à peu près? Par contre, je te conseille peut-être plutôt de faire ça. Là, tu te mets en mode comme ça. Donc, tu te mets en mode décoration. Ah, ok. Ok. Aménagement d'espace d'intérieur, passer en mode construction, changer d'ordre. Là, il t'explique ça. Ok, ouais. Installe des meubles ou des plantes, voilà. Aussi. Okay. Donc là, tu te mets comme ça, donc t'as plus de besoin d'être placé avec ton perso, tu vois. C'est donc rapide, là, tu peux. En fait, tu mets. Ouais, non, ça, c'était pas mal. Là. Après, bon, il est pas au soleil, mais. C'est pas grave. Comme ça, la paf, tu mets les. Même ça, c'est pas la truc pour manger. Parce qu'en fait, là, tu vois, tu vas voir. Mais après, t'en as d'autres. Regarde les meubles que t'as. Tu t'ouvres le truc et là, t'as plein de meubles. Oh, la table de pumping.
Oh, avec la t'as table en bois brut. Ah, mais j'avoue, une belle table en bois Valentin. Brut d'extérieur, bien sûr. Ça dit quoi Strasbourg, Rox? Bordeaux, c'est mieux, non? Ben, en vrai... en vrai... Attention. En vrai, j'ai pas envie de me faire taper. Non, ça va. Je m'en... Ouais, franchement, non, franchement pour chez moi, être honnête, ça va, c'est cool. C'est ça change de fou, hein, c'est grave différent. Bah, c'est tout petit, j'avoue que c'est beau. C'est tout petit. Bah, en vrai, le centre-ville est petit. Mais parce que t'as fait, on a fait oui, que le centre-ville, mais ouais, c'est ouais, beaucoup mais plus que ça. Le centre-ville est petit, c'est mignon. Mais je sais pas, je trouve que ça a pas le charme de mais Bordeaux. Mais Orléans, c'est mieux, il dit Voli. Orléans, c'est mieux. Non, du coup, Bordeaux restera supérieur à Strasbourg. Après, j'avoue que là, en période de fête de Noël, c'est très mignon. Genre, franchement, t'as des guirlandes, des illuminations partout. T'as le grand sapin, t'as plein de petits chalets. Tout Marvin, partout. C'est petit. Non, mais c'est grand, petit. Bah, ouais, mais moi, je suis à Bordeaux, donc forcément. Ouais, de fou, Fenou, il a fait l'effort. Salut, Scarblex. J'aime trop tes vidéos. Bah, merci. Oh, c'est gentil, ça. La claque. Laissez-moi et faire. Et bonne app, Lolo. J'ai pas laissez-moi vu. Faire mon camping tranquille. Non, vas-y, que... décor. Mais ah non, je vais mettre. Il n'y a pas des petites chaises en mode. Ah, c'est un banc. Si. C'est un banc. Ah, c'est une banc. Oh, la banquette extérieure. Et t'as la table qui va avec si jamais. Mais ouais, mais du coup. Et tu peux choisir ça. Les couleurs aussi. On peut modifier ça. Là, ouais, on regarde ah, en bas. Variation. T'as variation. Et tu peux choisir. Là, c'est comme ce que fait Serge en fait. Wow. Tu vois. Oh la claque. Attends. Vas-y, bon l'heure, Dracolas. Merci d'être passé. Des bisous. Ah, attention Dracolas, à ce que tu dis sur l'Alsace. Non, 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 oui. Mais bon, en vrai, c'est très mignon. Franchement, c'est très cool, sympa, bonne ambiance. Ouais. Ah bien, je suis un con. Mais c'est vrai Marvin, moi j'ai connu que Nancy et Strasbourg. Et c'est vrai que Strasbourg c'est archi mieux que Nancy quoi. C'est pas photo quoi. C'est une ville vivante en fait. Contrairement à Nancy, c'est une ville morte. Prochain live, il nous fait une Suika Game, il va que jouer. Cohen a rush le DLC. Et a fait des décos éclatax, Rock découvre le jeu, s'investit trop dans déco. Vraiment. Mais c'est bien. Comment on fait? Pourquoi faire ah. C'est comment on fait tout... pour tourner les meubles c'est et il faut écrit. Appuyer sur A. Non mais c'est que dans le... Ah tu mets cette table là. Bah c'est vrai qu'elle fait peut-être pas trop camping. Bah c'est comme tu veux après tu non non elle fait pas camping. Elle ne fait pas camping. Je pète mon crâne. Pour des dessins dans la neige. Ah, merde. Mais tu sais que ça, j'ai jamais vu ça. Ça doit dater je pense en vrai Lox hein. Parce qu'il n'y a pas eu de neige, j'ai pas le DLC. Hop là. Après, le DLC c'est facile à. Ah, t'as vu ce que t'as fait? J'ai mis des. Mais t'as vu ce que tu peux faire? Ouais, on peut mettre des barricades au cas où on se mais fait pas envahir. Que. Tu peux mettre aussi des sols. Ouais. Est-ce que tu peux mettre du sol sur la plage là? Je sais plus. Plus sur plus? Ah bah vas-y. Bah non, toi. Non, non, j'appuie pas sur plus. Ouais, fais comme tu veux. Non, 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 ouais, je le fais comme je veux. Le chiant. Allez, hop, hop, hop. Oh, vas-y, non, mais... appuie voir sur plus parce que je suis curieuse quand même. Non mais d'abord je mets ça. Vas-y. Attends mais là t'as pu. Voilà. Et là, fais voir si tu peux décale le curseur. Ah non tu peux pas. Sur la plage tu peux pas en mettre. Okay. Ok. Donc là, tac, très bien. On a fait une petite table avec. Cohen, fais attention, un jour l'élève va dépasser le mètre. Exactement. Oh, vous allez voir sur YouTube arriver en mode. Bah vas-y hein. T'aurais dû avoir celui qui est Games, moi. Je viens de Reims, donc n'importe quelle ville est mieux. Ouais, Reims, en vrai, Reims, ça a l'air mimi en vrai comme ville. Ouais. Moi, Reims, ouais, c'est mignon, c'est pas grand. Parce que j'ai 2-3 personnes que je connais qui habitent. En vrai, c'est pas grand. C'est pas très grand, c'est assez vite. Ville, mais ouais, bon, c'est très mignon. Genre, c'est le genre de ville où tu peux habiter, tu vois, je pense, je sais pas, 25-30 ans. Hein. Bien, Foxy. Comme ça, t'es au calme et tout. T'achètes ta petite maison parce que c'est pas loin. En plus, si jamais tu travailles, c'est pas loin de Paris non plus. Ouais, fais donc. Mais Bordeaux, c'est vrai que par contre, Bordeaux, Shell, faut dire les termes, mais Bordeaux, c'est très chouette, mais genre, rien que pour aller à Paris, c'est super cher. Si tu veux aller à Lyon, c'est une galère absolue. Pourquoi tu veux aller à Lyon? Bah, je sais pas. Tu veux aller chez Defertz? Imaginons que tu dois aller ouais, dans toute la France. Ouais, tout chez Defertz. Imaginons que tu dois aller dans toute la France, bah Bordeaux, c'est quand même, tu dois obligatoirement passer par Paris. Bah, moi genre, aussi. En fait, hein. t'es un peu dans le coin du monde. Oui, mais tu peux pas. Toi, tu peux genre aller dans plusieurs villes directement. Genre, nous, même, tu vois, pour aller genre à Orléans. J'ai dû prendre des. Ah ouais. C'était une galère absolue. J'ai fait 4 heures de train. Pour aller à Nantes, Strasbourg, c'est 4 heures de train. Strasbourg, pour ça aller à Rennes, c'est 4 heures. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de destinations. Je sais que je peux pas. Je suis pas obligée de passer par Paris pour aller à Lyon. Je peux directement descendre. Mais tout le reste, genre par exemple pour aller à Bordeaux, moi faut que je passe par Paris obligatoirement. Tu vois. Oui, mais c'est normal. Bah, si je dois venir pour ici, aller partout, quand Orléans, je suis c'est ici la en, même. En juillet, si je veux aller à Lille, c'est pareil. Il faut que je change de gare. Ouais. Oui, bah c'est ça. Yo les cailloux, c'est Rock, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Animal Crossing. Ça n'arrivera pas, ça. Ah, vas-y, sors des vidéos YouTube sur ASNH, on attend de voir ça. Vas-y.
Ok, j'arrive. Et on est pas mal placé pour être âgé. Bah en vrai ça va, je trouve. C'est parti. C'est pas ça, Dijon. Ouais, Dijon, ouais. Mais ça. Laissez Bordeaux. Non, en vrai ça va. Bordeaux, c'est pas beurre. Franchement, c'est une très belle ville. Fallait partout. Juste, forcément, cool. Bah il y a tous les Parisiens qui nous ont envahis. Voilà, on dit les termes. Bah, c'est une belle ville, Bordeaux. C'est vrai que c'est une très belle ville. Hein. Moi, j'ai une de mes meilleures copines qui est partie habiter là-bas. Franchement, abandonné. Pareil, moi, franchement, Bordeaux, tu vois, y habiter maintenant, bah, ça coûte cher, donc ça fait un peu chier. Mais par contre, franchement, c'est une très belle ville et je vous conseille, si jamais vous passez dans le coin, vraiment, n'hésitez pas à aller checker. Hein. Bordeaux, c'est cool. C'est une très belle ville. Ouais. Bah, franchement, à visiter, ouais, y a plein de choses à faire. Bon, la Gironde. Hein. C'est la Gironde. Oui, c'est la Gironde. C'est 33. C'est le fleuve. La Garonne. La Garonne. Oh putain. La Gironde. Le fleuve de la Gironde. Bah, c'est un peu. C'est correct. Non. Bah, un peu. Non. Vu que c'est le fleuve du département. Non. Par contre, l'eau est. Bah, faut dire un lot de la Garonne. Non, alors, chute, taisez-vous. On respecte mon eau déjà. L'eau, elle est brune, genre. Bah, parce que c'est le fond. T'as fait caca dedans, genre. Mais tu sais que la Garonne est plus propre que la Seine, ou. Je t'assure. Peut-être. Mais l'eau était vraiment sale. Le fond est dégueu. Tu peux changer la couleur de la table blanche aussi. Bah, non, faut pas que tu l'enlèves. Ah, quoi que si, en fait, on s'en fout. Oui, voilà. Tu vois, moi, je savais. Parce que tu la mettras dedans. Ouais, mais je savais. Hop là, on va la mettre. Oh. Putain, il y a des belles couleurs là. Une belle couleur fluorescente. Oh là là. Ah ouais. Mais c'est bon, c'est les... Tu vas mettre des arbres et tout. On peut mettre des arbres. Ouais, là. Oh putain. Je savais pas. Oh quoi. Oh le sapin. Oh le conifère. Un cèdre. Tu peux même mettre des arbres à clochettes, tu peux même mettre des sapins de Noël. C'est beau ça. En hiver, t'as des petites guirlandes dans les sapins mignon. Décorés comme ça, c'est trop mimi. Moi je veux des sapins. La Loire est super propre, c'est faux. En même temps, la Seine c'est dégueulasse. Oui, bah ça, bah, c'est pas faux ça. Bah ouais, mais c'est pour ça. Ah merde, je peux pas les mettre là du coup. Non. Ah mais du coup. Tu peux pas les mettre en haut, mais tu peux les mettre dans l'eau. Coup, vraiment, je vais devoir décaler ça. Pourquoi? Tu veux mettre quoi à côté? Mais je suis très investi là. Ouais, je vois ça. Je pense que j'étais. Et t'as mis une petite chaise de camping au bout de la table. Bah ouais. Ok. Oh. Ça, et là, regarde, avec le conifère, ça va faire de l'ombre. Et comme ça, en été, on peut manger dehors. Pas besoin de parapluie. Bah, le matin uniquement. De parasol. Pourquoi t'alignes celui-là là? Quoi? Pourquoi tu l'alignes là lui? Bah, parce que. C'était mieux ça, non? Si. Mais juste, il faut que je décale encore. Faut que je décale. Et ça, elle est moche. Allez! Elle est moche! Du coup, non, on va tout décaler comme ça, hop, et là, tu vois. Ouais, t'as mis un sapin sur la plage. C'est parfait! Mais hé! Hey il est où le problème? Mais tu vois? Mais c'est beau! Ouais, ouais! Là, il y a un petit. Ah non, je vais juste redécaler ça. Là? Ah non. Tu peux pas, c'est un angle arrondi. Un an aussi. D'ailleurs, si jamais vous avez fait des clips aujourd'hui, mettez-les sur le Discord. Hein. Et par contre, la table bleue là. Mais là, une autre couleur, il y a du brun, je crois. Mais voir en fait, brun. Ils sont super et en fait, ils l'ont. Mais voir en brun, elle ressemble à quoi? Il faut que je la retire pour la remettre. Non, tu appuies sur X. Voilà. Bon, c'est bon, on va la mettre en noir. Non, en brun, il y avait du brun. Allez. Bon, comme tu veux. Mais c'est parce que c'était une table de récup qu'ils avaient récupérée dans la rue. Donc, forcément, bah. Ah ouais, ouais. T'as pas les meilleurs. Ok, je comprends. Ouais, c'est pour ça. Table de récup de la rue, ouais. C'est pour ça. Tu peux pas me trop me coller, mais je peux pas me mettre là parce que sinon, bah. Ouais, on ne voit plus. Bah ouais. Oui, pardon. C'est juste que je m'étale et. En fait, je mets ma jambe. Que je m'allonge parce que ça fait trop mal le truc là dans le dos. Merci la petite loulou pour ton follow. Parce que je m'amuserai plus sur le DLC. Bah, j'avoue que je trouve vraiment fun. Je sais pas trop. Mais ouais, je trouve ça un peu fun. J'aimerais bien mettre des petits trucs à droite, là, à gauche. Est-ce qu'on peut pas faire un petit shout out pour Rock? Je sais pas. Je veux dire le représentant d'Orléans sur Twitch. Bah, maintenant que je t'ai mis en relation avec les streamers d'Orléans, Voli, t'as plus. 19 minutes. Plus d'excuses. Pardon, j'ai loupé des dingueries. Vous savez ce que vous allez manger ce soir? Bonne question. Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est une très bonne question. C'est quoi? On va manger des pâtes, je vais faire des pâtes après. Let's go! C'est un bon repas, les pâtes. Ah, ouais, putain, c'est le clip où je sais pas boire. Et je me. En fait. Mais c'est quoi? En fait, j'avais mais c'est toi ça? Oui. Alors vous allez dire, oui, tu sais pas boire. Mais non, je sais pas, je sais pas boire, c'est qu'il y a un putain de trou. Mais c'est. C'est juste tes cheveux, tu penses? Bon, ben. J'ai vraiment renversé la moitié de ma bouteille. C'est quand? C'était il y a 3 ans? Un an et demi, 2 ans? Ah ouais. Ouais. Merci la petite loulou pour le follow. T'avais 8 ans la coiffure, mais c'est vrai que c'est pas du tout lui maintenant. Mais ouais, non mais j'ai changé. Bah après, vous savez, on évolue dans la vie. Hein. Ouais, t'avais les cheveux courts en fait, c'est ça le truc. Moi je. Ouais. Sur le dessus. Et tu mets des fleurs aussi, tu peux mettre des buissons.
On va mettre buisson fleur, buisson fleur. Oh. Fais gaffe, elle va te dire que c'est trop surchargé après. Faut que tu fasses un petit passage au moins. Vas-y, on va virer. Non mais. Après, tu peux, ça fait un peu en mode la maison au bord de plage et qu'il y a des cailloux. Ouais, non mais. Ouais, non, mais moi, je les aurais laissés ceux là-bas. Attends, on va en mettre un. Non, mais on peut en mettre un peu, mais. Voilà, vas-y, mais c'est bien comme ça, touche plus. Le coaching ne se passe pas comme prévu, hein, mais t'inquiète. Bah, si. Et c'est beau. Bien. C'est beau. Ça va en vrai. Il est pas catastrophique. C'est pas moche. J'ai même besoin de mettre des petites fleurs quand même. Tu peux demander à monsieur Caillou s'il fait du sport. Est-ce que tu fais du sport? Alors. On va dire qu'il représente un combat. Alors, du coup, il y a un. Je pense qu'il n'y a pas cette pierre, ouais, je suis d'accord. Oh, putain, il y a Unknown Conan. Coucou, Unknown Conan. Je sais, coucou. Tu sais que vraiment j'ai cru. Oui, c'était. La première fois que j'ai vu ton pseudo, j'ai cru que c'était un mélange de nos deux pseudos. J'étais là, je... Ah ouais, j'avoue. Il l'a vu aussi, j'étais là, mais je comprends pas. Ouais. Là, mais Conan, très bon pseudo. Enfin, très bon pseudo parce que j'adore Détective Conan. Comment tu vas? Mais alors, est-ce que je fais du sport? Bah, là, en vrai, j'ai fait un peu de sport, mais là, je suis censé reprendre. Ouais, c'est vrai que tu dois reprendre. Ouais, je reprends le 1er décembre et tout ça sera disponible sur Discord parce que je vais mettre, du coup, devoir mettre mes séances de sport et ce c'est que je mange, etc. Ouais, parce que c'est du coup le donation goal un peu secours. Vas-y, que... je veux faire avec toi. Vas-y. Parce que j'ai. Vas-y. Ça marche, deal. C'est parti. Vas-y. Parce que j'arrive pas à aller à la salle, je me demande. Sinon, j'ai fait un peu d'escalade. Parce que c'est cool l'escalade. Ah, t'as fait de l'escalade. Ouais, c'est trop bien. Vraiment. Moi, j'aimais bien, à mais. Faire avec des amis. C'était chiant parce que, en fait, à chaque fois qu'on avait des séances d'escalade au lycée, bah, on avait nos ongles. Il fallait toujours tout couper, genre. Et genre, je me rappelle, j'avais une copine, elle pouvait vraiment pas faire d'escalade parce qu'elle avait vraiment, genre, fait ses ongles en mode prothèse ongulaire et tout. Elle était là en mode, bah, ils font genre 2 cm, je peux pas attraper les trucs, en fait, là, je peux pas. Bah ouais. Donc, le prof, elle dit, bah, tu te démerdes, genre, soit tu te les coupes. Soit t'as zéro quoi, du coup bah, elle s'est coupée les ongles, elle avait bien le mort. Ah, j'aurais pas aligné, c'était bien comme t'avais fait. Ouais. C'est trop bien l'escalade en vrai, mais pas quand t'as ouais, ouais, franchement c'est le feu. Mais alors, vraiment à faire avec des potes ou quoi. J'aurais laissé comme ça. Pourquoi t'enlèves les petites fleurs? Fuck les fleurs quoi. Ah ouais, Mariana, vraiment. Ah, mais oui, mais c'est banger franchement, et let's go. Voilà. Même j'ai connu, j'adore Detective Conan, c'est mes préférés. Ouais, si tu trouves que t'as fini là, tu peux aller dans la maison. Hein, sinon, je vais voir s'il y a pas d'autres choses à rajouter. Ça, c'est les petits meubles. Là, t'as ouais, les meubles classiques. Meubles. Là, c'est tous les meubles que t'as dans le jeu. Okay, c'est si tu veux vraiment te fier à ce que l'habitant veut, tu peux rester dans la liste tout au premier. Enfin, le premier truc, tu vois. Mais ça, c'est les. Bah, ça, c'est les Chitostegas. C'est des plantes qui sont arrivées avec la mise à jour. C'est sur une plage, tu mets des citrouilles. Avec la mise à jour de 2021. Non, mais j'ai peut-être un petit. Hop là. Alors, mets plutôt les hibiscus, non? C'est quoi les. C'est quoi une hibiscus? Le jaune là et le rouge en bas. Ça? Non, au-dessus. Au-dessus. Le jaune au-dessus du jaune. Ça? Oui. Oui, bah écoutez, je sais pas ce que c'est des hibiscus là. Pour moi, c'est bah, le truc qu'il y a dans le thé quoi. Bah, ça ressemble à ça en vrai. Bah, ouais. Bah, j'aimerais bien le deuxième. Bah, tu peux. Est-ce que tu peux. On peut pas dupliquer? Voilà. Bah, bon, elle a fait un petit point d'exclamation, elle est pas contente. Passe la souris dessus, enfin le curseur dessus sur le buisson. Copier. Copier. Ah, oui, tu peux copier, vas-y, fais. Ah oui, c'est vrai. Je me disais que vous pouvez faire ça. Non, je vais passer dans la maison. Les rocs et les rocs et les cailloux ont fait un calendrier de l'avant de la salle de sport, de l'alimentation LC. On peut, hein, mais. Vraiment tout, et ça booste de l'agilité. Ouais, l'escalade, ça muscle tout. Ouais, c'est comme la piscine en vrai. Ouais, la piscine, c'est vraiment cool. Si vous savez pas quoi faire comme sport en vrai, moi j'aime pas trop la piscine, mais c'est vraiment le feu. C'est quoi les swaps? Les quoi? De tout en bas. Ça, j'ai Scrablex. Moi j'ai fait de l'escalade par le swaps. Ça doit être quoi, genre les trucs avec les cours, peut-être? C'est pas le. Bah, je sais pas. C'était pas comment ça s'appelait, moi c'était. Staps, peut-être il a voulu. C'était peut-être Staps par le Staps. Je sais pas. Je sais pas. C'est le sport. Ah, c'est la le sport. Eh, donc j'étais pas loin au final. Pas j'étais pas si loin. Comment ça s'appelait? C'était. Enfin, calendrier de l'avant. UNSS, non, au collège. Ouais, UNSS au collège, ouais, c'était ça. Et en vrai, ça peut être une bonne idée. C'est pour ça, en vrai, je sais pas si toi t'as un channel sport dans ton. Ouais. Bah, en vrai, si vous voulez vous motiver, go vous motiver ensemble. C'est vraiment la meilleure façon d'arriver à ses objectifs, c'est vraiment de le faire ensemble. Ouais. Et de se motiver ensemble. Parce que c'est vrai que seul, faire du sport, j'ai essayé et j'avoue que j'y arrive pas trop. C'est bah, souvent, on va se dire, bon, bah, je le fais pas cette fois. Ah non, j'ai un peu la flemme d'aller. Quoi? Il s'est levé à 7h30 pour aller à la piscine, mais il y avait une compétition donc c'était fermé. Ah putain. C'est le seum. Comment je suis pas rentré à la maison? Bah, tu fais B. T'as B en bas terminé. Ah oui, ok. Et tu redeviens le personnage. Ok, je rentre dans la maison et je repars en mode machin. Oh, ok. Ouais. Tu peux, tu peux choisir aussi la taille de la pièce, l'éclairage de la pièce. De toute façon, tu vas voir, je vais te montrer. Ok, ok.
Le DLC vraiment il est très cool pour les gens qui aiment bien décorer, tu vois. Bah j'avoue que je trouve ça peut-être plus fun, enfin je sais pas. Bah c'est sympa, après bon t'as tellement d'habitants à faire. Ça va être, ça va être répétitif. Ouais, c'est ça, c'est très répétitif. Après c'est vraiment ce qui change, c'est les thèmes. Non, lui parle pas. Margot, elle sort. Margot, tu sors. Mais attends, elle va me regarder décorer. Non mais non, tu vas te mettre en mode déco, t'inquiète. Ouvre les cartons avant. T'ouvres les cartons. Maman, t'as la table et la planche à découper là. Pourquoi tu les enlèves? Ah, il faut pas les. Ah oui, merde, je suis con. Je peux pas les. Ah non, mais ils sont pas là, c'est pas ça. Ah non, ok. Tu les as juste rangés. Donc là, tu fais flèche du bas. Ok, flèche du bas, c'est bon, on est parti en mode décoration. Flèche de droite. Voilà. Attends, fais B, avant. Là, tu fais flèche de gauche. Là, tu peux choisir l'agencement de la pièce. Si tu veux qu'elle soit plus grande. Tu veux. Bah, comme tu veux, parce que c'est toi qui décore, donc tu fais comme tu veux. Tu veux qu'elle soit plus profonde, tu veux peut-être qu'elle soit plus petite en largeur qu'en. Bah. En vrai, un truc. Tu peux faire une pièce de 4 sur 8 ? Non, là, l'autre côté. L'autre sens. Merde, putain, c'est long. Okay. C'est un peu marrant. J'ai jamais fait une maison en longue. Peu gaze la maison. Ah, oh, c'est un couloir. Ouais, bah vas-y, on va faire un 8-8. Vas-y, on fait un 8-8. Je pense que c'était pas mal. C'est grand, hein ? Ouais, tu penses que c'est. Attends, mais on va dedans. Là, deuxième catégorie, deuxième onglet. Non, vas-y, on va faire ça. Deuxième onglet. Ah ouais, ok. Là, tu choisis s'il y a des fenêtres ou pas. Bah tu oui. Tu peux choisir le pas de la porte, là aussi. Tu peux choisir ce que tu veux mettre. Wouah, tapis rouge. Et la lumière. Bon, là, moi, je te dirais de laisser en blanc. Mais c'est des. Mais... Mais ça va que dans certains ça, c'est décors. Non, mais comme ça, c'est la boîte de nuit. On dirait une église. Ouais, j'avoue, Lox, par contre, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Mais ça va pas, hein. Ah non. Regarde. De quoi? Wouah! Ah, c'est. Ouais. Ouais, c'est chaud! Ouais, c'est chaud. Les gens, ils sont un peu. C'est quoi, je bloque carrément? Ils sont un peu banco là. Hein. Ah putain, TikTok, c'est quelque chose. Hein. Ouais, Swap, c'est les activités sportives en dehors des cours. Ok. C'est pour 3 sports pour 50€. Ça, c'est vraiment. Oh, ça cool. Va en vrai? C'est vraiment bien. Et tu fais quoi comme sport du coup? Ah, tu sais, tu dois emmener tous les basiques, hein, je pense. Genre quoi? Genre basket, handball. Ah, Stylix! Hello, hello. Salut, mais, moi je sais pas comment ça va. T'as tout, en vrai, t'as tous les sports un peu classiques. Faire un barbecue, charal, hashtag entrecôte. Bon, tu mets quoi? Attends, vas-y, on va aller dans. Tu peux pas mettre un mur et un sol déjà? Papier peint. Tourne un peu parce que tu t'es mis dans une situation là. Bah, laissez-moi tranquille. Y'a pas des murs cailloux tant qu'on y est? Peut-être descends tout en bas, y'a peut-être des murs en cailloux. Ouais. Si, c'est vrai, y'a des murs en pierre. Mais qui a chassé? Qui a ça chez lui? Bah, ça, c'est les murs que Sarah elle te donne, par exemple. Mais ça peut être Mimi pour faire certains trucs. Bah, en vrai, pour faire. Mais c'est, moi, j'aime pas trop les murs qui ressemblent à des situations, tu vois. Tu veux faire salle des serveurs. Oh. Mais ouais, mais du coup, il veut un. Non, mais lui, il veut un autre thème, lui. Lui, il veut un thème. Avec le barbecue, là. Elle veut un thème avec le barbecue. Mais j'avais pas vu qu'il y avait des trucs comme ça. Des cours intérieurs, t'as des. Wow. Oh, skyscraper. Vous avez la up, là, t'as tout le. Jardin. T'as le. Ah, putain. Ouais, je sais pas si je fais ça. Mais non, pas du tout. Logmat, c'était sur TikTok. Il y a un mec qui est arrivé qui a fait. Je recherche une relation. Ils me font flipper, ces gens-là. Je crois que tu les as peut-être pas encore débloqués. Enfin, je les ai pas encore débloqués. Non, mais du coup, on va prendre les clôtures. Tu peux faire des murs contrastés aussi. Des murs comme ça, c'est déjà bien. Par exemple, regarde, remets-toi dans les murs. Oh. Remets-toi dans les murs. Oh. Ah. Oui. Et va sur un autre. Voilà. Et là, tu vois, en bas, mur contrasté, tu vas appuyer sur X et ça va te mettre genre juste sur le pan de mur ici. Tu vois? Après, tu peux juste. T'enlèves, tu rappuies sur X. Ouais. Voilà, parfait. Tu veux mettre au sol? J'aurais pas non, vu non, ça. Non, je mets pas du tout au sol là. Moi, j'aurais mis des petits trucs en mode terre cuite là. Comme j'ai acheté tout à l'heure, comme t'as acheté là. Non, descends, j'aurais mis dans les. Il c'est tout en bas? Peut-être pas tout en bas, mais. Ça, Ah, mais je sais pas. Pas celle-ci, j'ai pas mis ça. Ouf. Non, remonte. Non, on les a pas encore débloqués, je pense, là-dedans. Touche-pied, on a loupé. Et voilà, ça fait très. Mais c'est bien comme ça fait. Oh, c'est dégueu. Non, il faut un truc un peu beau. Non, vas-y, on va partir là-dessus. Ah, le sol brumeux là. C'est un sol de Sarah, je crois aussi.
Oh, c'est bien ça. Comme ça, j'ai pas. Ouais, vas-y, ça marche. Alors, du coup, mobilier. Là, tu peux faire un truc en mode d'extérieur, en mode petite terrasse. Vas-y, fais-nous une terrasse. C'est genre une terrasse, fais-nous une terrasse. Ah non, non, je vous paye le touche-nez là. Ouais, je fais votre pied là. Oh, non, montrez vos pieds. Montrez vos pieds. Non, mais les émotes, hein, bien sûr. Bah, maintenant qu'il y a des émotes, il faut les utiliser. Salut, hein. Je suis fan de rock. Salut, Sheima, ça va? Tu vas bien, Sheima? Ah, merci beaucoup, Sheima, pour le fan. C'est Sheima du chat. Oui, bah. J'avais voilà, compris. Au cas où je précise. Non, mais j'avais compris, hein, bien sûr. Nos pieds, bah vas-y. Non, mais enfin. Vous avez des émotes de pieds. Voilà. Allez, on va mettre des parasols à l'intérieur. Oh! Ça, c'est la télé. Je vais trop en discuter. J'ai toujours rêvé d'avoir un distributeur à boisson chez moi. La déco trop louche. Bah ouais. Et alors? Oui, il y a une épée de. Du roi Arthur. L'épée du roi Arthur. Fauteuil ministre. C'est vraiment le nom du fauteuil. Ouais. Putain. Eternal, c'est un peu. Il y a des noms, des fois, tu te demandes pourquoi c'est ça. Oh, il est trop. Grand rocher de jardin. Il y en a plein d'autres, hein, des rochers, si jamais. Ouais, mais comme ça, on va pouvoir custom un peu et. T'inquiète. C'est une petite jardinière. Bon, il me faut un canapé là. Il me faut un canapé qui fasse pas tu trop. Tu veux un canapé? Genre un liboli de nostalgie, tu vois, ça m'irait bien en canapé peut-être. Ou une poire canapé. C'est des lits ça. C'est quoi c'est. T'es par ordre alphabétique. Ah merde. Enfin, ah oui. Non, mais il me faut un. Ouais, sinon on tourne un canapé. Ouais. Tu peux faire avec lui pour aller plus vite. Voilà, t'es engagé. Vas-y. J'en ai pas des masses hein, en vrai. Non, mais un petit rouge comme ça, ça me plaît. Je remets ma vie en question face au talent de décoration de rock. Merci. Ça se comprend, ça se comprend. Bah, après, si jamais voilà, vous avez besoin. Il les a mis dehors, les meubles imposés chez moi. Si vous avez besoin d'être coaché ou quoi. Et pourquoi que tu que fais soit... genre une terrasse avec une distributeur, un canapé? Oui. Bah, explique-nous tes choix là. Oui. Pourquoi tu fais ça comme ça? Tu mets un canapé dehors, t'as pas l'intention. Enfin, tu te dis pas, il va te mouiller avec la pluie. Tu dis pas que là le canapé il est peut-être un peu loin de l'écran? Si. Mais t'inquiète, regarde. Parce qu'en fait, je suis en train de changer. Vas-y. Regarde, parce qu'en fait, là, on va faire une espèce de délimitation là par là. Comme ça, avec genre un petit canapé là. Bon, là, ils vont peut-être avoir mal aux yeux. Ils vont peut-être avoir un peu mal aux yeux. Mais un chouïa. Ah bon, l'écran il est là, tu non, sais. Non, mais c'est pas très grave en soi. Et hop, on met les petits crochets là. Hop là. Attendez, quoi? Attends, mais du coup, je m'en mets partout en fait des rochers. Oh! Tu peux les copier, oui. Oh là là. Ah, là t'as 0,5 qui dépasse dessus, ouais, faut que tu décales. Du coup je vais peut-être déplacer un peu le... Tu peux changer l'angle de caméra aussi, hein. Pour te balader un peu plus librement, comme tu veux. Rock d'Amido. Exactement, mais c'est pour ça, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Ah mais vraiment Logmat, hein. N'hésitez pas à les follow, hein, évidemment. On s'amuse bien chez Rock. Oh, 5 minutes et 21 secondes, je peux non, pas non, on va de devoir dédicace. Remettre un autre clip, oh non. Ah oui, je vais le mettre au milieu. Son pseudo est chiant à écrire. Si jamais mais je vous non, c'est faux. Oh, qu'est-ce que c'est? Bah c'est, ah bah, c'est encore le même. Putain. C'est sûr, mais vraiment cette tête, on dirait un hérisson quoi. Mais laissez-moi tranquille. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Ah, vous allez dire, mais tu sais pas boire. Mais non, je sais pas que tu sais pas boire. C'est qu'un putain de trou. C'était l'enfant. Mais c'est quoi? Bon bah j'ai vraiment renversé la moitié de ma bouteille sur mon. Ouais, non, mais maintenant ça a un peu, j'ai un peu step up. Parce que là, gros, franchement, attends 30 minutes pour rien là. Non mais dans ta déco. Mais on veut le twerk clairement là. Je viens de balancer un 360 degrés sur le grand job de la map 5. Non, plus que je parlais. C'est quoi ce clip? Non mais rien, t'inquiète. Ah oh, ça c'était rien, pas rien, t'inquiète. Ah ouais. MK, MK Trackmania, et bref, c'était pas. Attends, moi je veux des petits fauteuils là, y'a pas des petits fauteuils rouges? Rien, t'inquiète. Si tu peux, après y'en a, tu peux changer la couleur aussi. C'est Spook. C'est Spook, ouais, c'est Spook. C'est la star Spook, ouais, let's go. C'était son anniversaire, il avait 2 ans là. Non mais c'était y'a pas longtemps. Oui, non, c'était en mai. C'était en mai. C'est l'anniversaire de Spook, il a eu de la pâtée. Ce clip, c'est le meilleur clip de ma il chaîne. Il a eu de la pâtée. Oui, il a eu de la pâtée. Mais c'est son petit cadeau d'anniversaire. C'est pour ça. C'était son anniversaire. C'est ma femme, ça. C'est ma femme. Attention. C'est quoi le clip? Et le petit Spook. Il ouais, ça sort d'où petit... ce gif là? Je t'ai jamais demandé, mais ça m'intéresse. Bah, c'est moi qui ai pris Spook, j'ai fait. Mais t'as fait ça en stream ou. Non, j'ai fait ça en stream. Hors stream, ouais. Ouais.
Mais il est trop mignon. Je me demandais d'où ça sortait ces trucs. Il est vraiment incroyable. Ça sortait d'un clip ou je sais pas, tu vois, d'un truc que j'ai, une rêve que j'avais pas. Tu voulais quoi? Tu voulais un fauteuil? Je crois qu'il y a du rouge pour. Ouais, il y a du rouge. Ouais, ça fait très ambiance. C'est pas exactement le même rouge, mais vas-y, on s'en fout. Ouf, on est dehors, hein, tu sais, c'est les meubles de récup qu'on trouve dans la poubelle, ça. Vas-y, je peux te laisser, j'ai envie de faire pipi. Oui, vas-y, tout à l'heure, vas-y, 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 t'inquiète. Ah, mon tapis là, il est chiant. Ah, oh, je vais dessus. Bon, à tout de suite, c'est le moment pipi. Oh putain, la chaise elle est si basse, c'est trop. Je m'occupe de. Attends, j'arrive. J'arrive le chat. J'arrive. J'arrive, bon. Comment ça, vous pouvez dire honnêtement ce que vous pensez de ma décoration, hein. Si vous dites que c'est de la merde, y a pas de soucis, je vous en voudrais pas. Mais vous pouvez quand même annoter l'effort. L'effort qui a une certaine thématisation autour des cailloux, autour du barbecue, tu sais, on est en mode USA, you know. Ouais. Déco récupé, ma vie. Et comme je vous dis, ici, vive l'écologie, on pisse sous la douche, quoi. Spock, il est mignon, il devrait être encore plus mignon quand il était... Oui, c'était vraiment... Putain, est-ce que j'ai des... Je sais pas si j'ai des photos à vous montrer, quoi, mais... Ouais, c'était une toute petite boule de poil, et maintenant, il a bien grandi. Voilà, c'est devenu un félin, quoi. C'est pour ça, tu décores mieux... Oh là là, Lox, merci beaucoup, t'inquiète pas, on lui dira pas, y a pas de soucis. Y a un début, alors. Eh, boule poil, merci beaucoup. Eh, ça me touche beaucoup, là. Décorateur pro. Ouais, c'est pas pour m'avancer un petit peu, vous savez. J'ai rarement eu envie de vomir à cause d'un visuel de truc. Tant que c'est pas à cause de moi, Golden, et que c'est plus le jeu, ça me va, y a pas de soucis. T'es qui? Salut Animal Crossing. Moi j'ai volé la chaîne, moi j'ai volé la chaîne, c'est pour ça. Voilà, je suis nouveau, moi, je fais mon stage de 3ème en fait. Du coup, Cohen m'a gentiment dit, bah vas-y, on fait ton stage d'observation. Non, c'est ça, ouais. Et du coup, voilà. Du coup, je vais devoir faire un rendu et je vais vous dire que vous avez été super gentil. Voilà, c'est pour ça. C'est mon stage. Voilà. Donc j'espère que j'étais un bon stagiaire et que j'ai bien fait mon boulot. Je suis en train de faire pipi et j'entends là, ouais, mon stage d'observation. Merci Muplo. Et merci beaucoup, Fourreau. Tu as pété là, tu fais quoi? Non, mais en fait, j'ai essayé de comprendre ce que. Okuyo, pour le follow, merci beaucoup. Faudrait qu'elle me note aussi. Ah oui, c'est vrai, faudrait qu'elle me note, donne une note, ouais, c'est vrai, tu sais, c'est les notes sur 20 là, comme ça. Bon, après, souvent, le maître de stage, c'est quand même pas un bâtard, il dit bon, vas-y, t'y vas là. Je t'investis trop, c'est cool. Il faut maintenant faire un Trackmania coaching. Ah bah écoutez, si jamais elle fait un donation goal ou quoi, en vrai, c'est sur Trackmania ou sur. Ah, peut-être pas sur MK en vrai. Si, en vrai, sur MK. Bah, ouais, MK, ça va. Bah, si je me focus, ça va, j'ai un bon niveau, quoi. Et non, sinon, quoi, ça peut être sur quoi? Salut, Fourreau, comment ça va? Parce que Voli a déjà fait League of Legends, donc. Ah, oh, ouais, non, pas là-dessus, hein. Sur Suika Games. Bah, sur Suika. Bah, ça va, c'est pas bon, Suika Games, mais ça va. Bon, ça va. Non, oui, après, il y a d'autres jeux où je suis pas mauvais, hein. Des jeux en ligne, j'ai joué à Rocket League, à Apex, ouais. À Fortnite. Ah ouais, mais tu fais que des jeux de merde. Bah non, mais c'est des jeux en ligne, quoi. Tu veux que je te dise quoi de plus? Valorant. Bah moi, je jouais à Abo Hotel en fait. Ah ok, bah c'est bon, je m'avoue. Hein. Ah, furie. Tu nous mets des giga amplis dans le jardin là? Oh les voisins. C'est le home cinéma. Vas-y, fais ton home cinéma. Dans le coin des pièces, il y a grave des rochers inconnus. Si je me focus, on connaît la capacité de Rock à se focus vraiment. Faut dire, hein. Dites plus fort les termes, hein. Bah écoutez, j'y peux rien. Mais c'est pas moche en vrai ce que t'as fait là. C'est trop symétrique, mais. C'est mignon. C'est ouais. Tu peux pas le décaler d'un quart? Comment ça, d'un quart? Bah je peux pas le mettre en mode. Ah, en diagonale? Non, tu peux pas. Ah, je jouais pas à Botel, j'ai dit ça au hasard, mais je jouais pas à Botel. Il faut juste une petite table au fond et on est bon. Bah vas-y, mets une petite table. Là, ça fait très ambiance festive. Ça fait vraiment pas très ambiance barbecue. Bah si. Pourquoi tu mets ça, comme toi? Comme ça, ça fait ambiance barbecue. Les petites tables en orange? Oui. Ça fait ambiance barbecue? Oui. Ah d'accord, bah écoute. On peut rajouter un barbecue d'intérieur si jamais il faut. Et là, tu vas noter, on va mettre la machine à tomber. Bah écoute, fais-toi plaisir, hein. Au point où on en est. Oh le terrain de basket. Putain. Ça, tu vois pas que ça va pas tout passer là, il y a un petit. Bah coup. Écoutez, moi je veux un chien. Voilà, c'est tout ce que. Et lui aussi il veut un chien. Enfin, elle aussi elle veut un chien.
Ça aurait été un chien, la vie. Voilà, hop. Avec petit panier de basket. Elle aussi, elle veut un chien. C'est un chien. Louche. Du coup, ça ressemble plus à grand chose. Ça ressemble peut-être plus à grand chose. Est-ce que le SO fonctionne? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de choses? Ouais, vas-y, on enlève le panier de basket, tant pis. Je peux plus faire? Putain, j'ai plus mon shoot-out. Non, attendez, ça on va le mettre là. Et avec une... Y'a pas une mini-cuisine sinon plutôt? Si, y'en a. On va aller à C alors. Ouais, M pour mini-cuisine. Merci, Lox. N'hésitez pas à les follow, Lox. Salut, pas Lox, Rock et Lox aussi, mais... Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Salut Kurkama, comment ça va? N'hésitez pas à les follow les deux, mais évidemment, il y a le Twitch de Rock qui est affiché en haut du chat, quoi. Voilà. Promis, je n'ai pas mangé. Je mange pas, promis. Si, alors, si j'ai bien compris, sur le DLC, il y a deux sortes de personnes. Les Cohen qui mettent des meubles au hasard et finissent à déco en deux minutes, et les Hervandor qui mettent 2-3 heures pour voir la déco toute seule. Bah, au début, vous êtes mauvaise langue. Hein. Au début, mes décos, je les ai faites, mais longtemps, hein. Ouais, mais parce qu'après tu voulais rush les 400. Ouais, après c'est parce que j'avais un objectif de rush, c'est pour ça que je les faisais bof bof, tu vois. Mais au début, si, si, j'en ai fait quand même une cinquantaine bien décorées des maisons. C'est long, 50 maisons bien décorées. J'ai essayé de faire au mieux, on prenait le temps. Je faisais des beaux trucs en plus, c'était sympa. Hein. Mais maintenant, c'est vrai que bon, par contre, bon. Oui. Salut Benjamin, ça va et toi? Mais qu'est-ce que tu nous fais là sur la... Bah, en fait, comme ça, paf, on est ouvert. C'est un peu aléatoire, les objets. Non. C'est très mauvaise langue. C'est très mauvaise langue. Voilà. Swag. Alors, c'est peut-être un... Non, mais il y a peut-être un... Non, vas-y. Pourquoi t'as mis les deux tables en bout, là? Elles servent à quoi? Elles servent à rien, tu penses? Bah, je... oui, pourquoi tu... Enfin, faut que tu donnes une utilité. Et comme ça, tu vois, t'arrives, paf, oh, on est ouvert. Bah alors, dans ce cas, tu mets une grande table, enfin une table de 2 de large, et tu mets des trucs dessus, en mode popcorn. Ah ouais, putain, je peux en mettre deux chips. Dessus. Et c'est pour ça... Non, mais vas-y, en fait, je vais mettre une mini-table avec ça sur... Je sais pas s'il y a des popcorn en objet, je crois pas qu'il y en ait. Et ça, je le laisse là. Ouais, non, non, ça, en fait, je le vire, et je mets le open là. Bah, en vrai, Anna, je pourrais, hein. Après, c'est juste que... Non, et là, je mets une table. Et là, je... Ok, là, je mets une petite table. C'est juste que c'est pas moi de mon domaine, c'est plus la déco extérieure. Je suis pas très déco intérieure. Il y a des personnes qui... Pardon, je te fous des coups de... Ouais, j'ai pris cher là. Il y a des gens qui sont très très forts en déco intérieure et qui ont la patience. Moi, la déco intérieure, j'avoue que je perds grave patience très vite. Parce que j'ai l'impression en fait d'être bloquée dans la zone où je décore, tu vois. Parce que bah, ça a une taille bien donnée alors qu'en extérieur, bah, t'as à peu près de la place. Quoi. Tu débordes un peu, c'est pas grave. Mais j'ai ouvert la fenêtre parce que j'avais chaud, maintenant j'ai hyper froid. Voilà! Bravo. Le, ah oui, et je... C'est en fait, c'est en mode mi-intérieur, mi-extérieur. J'espère que ça... Rob, tu décos pas ta maison comme ça, sinon j'appelle la police. Bah, j'ai une très belle déco d'intérieur, d'accord, donc bah, voilà. Bravo, maintenant t'as plus qu'à lui parler. En vrai, il y a un truc, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un truc. Il y a un début. C'est ma première maison. Je viens de voir le twerk de Rock. J'aime beaucoup, on sent qu'il est débutant, mais il y aura du progrès. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme dans tous les domaines, hein, comme sur Animal Crossing, il y aura du progrès. Tu te dis, bon, quand tu regardes, tu te dis en mode, ouais, mais ça peut progresser. Tout est prêt. Et je pense qu'elle peut me dire, je n'aime pas. Non. Je ne t'engage pas pour faire ma déco. Ouais, hey, moi, je lui mets 3 meubles, elle est contente. Hein. Ah, ok. Donc, toi, ça va alors. Elle est très contente. Hein. T'as passé tout ce temps ici pour moi? Waouh, pour la joie. Moi, elle me dit d'habitude, mais t'as déjà fini? Oh, mais c'est super! Mais c'est super, mais c'est trop bien, t'as déjà fini! Vas-y! Ah, mais trop bien! Mais... Alors j'ai fait un peu une voix de Renault, mais. C'est... Ah oui, c'est vrai! Ouais. T'as vu la vidéo à son concert? Oui, bien sûr, on n'entendait pas les. Attends, c'est bon! Hey, t'es toi! Riche. Du coup, elle me paye pour ça, elle me donne des non, c'est des pas elle qui te donne des pokies. Enfin, elle les donne à Louis, elle te donne. Vas-y, fais B! Oh, attends, ça veut dire que du coup, il y a des gens qui sont des sous sur moi. Fais B! Il y a des gens qui sont des sous sur moi? Putain! Peut-être que oui! C'est aberrant! Eh oui. Voilà, parce que moi je gagne pas tout. Eh oui. Bah oui. Bah voilà. Bah oui. Bah oui. Renaud. Il m'a grave aidé aujourd'hui. C'est une vache, hein, c'est pas Renaud, hein, que t'es en face. Eh oui. Allez, vas-y. Les photos. Bah non, mais on s'en fout, les photos. Mais il fallait me dire non, mais prends pas de photos. Bah, prends des photos. Vas-y, prends des photos. Les photos. Vas-y, prends des photos.
Fais des photos au lieu de regarder les photos que t'as pas faites. Mais comment on fait? Bah, t'es ah d'elle. Faut... Ouais, mais ok, mais c'est trop. Ah, t'as des miles aussi, il faudrait que tu les prennes. La photo que t'as fait. C'est une seule. Hein. Ah, mais nul. Bon, bah tant pis. Bah, tu peux en faire plusieurs, mais tu, enfin, tu en fournis bah, qu'une seule. Donne celle-là. Bah, vas-y, donne-lui celle-là. Bah, c'est très bien. Vas-y, bah, vas-y. Bah, c'est très bien. Stop, c'est trop. Pardon, pardon. Ça va, en vrai, franchement, ça va, c'est pas moche. Non, je pense que ça va. Bon appétit, Julien. Bon appétit. Bon abonna, parce qu'il va manger. C'est vrai qu'il va, va être l'heure ouais. de manger en vrai. Ça fait combien? Ça fait 3h30, on va savoir. Pouillet, pourquoi 9? Bon, allez, je m'en vais. Tu me dis quand t'as faim, comme ça on arrête. Fait... Bon, on... moi je m'en vais ou tout va bien? Ouais, moi je m'en vais. Ok, bah vas-y. Quoi? Quoi? T'as faim maintenant? Ah non, mais j'ai dit vas-y, tu peux. Ah, tu veux que j'y aille? Ouais, bye. Bah, comme ça, maintenant on a compris, du coup, les amis, on peut continuer de laisser tranquille et aller à notre rythme. Allez, pas nous, en vrai, pas nous. Bah, c'est total... Oh, 12 000 Pookie. Pookie. Maintenant, moi j'en gagne 40 000 sur Akumu. Ah, oui, c'est pas mal. Hein. Fini. Ah non, j'ai tout à fait. Bah, tu peux dire fini. Ah non, c'est trop dur tout à fait. Hein. Ah non, 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 c'est compliqué. Hein. Du coup, tu vas mettre quoi comme titre? Celui-là, c'est bon. Je coach un gros noob. Je coach une c'est bien ou pas? Merde. Non, en vrai, qu'est-ce que je pourrais lui montrer qu'est-ce que je pourrais lui montrer pour merci beaucoup, compléter un pas. Peu merci beaucoup. Ouais, ça, franchement, ça va. Ça, ça me touche beaucoup. Hein, c'est pas compliqué, Animal Crossing. Bah, trop de bon titre. Ah, merci, Goli. Je coach un caillou. Je coach un caillou. C'est quoi ce titre? Qu'est-ce que je peux te montrer encore? Il faut que tu fasses... Alors, en fait, il faut que tu fasses... Tu... Le titre, ce sera « Je coach ce streamer », point d'interrogation, et la mignotte en mode... Avec une flèche rouge et avec moi mais tu sais en mode silhouette et point d'interrogation dessus. Ok, ça me va. Voilà. Et je pense que là tu fais genre 50 000 vues. Ah bah j'en fais au moins 17 000. Bah pour moi après voilà, est-ce que je mérite les 17 000 vues? Ouais. Non, c'est pas beaucoup en fait 17 000. Non, j'en veux 117 000. Je voulais faire un genre en mode c'était un nombre fou, mais j'ai bah 17 ouais, 000. Non, 17 000. 17 000 ouais. C'est grave ok genre. À tout moment, oui, ça arrive quoi. Quel est ton plan de vol? Je veux rentrer. Ouais, je veux rentrer. Mais j'ai le mal de. J'ai un nombre au hasard, un gros nombre, c'est possible donc. Le monde onirique, tu as montré? Non. Non. Est-ce que c'est le truc pour qu'après les gens viennent sur mon île? Ouais. Tu vas aller voir? Voilà, si vous voulez voir l'île des cailloux, ouais. Mais je sais pas si j'ai déloqué. On va aller voir, on va aller regarder. Pour un jour ou pour toujours? Occasionnellement. Non, non, mais on y rejouera, par contre, et je vous promets qu'on y rejouera. La semaine prochaine, il y aura un live Animal Crossing. En vrai, c'est un jeu, faut que vraiment. Enfin, comme je disais au début, faut que tu sois dedans. En fait, sinon, c'est juste que je pense que j'étais arrivé à un level où. Ouais, du coup, bah, c'est un peu chiant, mais du coup, maintenant, tu vois que. T'as pas assez de temps. Que j'ai le remodi, du coup, en vrai, c'est bête, mais ça me. Ça, c'est ouais, plus agréable de jouer, c'est ça, et tu sais ce que tu dois faire, quoi. Ouais. J'ai pris la manette, mais. Bah oui, c'est vrai, j'avoue, là, j'ai. Parce que t'as posé la manette et tu bougeais plus, ça m'a angoissé, du coup. Ah oui, pardon. Prendra la relève, ouais, oui. La formation de falaises et rivières, je pourrais mettre ça sur mon CV, je pense. En vrai, par contre, ça, premier degré, faire des falaises et des rivières qui sont jolies, c'est vraiment oh, c'est compliqué, pas hein. évident. Bah non, et mais des gens, il y a plein de après, gens. Si mon... Et là, d'ailleurs, faut que je le fasse, je dois faire un tuto rivière et un tuto falaise parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on fait des belles falaises parce que eux, c'est tout carré. Bah c'est ouais, tout simple en fait, t'as juste à faire des petits creux puis t'arrondis quoi. C'est vraiment pas compliqué, mais il y a plein de gens qui savent pas aussi, je l'ai. Je vais te montrer, tiens. Quand t'es dans ta maison. À partir du moment où t'as reçu la lettre de Serena, ouais. tu places soit son lit, soit un autre lit, tu vas dans le monde des rêves. Ok, d'accord. C'est une bonne idée. J'ai connu grâce à SNH. T'as connu Rock grâce à SNH, c'est vrai? Oh non. Attends, du coup, où Gatien, tout en bas. Ah bon? Ah bon, Gatien? Ouais, j'aurais pas pensé. C'est grâce à TikTok, non? Ah, mais du coup, c'était peut-être grâce à TikTok quand j'ai streamé du SNH. Peut-être. Je sais pas. Peut-être, hein. Peut-être. C'est possible. Qui sait? C'est possible, c'est possible. Donc là, ah donc oui, t'as pas de code onirique. C'est de là que tu viens, n'est-ce pas? Tu dois être la célèbre Cohen. Oh, elle me connaît. Bah, ouais, le non, mais, non, mais exact. J'espère qu'elle est abonnée à la chaîne. J'espère aussi, hein, Serena, t'abuses. Hein. Le billet, bon, c'est bien des rêves. Parce qu'on connaît pas encore, elle nous a pas encore dit son nom. Ah. C'est la première fois que j'y vais. Bah voilà, elle est je horrible. Je suis Serena, j'administre la librairie onirique. Pardon. C'est Gros Tété, arrêtez la pauvre. Chad, il l'appelle Gros Tété. Oh, c'est méchant. J'espère que t'es sub T3, Serena. C'est quoi, c'est un tapir? Oui. Ouais, oui, c'est ça. Je dirais qu'il le permet de rêver de l'île d'un autre joueur. Une fois, on sent un rêve, c'est comme si tu étais allé. Regarde le message de Locke, je vais le taper, putain. Parce qu'elle est sub T3. En dessous, tout en bas.
Allez, vas-y, je vais rêver. Putain, ouais, ok, je vais rêver, c'est parti. Putain, il fatigue votre copain. Profitez-en, petit, qui a ajouté au catalogue onirique à disposition des joueurs. Pour faire simple, pour partager le rêve de ta vie, il te suffit de me dire. Salut Patricia. Je veux partager un rêve. Vas-y, vas-y. Alors là, tu lui dis, je veux rêver. Je veux rêver, ok. Ouais. Et partager un rêve, c'est quoi? C'est quand tu mets ton île à jour. Okay, en gros, c'est d'accord. Toi qui montes ton île. Enfin, qui mets le rêve de ton île à jour. Ok. Vas-y, fais oui et tu vas faire. T'as pas de code donc tu vas faire aléatoire. Tu veux dire, je m'en remets à toi. Tu vas faire une île random là? Ouais, aléatoirement parmi toutes les îles qui sont posées. Des fois, on tombe sur des trucs super beaux. Petite pensée. Est-ce qu'on peut retomber sur mon île à moi random? Tu l'as mis à jour? Parce que je l'ai pas mis à jour. On pourrait, mais il y en a tellement. T'inquiète pas. Je vais aller sur les trésors et te les restituer. À ton réveil, je crois avoir tout dit. Ah, d'accord, Marvin. Ok. C'est dans le folklore japonais, il y a un yokai tapir qui influence sur les rêves et les cauchemars. Okay. Donc c'est pour ça. Et genre, est-ce que chaque personnage d'Animal Crossing a des rêves ou pas? Pas tous. Les kappas, donc amiral qui nous a emmené sur l'île avec les carottes là, lui il a une référence avec les kappas, c'est des bouffeurs d'enfants. Est-ce que du coup le livre explique Je ouais. crois pas, le guide je sais, je en crois vrai, pas. Je pense que ce serait intéressant, ouais. Tu sais, de savoir un peu le background ouais, des personnes. Il y a un gyroïde à tes pieds aussi. Mais c'est plus un meuble qu'un vrai gyroïde. Ok. Mais c'est un meuble qui n'existe pas dans le jeu. Ouais, les sept et trois, elle a tout touché, elle a raqué là. Elle a sorti les sirènes, heureusement. C'est aberrant ça. Non, mais sur le wiki, il y a, ouais, par contre. Cherchez pas, non, sur. Surprends-moi, ouais. Oh. Bah, on la drague là un peu. Bah, peut-être. Ah, on lui dit surprends-moi. Surprends-moi. Bah, ouais, c'est pour ça, c'est un peu tchatch. Hein. Un peu tchatch. Ferme les yeux, détends-toi. Ok. Ah, ouais, j'ai vu, il y a un gyroïde, j'avais pas vu. Mais je viens de te le dire. Bah pardon, j'étais. J'étais déjà en train de dormir, c'est okay. pour ça. Ouais, mais j'étais déjà en train de dormir, je parlais en dormant, c'est pour ça. Chat GPT, non, je suis pas sûre. Alors, tu regardes le TikTok. Chat GPT. Oui, je regarde, bah, ASNHOZ et follow à mon compte. Ça m'a étonné, mais le compte est follow à moi. C'est quoi, c'est. C'est un compte. Alors, c'est un compte Animal Crossing, mais c'est des parodies d'Animal Crossing, faut que je te montre. Il est vraiment cool ce compte. C'est des parodies d'Animal Crossing, mais genre fait en 3D. C'est genre comme le mec qui fait les trucs d'horreur là? Ouais, un peu. C'est un peu marrant, je republie de temps en temps, j'en vois passer. Genre, c'est Tom Nook qui balance des trucs à Marie, Marie qui tabasse Tom Nook, tu vois, des trucs comme ça. Oh, le drapeau. Ah oui, ouais, je vois ce que c'est, oui, je tombe dessus c'est aussi. C'est genre des trucs comme ça. De toute façon, tu republies aussi sur TikTok. Ouais, j'en republie. Par exemple, c'est plus connu, mais ça me saoule, j'ai pas de goût, genre. Genre là, par exemple, c'est Marie qui chasse un moustique, tu vois. Ouais, non, j'avoue, c'est drôle en vrai. Oui, il se motive là, il se chauffe. Marie qui a brûlé sa maison. C'est des trucs comme ça. En gros, c'est un peu de l'animation ouais, 3D, c'est pas, des vrais, c'est pas des vrais points de vue, genre c'est vraiment de l'animation 3D. Regarde, lui là. Mickey Mouse! Putain, aberrant. Lui là qui s'est passé pour Mickey. En mode gros concert et tout, mais c'est de la 3D, genre je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est trop trop cool. Oh, le petit club là. C'est marrant. Alors du coup là, cette île fait voir. Bah, le mec a grave bien décoré là, enfin c'est. Bah en vrai enfin, ça, grave bien, c'est de décoré tu vois. C'est de décoré. Oui c'est décoré. C'est tout con tu vois, mais ça tu vois tu pourrais le faire. Ouais je pense que ça va. Parle lui. Il me fait plus. Va voir il parle quelle langue. Bienvenue. Non, et la Danne. Il a pas super. Mis. Ouais, non il a pas mis. Très... de... C'est le deuxième personnage ça je pense. Ok. Et du coup, cette c'est vrai, Fanny. Tu peux rien prendre, c'est ça? Non, en fait, tu peux juste visiter. Ok. Toutes les actions que toi tu bah fais ouais, là, bien, ça sera pas sauvegardé dans l'île du mec. Oui, bah c'est pour ça. Ouais, il est un peu, je trouve, un petit style japonais. Ouais. Il est d'accord, oh là. Y'a rien. Okay, voilà. Ouais. Son île doit pas être terminée, mais il y a quand même une base, c'est assez sympa en vrai. Ouais, en vrai, ça, je pense que ça pourrait être un concept, ça, de faire ça. Genre en mode que je débarque sur des îles aléatoires comme ça et que je donne des conseils. Critiques. Non, que je donne des conseils pour améliorer, tu vois. Même je pense pour les îles des gens là. Ouais, mais tu vois, je me sentirais moins coupable de dire ça d'un inconnu que de quelqu'un qui m'a demandé de le faire pour lui. Tu sais, je trouve ça reste ton avis personnel et que t'aimais des remarques. Après, tu peux dire, bah voilà, genre il y a ça que peut-être tu vas m'améliorer après en faisant ça ici et ça parce que bah voilà, c'est comme ça. En vrai, c'est juste. Après oui, il faut être soumis à la critique, mais je pense que quand tu fais une Animal Crossing et que tu la partages avec ton code numérique, c'est que t'es prêt aussi à oui, entendre certaines choses. Après bon, je vais pas être là en mode « ouais, c'est dégueulasse !» Non, après, de toute façon, il y a pas de... Quand même. Quand t'as des bonnes manières de décorer, mais il y en a plein. Genre, ça dépend des goûts des gens, et...
Et là, bah, je pense qu'il y a des gens qui aimeront pas cette team-là. Oui, c'est sûr. Bah, tu vois, moi, par exemple, ça me parle pas trop, tu vois. Le mec, il a... Enfin, le mec, enfin, la personne qui a fait l'île a décoré, c'est délimité, t'as les routes, t'as les endroits, tu vois, tu comprends quand même ce qu'il a voulu faire. Mais on va dire que ça suit pas les tendances de ce que les gens font actuellement sur Animal Crossing, on va dire. En ce moment, les tendances, bah, c'est comme je disais au tout début du live, c'est les motifs, c'est tout ce qui va être plus dans ce style-là, quoi. Ouais, là, on est sur un truc assez basique. Ouais. Et bon, je vais te dire, c'est pas, c'est sympa. Ça, oui, après, il reste encore de l'espace, un peu de vide, donc je pense que c'est pas fini. Oui, bah après, c'est pas fini, donc... Non, ça peut être sympa. Tu vas utiliser des motifs aussi, concept, tu vois. En vrai, si tu fais... Moi, je fais un parallèle, je sais plus, je crois que c'est... Alors, j'ai plus son nom qui fait de lui... Alors, non, ouais, si, il fait de lui, c'est pas du tout Bastille. C'est un mec qui redesigne les logos sur YouTube. C'est son concept, juste pour des logos. C'est... je vois qui tu parles. Le chat Laura. Je sais pas. Balou. Balou. Je sais pas comment Balou, vous dites. Ouais, c'est ça. Et genre, en vrai, tu vois, Marvin, il connaît lui. Il design des logos. Ah, pas parler au perso là-bas. Je trouve ça intéressant parce que, bah, en vrai, il explique lui ce qu'il trouve. Enfin, en fait, il dit que de toute façon, dans tous les cas, c'est son avis. Et que, bah, lui, il trouve que ça pourrait être amélioré comme ça parce que ça fait penser à ci, ça. Et en vrai, dans tous les cas, c'est bien. Enfin, si c'est expliqué, il n'y a pas de raison. Et puis, même au contraire, je pense que ça peut être kiffant d'avoir un petit avis sur ce quoi. Puis dis bon appétit. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais dis bon appétit, en fait. Bon appétit. Bon appétit. Sinon, ça peut toujours être. Bon appétit, Marina, bon appétit. Même sur ce qu'on fait. Parce qu'après Animal Crossing, je pense que ça reste un jeu où t'es peut-être un peu plus solo que la majorité. Donc c'est vrai que peut-être, bon, même si t'as le conneries tout ça, je pense que t'as pas souvent l'avis, je pense, d'autres personnes. Enfin, par certaines personnes, je pense qu'ils sont en contact avec d'autres joueurs. Après, moi, je sais que. Moi, honnêtement, toutes les personnes qui me demandent de venir voir leurs îles, c'est ouais, des conseils, etc. Et ça va vraiment que de conseils en particulier. Va sur la place et rallonge. Non, tu vas faire quoi pas... Non, mais t'inquiète, c'est pour rentrer, mais. C'est Sushi. Salut, c'est Sushi, comment ça va? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils et tout, et c'est vrai que c'est un concept que je pourrais faire. Mais ouais, je sais pas, ça me motive pas, mais je sais pas, j'y pense pas en fait. C'est pas toi qui me vient à l'esprit. Tu fais une... C'est pas ce que je veux proposer comme. Après, oui, il faut que ça te plaise. Si ça te plaît pas, c'est toujours ça quoi. Tu me dis sur la plage. Non, sur la place, pardon. Celle-là? Un autre Sushi dans le chat. Eh oui, ouais. Là, ça te permet de repartir. Ah, ok, d'accord. Je pensais qu'il fallait aller sur la. Ah non, mais tu dors dans le lit. Ça fait île 2020 un peu. Ah, il faut dormir. Ok. Bah, c'est ça, Christy. En fait, c'est ce que je disais au tout début du live. Je pense que c'était pas encore arrivé, mais je disais que. Non, mais allonge-toi. Arrête de prendre le lit. Déplacer le lit, laissez-moi. C'est quoi l'hymne? Je l'entends pas. C'est quoi l'hymne? De quoi? L'hymne de l'île. T'as pas reconnu? Marvin, il dit l'hymne. C'est quoi l'hymne? Vas-y, fais A. Allez, A. Non, tu l'entendras pas là, c'est trop tard. Ah bah non, j'ai pas entendu alors. Marvin, là, j'ai pas entendu moi du coup. J'ai pas de casse. Mais oui, enfin, ce que je disais au tout début, en fait, quand tu utilises beaucoup de remodil, on utilisait tout le temps le remodil, enfin les sols du remodil pour faire nos îles. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'est un peu ancré en mode ça, c'est la découverte du jeu. Et en vrai, je pense que tous les joueurs passent par cette étape-là de faire des chemins remodil, se rendre compte qu'on peut faire mieux, utiliser des motifs et commencer à refaire les chemins remodil mais en motif. Mmh. Tu vois, ça c'est se fait. Sûr. Mmh. Ça se fait quoi. Mais il faut passer par là. Bon, ouais. On a pas fait le tour un peu là quand même, j'ai l'impression. Je sais pas comment te. Bah c'est non, mais c'est pas mal. En vrai ça se capte après, bah. Ouais. Ouais, c'est stressé. Ah, larguer les amarres. Loup de mer bronzé. Ouais, tous les jours, pareil. T'en penses quoi ma photo? Bien. Bah, ça a changé de coupe t'en maintenant. T'en penses quoi du mon coup, message? Mais... Animal de compagnie de poche. Quoi? T'en penses quoi? Bah, est-ce que ça. C'est mon titre. C'est censé être représenté. Ouais. T'en penses quoi? C'est. Animal de compagnie de poche. Ouais, t'en penses quoi? Bah, genre, du coup. T'en penses quoi? Bah, c'est genre les sacs de course. T'en penses quoi? C'est les sacs de course. Non, pourquoi? Bah ça va, ouais, c'est bien. Ça te représente ça, ouais. Avec ta monodent. Et de mon message, t'en penses quoi? Et quoi, le message, il est où? Bah en haut. Ah putain, j'ai pas vu. Oh putain, t'en penses quoi? Ah mais je disais pas ça. T'en penses quoi? C'est quoi, c'est la des dialogues? Non, c'est non. T'en penses quoi? Ouais, c'est bah c'est poétique. Ouais, c'est poétique, ouais. T'en penses quoi de mes titres? Animal de compagnie de poche. T'aimes pas? Non. T'aimes pas? Non. T'aimes pas? Non. Tu veux mettre quoi? Tiens, bah oui. T'aimes pas?
C'est le sac, oui, parce que pour une poche, c'est un sac de course. Oui, oui, à Bordeaux, une poche, c'est un sac, c'est enfin, pas c'est une un poche sac, de jean. Justement, les îles trop chargées avec plein de routes motifs, j'aime moins. Bah, c'est ça, c'est. Bah, ouais, c'est ça, chacun ouais. a ses goûts, et c'est pour ça que c'est compliqué d'émettre entre guillemets une critique, ce sera plus des conseils et ce que oui, t'aurais c'est ça, fait. Parce que tu vois, par exemple, moi je sais que je suis une joueuse construction, et quand je fais de la construction, je fais beaucoup d'urbain parce que j'adore construire des bâtiments, donc forcément, bah, mon île va être en thème, enfin en rapport avec le thème. Enfin voilà, donc ça va forcément être des routes, des grosses routes, bah, comme je fais quoi. Et t'en penses quoi? T'aimes pas? De quoi? Je fais exprès, mais supportable. C'est ce que ça veut dire entomologiste? Non. Je trouve ça drôle comme mot. Je sais pas ouf. Mais ouais, par exemple, pour ceux qui font des îles naturelles, bah, les motifs, oui, vont avoir leur importance, mais ça va, tu vois, c'est pas non plus. C'est pas, ça va pas être trop chiant quoi. Fan de bibelots en apprentissage, mais c'est quoi ta merde là? Mais je trouve ça drôle. Mais non, c'est nul. Mais y'en a des plus drôles. Bah, je suis pas allé jusqu'au bout non plus. Attendez, je suis pas allé jusqu'au bout. Il faut retourner sur le passeport du coup. C'est les scientifiques des insectes, les entomologistes. Ah bah, je sais pas. Tu fais. Non, titre. Mais j'étais pas au courant. Titre. Titre. Y'en a plein, regarde ce que j'ai débloqué. Haricot. Ça, ça te fait rire, haricot. Ouais. Ichthyophile. C'est pour les poissons. Ah. Titre. Influenceuse. Influenceuse. Influenceuse, fleur bleue. T'es sûr que ça aime pas? Ah non, fais non. Herbivore. Larve. J'avais une viewuse, elle s'appelait Larve agressive. Parce que son titre sur Animal Crossing c'était Larve agressive. Moissonneuse. Y'a pas batteuse. Non. Mais non, mais fais chier, putain. Il voulait juste batteuse, bordel. Batteuse. C'est une moissonneuse à la dérive, c'est bon. Allez, vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est la moissonneuse à la dérive. C'est faux, je rage quitte Mario Wonder de relance. Ah, sushi. Je suis morte. C'est pêche claquante. Oh, ok, d'accord. D'accord. Ça slay, ça slay. Ça annonce des choses. Elle a une bonne tête de moissonneuse. Ouais, moi je trouve aussi, ouais, je trouve ça a une tête. Je suis assez d'accord, Fanny. Ouais. Ouais. Tête de moissonneuse. Bon, est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour aujourd'hui? Ouais, vas-y, moi ça me va. Combien de temps ça fait? Ouais, ça va faire 4 heures déjà. C'est un merdeur. Allez. TikTok, au revoir. Ouais, bah, y a une personne qui était là, la pauvre personne. Au revoir TikTok, des bisous. Je viens de désigner un peu. T'as stoppé le live là? TikTok, oui. Ok, d'accord. T'as trop tard? T'as stoppé comme ça? J'ai revoir TikTok, bah, j'ai fait tout que puisse. Ah oui, putain. J'ai le plugin sur le stream deck. J'avoue que c'est mal, il faudrait que je l'installe. Ça me gratte les aisselles. Ah, voilà, petite information. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça? On va voir, on va arrêter. Il y a la musique en fond, c'est bon, t'as tout. T'as la musique de non, fond. Non, y a pas de musique. Pourquoi y a pas de musique? Tu fais la cut. Ah oui, j'ai cut. C'est bon? Salut, c'est à toi, t'arrives à la fin. Bon, t'auras appris des trucs quand même un peu. On dit du coup Néline. Canline, comme tu sais les cannelés. Ah ok, comme les cannelés, ok, ok. Ok, mais merci beaucoup, c'est gentil. Vous savez que. Canline, toute ma vie, je l'ai appelée Canéline. Parce que je pensais qu'elle s'appelait Néline et qu'en fait elle faisait partie de la communauté de Lucas. Et sa communauté s'appelle les K. Donc je pensais genre Canéline. Et il y a quelques. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a quelques semaines, elle m'a appris que ça se disait genre Canline, comme les cannelés, tu vois. Et je suis là en mode. Vraiment la révélation, j'étais dans le fou pendant tant de temps. J'avoue, ça se comprend, ouais. C'est pour ça, dès qu'on prononce mal votre pseudo, vous le dites. Ah, non, comme ça au moins, il n'y a pas de mal. Grave. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Je vais repartir en terre bordelaise. Et on va à Red Alway. Allez. Ok. Ça, c'est une autre streameuse, ouais, mais qui fait des vidéos ouais. YouTube. Ouais, je crois que tu m'avais déjà dit. Et elle fait des trucs. En fait, elle fait surtout elle. T'as Chao Kori, je crois que c'est ça. C'est son île un peu en mode. Hawaïen. Je sais pas. T'aimes Vaiana, donc oui. Ouais, en plus, il y a des cailloux, c'est bon, tu lui dis. Je peux vous conseiller deux autres youtubeuses si jamais il y a Alouai que je vous conseille pour trouver l'inspiration. Alouai fait beaucoup de vidéos inspiration, elle visite beaucoup d'îles, elle donne beaucoup d'idées de déco, elle est très forte là-dessus. Et il y a Thiao Cori qui est très très douée en construction, vraiment, elle est très forte, elle fait des très très beaux trucs. Elle est aussi sur un thème Palm Spring, elle a commencé un peu largement avant moi. Donc si jamais vous voulez avoir un peu le même style de thème, si vous êtes aussi dans un thème comme ça, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos elle aussi, parce qu'elle fait vraiment des super beaux trucs. Elles sont très fortes les deux, et voilà, du coup là je vais vous raid vers Alouai. Elle est plus présente sur YouTube, mais elle fait aussi des streams, ça fait quelques fois qu'on la raid déjà maintenant. Et elle est trop gentille, genre. Non pardon, t'inquiète, non vas-y, c'est qu'est-ce bon. T'inquiète. Ouais, et mais Kenny, je préfère dire... Oui, Kenny, du coup je préfère dire les... Mais... T'as dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit quoi? Quoi? Tu m'as repris?
Non. Ok, j'ai eu peur, putain, j'ai eu peur. Non, non. J'ai eu peur. Je voulais juste dire, tu voulais voir si tu peux faire un chose. Ouais, du coup, à mardi, moi je... Oui. Ouais, je... reviens, voilà. Enfin, je reviens du coup en stream mardi soir à 19h. Donc voilà, petit Mario Kart. Voilà, et si jamais... bah, n'hésitez pas à aller le follow, hein. Unrock, il y a le lien, il y a son... tag dans le titre, vous avez juste à cliquer dessus, ça vous emmène sur sa chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit follow quand même, ce serait cool. Et puis, n'hésitez pas à passer maintenant que vous l'avez vu en tant que personne. J'avoue, j'ai fait parce que c'est bien beau, tu vois les raids et tout, mais c'est vrai que si tu prends jamais le temps de rester chez la personne, parce que je sais pas, tu dois aller faire à manger, tu dois aller faire ci, faire ça. Voilà. Ah, merci, Lox. Non, mais non, mais je. N'hésitez pas à unfollow. Mais c'est quoi cette injustice? C'est tout simplement injuste, bordel! Je suis passé à travers les plaques! Oui, sur ce, il reste plus que 30 secondes! Ah merde, des bisous! Au revoir, des bisous! Bah, attends, 30 secondes. C'était trop cool de faire un petit stream avec vous! C'était grave cool! Vous êtes très gentils! Oui, merci pour les follow! Merci encore! Ouais, et puis, bah, on se dit pas demain, parce que repos demain! Et à mardi! Je vous mets le planning dès que possible! Bisous tout le monde! Bonne soirée! Bisous, au revoir, pensez à follow Aloy aussi! Bisous! Des bisous, au revoir!